Florian. Bonjour. Je baisse le son, le son est toujours trop fort. Alors, non, le son il marche, ouais, le son marche, c'est bien, c'est parfait, la musique est trop forte, ça fait chier. Voilà. Bon, je me prépare, voilà. Bah, du coup, on va continuer Tomb Raider. Les aventures de Lara Croft. Qui essaie de bien parler anglais. C'est juste ridicule. Un Tomb Raider. Ouais, bon, du coup, on va essayer de continuer. Bon, au moins, je me suis débloqué tout à l'heure, donc c'est bien. Je vais mettre bien le micro plus comme ça, parce que c'est chiant, ça. Bon, je crois qu'on m'entend, là. Bon. Et bon, bah, j'ai bien mangé. J'espère que les gens qui sont là ont bien mangé aussi. On va continuer de jouer à Tomb Raider. J'ai fini mes bonbons, là, d'ailleurs. Ils sont plus là, oui, Mathieu. Mes bonbons œufs. Après que je passe l'aspirateur aussi par terre, parce que c'est dégueulasse. Mais je passe l'aspirateur, je passe tous les jours l'aspirateur. Alors, bon, je vais faire le son. On va essayer de partir, on va terminer la musique. Bon, le jeu, normalement, il est prêt. Alors, comment ça va? Comment ça va, les gens? Est-ce qu'il y a des gens? Je crois qu'il y a des gens, je suis pas sûr. Pire, si je pars tout seul, on s'en fout. Ça change pas d'habitude. Et ouais, du coup, j'ai continué Tomb Raider. D'ailleurs, on arrive bientôt au niveau fétiche, un niveau mémorable pour pas mal de joueurs, là, après. Ah bah, la balle est perdue. C'est un niveau incroyable. Parfait, pile poil à la fin de la musique. Incroyable. Et ouais, bon, du coup, je me casse de là. Paf! Du coup, voilà. On va laisser ça baisser, on va pouvoir jouer au jeu. Allez. Je remets le son. Bien. Ah. Bon, ça va être de la musique encore derrière. Allez, on va lancer Tomb Raider. Tomb Raider, qui a dit... Alors, bibliothèque. Voilà. Pof. Allons-y. Hop, pas de chichi, pas de blabla. Allons-y. Hop, pas de chichi, pas de blabla. Ah, c'est moi en fait que m'entendais derrière. Vous m'entendez sur l'autre stream. Je me souviens qu'il y avait un retour chelou là. Il y avait un drôle de retour. Alors voilà le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool, c'est que le jeu se met automatiquement en... Oh, déjà, on va paramétrer ça bien. Ah, ça c'est pas mis. Ah, voilà. Mettre l'écran convenablement. Tout à gauche pour que je puisse voir quand même le chat. Si les gens disent des trucs. Ah, oh là, le son est fort là du jeu. Voilà. Bon, ça va là, on voit assez, on voit le son. Enfin, on voit le son. On voit le son, on entend l'image. Par contre, ce jeu-là, il est très fort par contre. Par rapport à Sonic et les autres jeux auxquels j'ai joué avant, là. Du coup, les jeux PC sont bruyants. Alors que les jeux de Mega Drive ne l'étaient pas. Bon, cette fois, j'ai pris une autre manette. Après, c'est une manette. Voilà, bon, c'est le pad Pro Switch, ça a peut-être mieux marché. On va charger l'endroit où j'étais tout à l'heure. Ouais, bon, c'est toujours Tomb Raider, je vais essayer de continuer. Voir jusqu'où je peux arriver. Vu que maintenant je suis plus un jeune et fringant adolescent qui passait du temps sur le même jeu. Parce qu'effectivement avant on n'avait pas autant de jeux. Hein. Du coup on avait tendance à jouer toujours au même jeu en boucle encore et encore. Ah c'est mieux avec cette manette là. Peut-être mettre un peu de son quand même. Ah c'est mieux. Ah oui c'est mieux. On dégaine avec cette manette là comme ça, on tire comme ça. On saute, là, fait la roulade. Par contre, je sais toujours pas marcher. Ouais, et est-ce que j'ai toujours ce problème-là avec l'eau? Ouais, j'ai toujours... Attends, quand elle nage. Voilà, quand elle nage, je fais ça. Je comprends pas pourquoi. Ouais, j'ai un problème, c'est que quand elle nage, elle veut vraiment coller au sol. Alors, c'est pas archi problématique, mais je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle faisait pas ça hier avec la manette PS4. Ah merde. Ouais, et moi j'espère que ça me posera pas trop de problème parce que je sais plus comment on marche et j'arrive pas à marcher avec aucune manette. Que dans Tomb Raider, dans les premiers Tomb Raider, on pouvait marcher. Voilà, c'est plus la même touche action que l'autre manette de ce matin. Du coup, il va falloir que je me réhabitue. Bon, du coup, j'avais débloqué la porte là-bas. Là. Elle est où la porte? C'est celle-là, non?
Paf, paf. D'ailleurs, je sais même plus où est-ce qu'on chope les nouvelles armes, enfin les fusils à pompe, tout ça. Je pense que c'est plus loin. En plus, ça fait partie de ces jeux où tu peux louper totalement des armes. Il y a des armes, tu les loupes, tu les loupes, ouais, il me semble. Ouais, il me semble que t'es vraiment dans la merde. À moins qu'on retrouve le fusil à pompe dans un autre niveau, je sais plus. Mais ouais, si, si. Moi, je me rappelle que j'avais terminé le jeu une première fois, il y a très longtemps, à l'époque. Donc, première. 96 ou 97, plutôt même. Et il me semble que. Merde, putain, les chiens. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait plein de chiens. Vous avez pas buté, il a pas buté, non! Comment on fait start? Comment on fait start? Comment on fait le. Pardon, c'est con parce que j'arrive pas à faire le menu. Oh putain, j'ai oublié de faire échappe. Ouais, et le. Il me semble que c'était vraiment un jeu. Du coup, tu pouvais. Ouais, et quand j'avais terminé le jeu une première fois, je m'étais amusé à faire le code parce qu'il y avait un code où on pouvait choisir ses niveaux. Je crois que. Ou peut-être même un truc pour avoir toutes les armes, où je me rappelle plus. Ah, oh, je sais plus. En tout cas, je me rappelle avoir vu qu'il y avait des armes. Enfin, il y avait une arme que j'avais jamais eue. Tuer tous les chiens, tous les chiens, tous les chiens, tiens, tiens. Et effectivement, il y avait déjà. Merde. Alors, effectivement, tout à l'heure, je me suis jeté dans ce niveau-là. Du coup, il y avait plein de chiens qui étaient en train de me. En train de me charcuter la pompe. Ah, il faut que je réapprenne à courir et sauter en même temps. C'est un peu l'un des leitmotivs de Tomb Raider, c'est de sauter, faire enfin, sauter dans n'importe quel sens et tirer en même temps. Ah ouais, il y a deux autres portes après. Bah là, ah bah, vous savez quoi, là, j'ai sauvegardé comme dans le bon vieux temps. Ça faisait partie des jeux où je sauvegardais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais un pas, je faisais, enfin. Je franchissais un mur, je sauvegardais. Alors là, je vais peut-être pas faire ça. Mais ouais, à chaque fois dans Tomb Raider 2, surtout, sur PlayStation 2, on pouvait sauvegarder à n'importe quel moment. Sur PlayStation, parce que sur PC, on pouvait déjà le faire. Oh non, de l'eau! Enfin, j'adore l'eau, mais comme là, j'ai un bug, je sais pas pourquoi elle veut pas nager. Bon, c'est pas trop, trop problématique pour le moment. Le thème du jeu, c'est le thème du jeu. Ouais, et. Alors. Oh. Voilà, et c'était les sauts millimétrés. Là, ça commence, ça y est. Ça commence vraiment. J'essaie de sauter péniblement une corniche. Bon voilà, il faut que je me réadapte à cette nouvelle manette. Peut-être qu'on pouvait peut-être pas sauter dans le. Oh, il y a le thème principal du jeu, composé par Nathan McCray, alias un des meilleurs compositeurs de jeux vidéo. D'ailleurs, il a fait que ça ou pas, lui? Je sais pas s'il a fait que les musiques des premiers Tomb Raider. Je me rappelle plus du tout ça, par contre. En tout cas, il est connu pour Tomb Raider. Je sais qu'il y a des gens, il a déjà. J'ai reconnu qu'il y a beaucoup de gens qui le sollicitaient pour Tomb Raider. Ah, vous m'avez fait toute mon enfance. Faut que je me réhabitue avec assez de touches quand même. J'ai l'impression que la musique est méga forte quand même. Bon, au pire, les gens ils me diront. Hein. Vous me direz hein, s'il y a des gens là. Merde. Tant pis. Je me rappelle plus qu'il y avait autant de chauves-souris. Ouais, et par contre après, alors là non ça va, mais je me rappelle qu'il y a des pièges super vicieux. Voilà, déjà on a vu les flèches, là c'est un peu le piège principal depuis le début du jeu là pour le moment. Alors, par contre, alors je me rappelle que la caméra déconnait, mais elle déconne moins que dans mes souvenirs. Peut-être que c'est dans d'autres épisodes après que la caméra fait n'importe quoi. Parce que finalement, pour le développement de Tomb Raider 1, ils ont quand même eu du temps. Mais par contre, pour les autres Tomb Raider, ils ont eu moins de temps. Donc peut-être qu'ils ont.
Blood Hero, il a fait la BO de FIFA. Ah bon? Putain, il a fait genre un FIFA. Je savais même pas. Comment ça va, Blood Hero? J'essaie de prononcer bien le nom. J'avais même pas qu'il avait fait ça, tu vois. Enfin, pour moi, c'était oui, il a fait Tomb Raider, quoi, tu vois. Ah oui, non, c'est le bouton action, c'est le bouton X. Ah, il faut que je réapprenne complètement. Comme j'ai paramétré une autre manette là. Du coup, ça me fait tout bizarre. Là. Du coup, en à peine, genre en une matinée, je me suis déjà habitué. Alors, je suppose qu'il faut aller en bas. Ok. Oh, des balles de. Bah voilà, bah ça, c'est des balles de fusil, ça. D'ailleurs, j'ai peut-être ouvert la porte là. J'ai ouvert une porte. Non! Parce que, en tout cas, j'apprécie toujours autant. Ah, il y a de la vie. Moi, en rejoignant Tomb Raider, je me suis trop dit peut-être que je vais. Bah, que mes souvenirs vont être un peu trop. Peut-être embellis, quoi. Et en fait, là, en y rejoignant. Après, comme j'ai rejoué à d'autres vieux jeux, enfin, durant toutes ces dernières années, de temps en temps, je pense que ça me choque pas aussi pour ça. Ah, j'ai une autre porte, ça. Ouais, une autre porte. Regardez, parce que j'ai fait tout ça, j'ai pas fait de faire tout ça pour rien. Et ouais. Peut-être pas une autre sauvegarde au cas où. Et par contre, moi, ce qui fait flipper, ouais, c'est d'oublier le fusil à pompe ou je ne sais quoi. Et si j'allais dans l'eau? Cas, techniquement, je pense qu'il me choque pas parce que là, il est comme j'y joue sur PC. Sur PC, c'était quand même beaucoup plus joli quand même. Enfin, c'était plus joli si on avait le matos. Le matos pour. Oui, je sais que ça se casse. Je sais que ça se casse. Ok, je voyais venir le piège en plus. Je me suis dit, putain, tu vas voir. Que le truc il va s'écraser à l'autre bout aussi. Là, faut reconnaître que c'est un peu bon. Du coup, moi, je comprends quand même les gens qui ont été déçus du robot de Tomb Raider. Parce que quand on a su bon, que tu allais un peu avoir un côté survie, machin, je me rappelle que les développeurs avaient quand même dit aussi ah, il y aurait. Enfin, les développeurs. Je sais plus si c'est les développeurs exactement, mais ou si c'est enfin, c'est à la com quoi, mais il avait parlé du fait qu'il allait avoir des donjons, enfin il y aurait quand même un délire quand même un peu à la Tomb Raider. Et quand je disais à l'époque dans les merde. Ah, putain, et j'arrive pas à marcher en plus, je crois que j'arrive pas à marcher. Quand tu disais qu'il allait avoir quand même un délire, on pouvait quand même avec des tombeaux qui rappelleraient les anciens Tomb Raider, bah. On était en droit d'être déçu quoi. C'était pas trop, c'était pas trop ça quoi. Alors, comment je vais faire? Ah, attends, c'est pas là où il y a un. Non. J'essaie de courir à sauter. Hein. Ah bah voilà, tout simplement en fait. Je pensais qu'elle aurait pas eu le. Et la place. Merde, ah merde, tombé. Ah bah ouais, hein, c'est le Tomb Raider de l'ancien temps. Tu fais un faux pas, tu te pètes la gueule. Ouais, puis là, ça fait. Puis là, je joue pas de manière optimale, parce que j'ai ces espèces de petits bugs à la manette. Tu as pas de. Non, je pense que c'est pas un bug, mais. Je pense que c'est pas paramétré de la bonne manière. C'est un peu bizarre. Hein. Lara Croft, non. Ah, puis j'aimerais. Comme j'arrive pas à marcher, parce que je crois que c'était avec le bouton de marche qu'on pouvait faire le poirier quand on grimpait là. C'était un mouvement inutile. Tu as fait tous les Tomb Raider? Ouais. Enfin, non. Non, 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 j'ai pas fait tous les Tomb Raider. J'ai fait les. Bah, tout. Enfin, j'ai fait les quatre premiers à l'époque. J'ai fait l'impasse sur le 5, là, le Chronicle, là, qui était tout hyper anecdotique.
J'ai pas fait l'épisode PS2 là, enfin l'Ange des Ténèbres. J'ai fait Légende, j'ai fait Anniversary, j'ai fait. Bah, du coup, en fait, j'ai fait la première trilogie Crystal Dynamics, Underworld aussi. Et après, j'ai fait que le reboot. J'ai pas du tout fait le comment? Comment se tourne? Ouais. Merde, putain! Et j'ai pas fait le Rise of the Tomb Raider et le Shadow. Mais je fais quasiment tous les classiques et tous les premiers de Crystal Dynamics. Mais parfois je me dis, ah, il faudrait que je fasse Rise of the Tomb Raider. Parfois je me dis, tiens. En fait, là c'est dur. Là ça commence à être dur, parce que comme j'arrive pas à marcher. Bon, j'essaie de m'en sortir comme ça. Ouais! J'ai des souvenirs de Backseat sur un épisode quand j'étais petit. Impossible de pas savoir lequel. Bah, si tu me dis à peu près le décor, peut-être qu'après, en même temps, il y a certains décors qui se ressemblent. Mais peut-être que je m'en rappellerai peut-être. Hein. Voilà, s'il se passait en Égypte, c'est soit le 1, soit le 4. Oups là. Bon, là, j'arrive à m'en sortir malgré le. Ah, le sniff, on rappelle d'un temple avec deux personnages qui se battaient avec des bâtons. Non, on va même pas dire. C'était dans les tout premiers, enfin sur, enfin dans, enfin parmi, c'est un épisode qui est sorti dans les années 90, enfin, sur PlayStation. Du coup, ça peut être quoi ça avec des bâtons? Quelques rares boss. Enfin, il y avait quelques rares. En tout cas, des personnages qui se battaient avec des bâtons, en tout cas, c'est peut-être pas le premier parce que t'avais surtout des animaux. Tu butais surtout des animaux, même si à la fin ça commençait à être un peu plus paranormal et t'affrontais des espèces d'extraterrestres. Sur PC avec. Avant les reboots. Ah oui, mais c'était peut-être les épisodes de Crystal Dynamics. Ils sont sortis sur PC. Je sais plus si Underworld et tout ça se sont sortis sur PC. Je sais même pas si Légende, tout ça. Ah, mon Dieu. J'ai resté. En fait, là, ça y est, là, on commence à entrevoir le côté plateforme des Tomb Raider. Là, ça y est. Oh, putain, merde. Et puis moi, et là, je suis problématique parce que là, j'arrive pas à marcher. Donc, du coup, je suis un peu. Alors, j'ai vu que Tomb Raider 2 avait l'air mieux foutu. Ah, mon Dieu. Ça se trouve, je vais rester bloqué comme un con. Après, peut-être que j'ai mal interprété ce que j'ai vu à l'époque. Ma mémoire altère. Ouais, c'est possible. Hein. Moi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des très vagues souvenirs sur des jeux ou des films. Parfois, juste des films et tu, en fait, tu. Bah, déjà, parfois, t'embellis des trucs. Parfois, tu dramatises des trucs. Ou parfois, tu. T'as l'impression qu'il y avait des scènes qui étaient plus longues. Moi aussi. Ça m'est déjà arrivé, ça. T'as l'impression que bah, quand je revois un film où je me rappelle d'une scène, bah, j'ai l'impression que la scène était plus longue que ce que je pensais. Allez, cette fois. Ah bah, je suis con, je pourrais sauvegarder. Pour aller en haut, sauvegarder. Et si je tombe, charger. Parce que moi, je m'y fais pas encore, côté de la sauvegarde manuelle. On est tellement en fait, j'en ai tellement. Tellement habitué aux sauvegardes automatiques. Ou alors, pas forcément automatique, mais parfois. Là, en fait, là, ce qui m'a trompé dans le jeu, c'est que je savais que c'était manuel, mais quand j'ai fini le premier niveau, je me suis dit, bon, j'ai fait le premier niveau, mais en traversant le deuxième niveau, ils vont me considérer que c'est un checkpoint. Enfin, que je vais pas tout refaire. En fait, si, je vais recommencer à la sauvegarde du premier niveau, même si j'en ai pas fait une. Enfin, voilà. Oh putain! Pas dû faire ça. Oh bah non, je me complique la vie pour rien. Bon bah ok, je vais faire ça. Ah, chauve-souris, chauve-souris. Tiens. Tiens, chauve-souris. Bon bah, je vais re-sauvegarder pour être sûr. Comme ce passager était un peu casse-couille, j'ai peut-être pas. J'étais peut-être pas forcément envie de le refaire. Peut-être s'arrêter là, voilà.
En fait, j'ai encore un item sur moi, je crois. J'ai encore. Parce que j'ai récupéré deux items en même temps. Il y avait la clé là, et ouais, il y avait l'idole d'or, ok. Ça semble une saloperie à foutre quelque part. Oh, trop bien, il y a une. Ah merde, c'est un truc rapide ça. Pour être sûr, je. Merde, on va buter la chauve-souris, parce que j'ai cru entendre une chauve-souris. Non, en fait, j'entends. J'entends genre les chauves-souris, donc j'ai l'impression. Non, pas du tout, il n'y a pas de chauves-souris du tout. C'est une zone. Non, sans chauves-souris, vous pouvez emménager quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bon, j'essaie d'appuyer là. Merde! T'es pas demandé de sauter là! Et je pense que c'est. Ah non, ça ouvre en bas, ok. Mais bon, comme j'ai peur, je vais aller speeder parce que, comme des fois, c'est des. Ok! Ah ouais, ok. J'ai des morts horribles. Ouais, et je croyais que le fait parfois on meurt sans musique, ça rendait le truc hyper glauque. En fait, il y avait quelque chose d'extrêmement froid à certaines mises à mort de Lara. Je trouve ça super. Et moi, je trouve ça hyper marquant parce que je trouve c'est un. Il y avait un côté très très impitoyable dans le jeu déjà parce qu'on mourait tout le temps, le jeu te faisait rarement de cadeaux. Mais il y avait quelque chose d'hyper froid, de presque clinique dans les morts de Lara qui fait que ouais c'était un jeu vraiment pas dans ce sens-là ouais du coup ouais vraiment c'est un jeu et moi c'est un des jeux qui me faisait plus peur hein. On parle toujours dans les survival horror et tout mais qui font parfois certains font peur mais les Tomb Raider moi ça me faisait vraiment flipper hein. Il y avait des musiques mystérieuses comme ça oh putain des pièges. C'est un peu comme Indiana Jones. Là, je suis mort. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. Putain. Oh, parce que tout à l'heure, je sais que quand j'ai joué ce matin, bah, j'oubliais tout le temps de sauvegarder. J'ai perdu cette habitude. Hein? Les joueurs assistés là. Ah, puis parfois, je confonds les boutons. En plus, j'imagine que ça marque la fin de ce niveau-là, je pense. On verra combien de temps je l'ai fini ce niveau. Parce que le premier niveau, je l'ai fait en 10 minutes. Du moins, quand je l'ai recommencé. Et ce niveau-là, par contre, il était beaucoup plus long. Parce que comme c'est un niveau un peu plus labyrinthique que le premier, comme je disais tout à l'heure, le premier niveau, comme c'est un peu le début, d'apprendre un peu à jouer, enfin, il te met en condition, on va dire. Ils te font plonger dans le jeu un peu en douceur. Et du coup, c'était un niveau un peu plus linéaire. Et le second niveau, c'est vraiment beaucoup plus labyrinthique. Et on se perd assez facilement et on sait pas forcément quoi faire. Ouais, je sais, je sais. Juste regarder. Bon, c'est très pratique de sauvegarder quand on veut quand même. La vue d'accoublé. Aller vers la porte. J'ai failli me planter sur le truc. Hein. T'as vu que les musiques, elles étaient vraiment ouf. Hein. Oh bah non! En plus, il déconne le. Je sais pas pourquoi, quand je nage, ça déconne. Bon, après, ça, c'est pas très grave, les gars. La musique, ouais, t'as vu, elle est bien, la musique. Moi, franchement, je passais mon temps à écouter toutes les musiques. Je foutais le CD sur le CD du jeu dedans. Dans un lecteur CD et les écouter. En plus, c'est à l'époque où t'as pas, c'est plus compliqué d'écouter la musique aux jeux vidéo hors des jeux vidéo, à part genre les sound tests. Mais ça restait dans le cadre du jeu, tu vois. C'était dans les options. Et moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir, enfin, que certains jeux permettent de faire ça. Je regarde, elle est là, d'ailleurs. Y a pas de truc là? Bon, j'arrive à me diriger comme ça, finalement. En fait, là-bas, il y avait une porte, enfin, il y avait une serrure, j'aurais peut-être pu utiliser. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas au niveau celle de FIFA 6. Ah oui. D'ailleurs, c'est quel type de musique, FIFA 6? Parce que ça paraît un peu con comme question, mais si je montre ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, parfois, je sais qu'on peut être surpris. Tu vois, par exemple, Gran Turismo. On peut trouver ça surprenant que dans Gran Turismo il y ait plein de musique un peu jazzy, un peu jazz,
un peu chill, tu vois. Parce que souvent, quand on pense à jeu de voiture, on imagine genre, des musiques un peu avec, tu vois, un peu de, soit de techno, soit de rock bien baveux, tu vois. Et peut-être que musique de FIFA 6, elles sont peut-être super bien. Ouais, ça crée instantanément une ambiance, ouais, carrément. Ouais, et moi, je trouve ça génial que, en fait, que les musiques, elles soient ponctuées, enfin, qu'elles interviennent de temps en temps. Moi, je sais que quand, bah, ado, quand je faisais Tomb Raider, je voyais presque les musiques comme une récompense. En fait, quand t'entendais une nouvelle musique, bah, je sais, j'étais très content de me dire, putain, une nouvelle musique. Et je voyais ça un peu comme une récompense, un peu comme quand tu voyais une cinématique ou une cutscene, bah, pour moi, c'est une récompense. J'en sais rien. J'ai encore mes souvenirs de PES4, ça doit être du rock, ouais, du rock FM, ouais. Vite! Merde, je suis tombé! Bah écoute, on va essayer là-bas d'abord. On va essayer d'ouvrir la porte là avant. Salut, alors! Alors, l'ours, on va mourir? Ah, je suis un ours, va, je me tiens debout! Là, t'as vu, là, je suis humain! Merde! Voilà, j'essaye de nager tout en haut. Tout en haut de là. Alors, il est de l'autre côté. Bah il est où? Ah merde, il est de l'autre côté. J'ai la peine à sauter. Je... Ah par contre j'ai pas le réflexe. Ouais comme je disais normalement dans Tomb Raider en fait le but quand tu fais un gunfight c'est de sauter autour de l'ennemi. Mais j'ai plus du tout cette habitude. Comme je confonds encore un peu les boutons. Ah putain de merde. Ouais, connard d'ours de merde là. Ah bah ouais. Mais je suis mort là. Eh c'est drôle parce que c'est l'animation, du coup il y a une sorte de bug. Je me suis fait tuer par l'ours. Mais l'animation. Bah, en fait, je me suis fait toucher par l'ours, je suis tombé dans l'eau, avec 0 point de vie du coup. Mais comme j'étais dans l'eau, ils ont considéré que c'était une mort sous l'eau. Ah merde, je recommence là. Bon après c'est pas grave, je suis juste à côté, mais. Je vais refaire une sauvegarde, j'ai pas envie de me retaper ça, je sais pas. Ouais, et moi ça me fascinait. Hein. Enfin, moi je sais que les fonds marins de Tomb Raider, j'ai trouvé fascinant. Hein. Là, je trouve ça magnifique. Enfin, j'ai sauvegardé ici, peut-être après. Je sais pas si je sauvegarde là ou juste après, mais. Pas bien là, allez, sauvegarder. Sauvegarder. Bon, on va sauvegarder en haut. Bon, l'avantage c'est que quand on charge, il te met automatiquement sur la dernière sauvegarde. Enfin, il sélectionne automatiquement la dernière save. Ça, on va dire que c'est bien. Mais il y a un ours ou deux ours, attends. Non, s'il n'y en a qu'un seul. Par contre, j'ai mal aux pieds. Ah, je vais m'installer autrement. Aïe. Putain, va te faire foutre. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, ah j'ai mal aux pieds. Voilà. Bon, bah c'est bien, on s'en sort plutôt pas trop mal là. Eh, finalement, il est plus long que ce que je pensais ce niveau-là. Dès le deuxième monde, en fait, il te fout dans le bain. Et, tu vois, le premier niveau, il est plus facile, et bah voilà. Là. Ouais, du coup, c'est important de vénérer le nounours. Ouais, mais je pense qu'il a la dalle. Parce que ça fait je sais pas combien d'années qu'il est enfermé ici, là. Autour d'une piscine. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Alors moi ça me fait toujours peur quand il y a un état parce que j'ai toujours peur de tomber sur une porte qui s'ouvre dans un laps de temps. Pour te chronométrer quoi. 1500 ans qu'il est bloqué dans ce temps. Il faut s'en chaude de miel, ouais. Du miel, bah. Un gros pot de miel. Allez, la porte. Ah, j'ai peut-être les arrêter. Ouais. On va sauvegarder, parce que du coup, ça permet de. On va sauvegarder. 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 Ah, putain, j'oublie toujours que sauter, c'est. Il faut vraiment que je m'habitue hein, aux touches. Hein. Moi, le seul truc qui me fait chier, c'est le fait que j'arrive pas à marcher. Et je pense que ça va être problématique à un moment donné. Là, ça va encore, mais.
Après, je me rappelle qu'il y avait, dans, je me rappelle que dans les niveaux, même en Grèce, qu'après, je crois que c'est le niveau de la vallée perdue. Après, tu as tout le niveau de la Grèce, et ben, même dans le niveau de la Grèce, là, tu avais des passages tendus. Il fallait vraiment faire des sauts millimétrés, il fallait marcher au bord du. Au bord, jusqu'au bord des corniches et après sauter au bon moment. Je suis revenu là, c'est le même endroit que tout à l'heure. Ah oui, je suis passé par là. Bon. Tu vas regarder par là. Ouais, il me semblait bien que. Et des fois, on trouve des passages qui ne servent à rien. Là, tu vois, peut-être que ce passage-là ne sert à rien. Ça, je me rappelle par contre ça. Il y avait des trucs comme ça. Il y avait des fosses. Enfin, mais parfois, il y avait des chemins qui servaient pas vraiment. Ah, et puis moi, je suis coincé avec mon. Voilà. Avec mon truc nul, là. Mais moi, je me rappelle que, ouais, que la sortie de Tomb Raider 2, déjà, elle était déjà extraordinaire, parce que bah, déjà, le premier était extraordinaire, mais le 2, t'avais vraiment. En fait, je crois que le 2 était plus fin, techniquement. Ça restait le même moteur, hein, mais comme ils ont rajouté plein de petits détails en plus, ça rendait le jeu vraiment beaucoup plus agréable. Puis après, ils ont fait le 3. Le 3 qui était pas nul, hein, mais bon, tu sentais que, voilà, le crunch. Et l'annualisation du jeu, enfin de la série, c'était pas top, hein. Ah bah voilà. Et je pense qu'il faut speeder. Ah putain, par contre ça fait chier quand elle se bouffe. Quand tu fais les trucs limités, que tu. Les grouilles, grouilles, grouilles. Bah alors. Ah non, c'est un truc à pousser peut-être. Ou alors c'est pas la bonne porte? Ah non, c'est ça, ouais. Oui, j'ai oublié qu'il y avait ce truc-là. Bah, je l'ai pas posé ce truc. Bah voilà. L'idole d'or. Cluc. Je me rappelais plus qu'il y avait il y avait déjà des petits interrupteurs. Enfin, ouais, j'ai fini le niveau. Alors je sais pas combien de temps. 56 minutes. Le premier niveau, il a duré 10 minutes. Tu vois, et celui-là, il a duré 56 minutes. Alors je sais que je suis assez bloqué, mais justement. C'est le principe de Tomb Raider, c'est que tu restes coincé, t'observes, tu tournes en rond. Mais putain, tu passes de 10 minutes à 56 minutes quand même. Le deuxième monde était vraiment plus long. Et là, t'arrives. Alors là, j'ai sauvegardé parce que j'ai perdu cette habitude de sauvegarder au début des niveaux. Parce qu'en fait, le jeu, même si tu sauvegardes. Enfin là, si je meurs, je recommence à l'endroit où j'ai sauvegardé au niveau précédent. Le jeu ne te fait pas de cadeau. Il te fait pas de cadeau, le jeu, il te fait pas de cadeau. Et là, c'est le fameux. Alors, j'adore ce niveau-là, je l'ai fait plein de fois. J'adore ce niveau. Et je sais que c'est un niveau emblématique parce que les gens se rappellent. Quand tu penses à Tomb Raider, beaucoup de gens se rappellent de ce niveau-là. La vallée perdue. Oh merde, par contre, le début était casse-gueule. C'était incroyablement casse-gueule. Je sais qu'il faut que je regarde un peu. Mais c'est joli! Là, je peux aller par le bas, on attention à pas me casser la gueule parce que. Oh merde, des loups! De l'eau! Bah, déjà, je crois que sous la cascade, c'est peut-être pas dans ce Tomb Raider là. Non, tu vois, je peux pas passer par la cascade. Je ne peux pas passer. C'est pas là. D'ailleurs, ici, il y aura une cinématique après. Moi, je me rappelle que dans ce décor-là, alors c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être à la fin du niveau, enfin quand je l'ai fini, il me semble qu'ici, il y a une cutscene avec un mec. Avec l'un des sbires de Nathla. Nathla, c'est la méchante, pour ceux qui savent pas. Bah, alors, madame. D'ailleurs, il y avait un secret. Mais il y a un loup. Salut, loup! Mais je crois que plus haut. Là-bas, il y avait un truc un peu secret. Parce que comme en fait, on peut débloquer des petits secrets avec des. Et j'espère que j'ai pas oublié de flingue. Enfin de. Ouais, et ce niveau-là, je le trouvais mortel. Enfin, j'adore complètement la construction de ce niveau. Enfin, parce que maintenant, il faut franciser. Il faut plus dire level design, il faut dire la construction du niveau. Parce que je pense que Figaro, sinon.
Le Figaro sera pas content sinon. Parce qu'on n'a plus le droit de dire stream, tu vois. Bon, ils... ah, on devrait plus dire stream, on devrait dire. En plus, je crois qu'ils ont dit un truc très court. Ils ont dit. Ah, il faut plus dire stream, mais. Genre jouer en direct, enfin un truc très con. Alors, je trouve ça très con parce que sur Twitch, il n'y a pas que des gens qui jouent aux jeux vidéo. Hein. Du coup, c'est vraiment. Enfin, putain de boomer de merde. L'Académie française serait fière de toi, oui. La construction du niveau. Du jeu vidéo. De la pieuse tombe. Et là, j'arrive. Ouais, non, en plus, moi, j'adore vraiment le rythme de ce niveau, parce qu'au début, bah, c'est comme le reste, hein, c'est des grottes ou des temples. D'ailleurs, je me suis trompé de chemin, là, non? Ah, c'était le bon chemin, là? Ouais, et moi, je crois ça mortel. Par contre, le niveau suivant, je crois qu'il était dur, putain. Le niveau avec un peu rougeoyante, là, dans le temple, je sais plus le nom du niveau, mais je crois qu'il était... Bah non, faut pas aller là en fait, attends. Non, il y a rien en fait. Ok. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose. Ouais, mais du coup, je sais que j'ai vu ça hier, le truc avec le Figaro, c'est vraiment... Putain, en fait, il y a des gens qui supportent pas qu'on fasse de l'anglicisme. Pourtant, on passe notre vie à faire ça, quoi. Enfin, quand on porte un jean, quand on gare sa voiture dans le parking. Hein. Alors, attends, est-ce qu'il faut aller par là? Bah, il y avait que dalle, hein, mais écoute. J'étais persuadé qu'il fallait aller par là, mais... C'est des bonnes heures en perspective, tout ça. Des bonnes heures de recherche. Attends. Ouais, par contre, c'est un des jeux où la fonction regarder, enfin, Lara Croft, c'est hyper, hyper utile. Moi, je passais ma vie à faire ça. Ah bah si, là-haut, on peut aller. Hein. Attends. Mais c'est ça, saute sur le côté. C'est pas du tout ce que je t'ai dit. T'es pas demandé de faire ça. Ouais, si c'est peut-être par là, ouais. Enfin, ouais, et d'ailleurs, c'est une... Alors, je crois qu'elle était pas toute seule, mais je crois que c'est une femme, d'ailleurs, qui était level... Designeuse, comment ça s'appelle? Ah, c'est Fluffy. Je crois qu'elle était déjà là dans le premier en plus. Alan V2, bonjour, comment ça va? Bonjour à tous, ça fait plaisir de revoir Tomb Raider. Mais oui, c'est Tomb Raider premier du nom. C'est Tomb Raider le nouvel espoir. Et maintenant, du coup, c'est les terres nommées. Et là, j'arrive. Voilà, je vais prendre ma vie. Ouais, bah moi aussi, ça me fait plaisir parce que j'ai. C'est la première fois qu'en fait j'y rejoue vraiment parce que ça m'est déjà arrivé d'y rejouer un petit peu comme ça, vous savez, genre je le lance vite fait en émulation, je fais un niveau et c'est tout. Alors je sais pas si je le finirai, hein, mais je vais essayer de faire une bonne partie. Peut-être qu'après aussi je ferai le 2, peut-être, tiens, ça peut être marrant. Voilà, je vais sauvegarder. Non, pas tout de suite. Oh, go. Et là, rappelle, et la première fois que j'ai fait le jeu, je crois ça juste flippant quand même. Putain, des dinosaures! Mais c'est genre 3 ans plus tard, enfin 3 ans après Jurassic Park en plus. Ça va très bien. J'avais tellement de souvenirs en regardant mon père y jouer. Quand j'étais petit. Ah ouais. Non, empêche que c'est très marrant. Du coup, est-ce que ton père y jouait? Enfin, je veux dire, est-ce que habituellement il joue aux jeux vidéo ou est-ce que c'est un des rares jeux auxquels il a fait? Si ça me choque de ça, parce que je connaissais un copain où sa mère, elle jouait pas du tout aux jeux vidéo. Elle jouait pas du tout aux jeux vidéo, mais Tomb Raider, par contre, c'était le seul jeu qu'elle avait fait et elle l'avait fini. C'est marrant parce qu'elle jouait pas du tout. Ça la faisait un peu chier, mais Tomb Raider, elle en était vraiment tombée red dingue. Et c'est marrant. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ce même copain-là, bah, pareil, son père, il jouait pas du tout aux jeux vidéo. Et le seul jeu vidéo dont ça, il était tombé éperdument amoureux, c'était Oddworld, le premier. L'Odyssée d'Abe. Genre, il est en kiff dessus. Et pareil. Genre il a fini du début jusqu'à la fin et c'est marrant parce que ces gens-là bah, ils jouent pas aux jeux vidéo, c'est parfois ils y mettent pas de la bonne volonté, c'est que quand tu essayes de les faire jouer, c'est bah, genre ils bloquent, ils c'est genre ils perdent patience, mais par contre parfois ils sont capables de être en kiff sur des jeux super durs
Ouais, je suis sûr que nos darons, ils pourraient jouer à Dark Souls. Hein. Enfin, les darons qui jouent pas. Ouais, mon père jouait beaucoup. Ah ouais, donc il jouait. Et ma mère jouait très peu. Sauf en Tomb Raider et Resident Evil. Ah, c'est quand même drôle ça. Ah, d'ailleurs, c'est encore plus drôle Resident Evil parce que c'est. Je trouve ça encore moins commun, tu vois. Que Tomb Raider, je l'ai un peu admis. Qu'il y a des darons qui jouent. Je pense qu'il y a aussi le côté où. Un peu aventure, un peu. Il y avait un côté un peu étrange. Tidek! Tidek, bonjour, Tidek! Dark Souls, c'est pas si dur. Non, Dark Souls, c'est pas si dur. Regarde, Dark Souls avec une main. Coucou, Shelfen, comment ça va? Shelfen, qui est sûrement fake, qui est un bot. Je t'achèterai pas de followers. Un promo viewer, multiverse.com. En tout cas, bienvenue, Shelfen. Quand tu auras fini le bot, tu pourras plus regarder le jeu. Alors, elle était fan de Code Veronica. Je sais pas pourquoi. Bah, ça dit Code Veronica, c'était bien. Mais ouais, c'est très marrant qu'il bloque sur un ou deux jeux, tu vois. Par contre, ma mère, j'ai jamais pu lui faire essayer un jeu. Si, elle a essayé. Oh, et là, il y a le T-Rex, le T-Rex, le T-Rex. Non, putain, le T-Rex de merde. Et normalement, il y a des endroits où se cacher. Ouais, ce qui était mortel avec ce niveau-là, c'est qu'on pouvait se cacher. Et ce qui était marrant, c'est que ce niveau-là, bon bah ils l'ont refait bah forcément dans le Tomb Raider Anniversary là. Oh putain! Il est passé à travers le mur, enculé. J'ai quand même essayé de le buter. Me croque pas, me croque pas, me croque pas! Et ouais, et ce qui était génial avec cet ennemi-là, c'est qu'en fait il intervient déjà dans une grande zone ouverte. Au début, il se passe pas grand-chose à part. Les deux premiers raptors là. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que cet ennemi-là, en fait, on n'est même pas obligé de le battre. Ce qui est encore plus triste, c'est que dans Anniversary, du coup, ils ont remis les mêmes niveaux parce que Anniversary, c'est un remake du 1, vu avec les. À travers les yeux du studio Crystal Dynamics. Et moi, je trouve qu'ils ont un peu loupé. Enfin, je trouve que ce niveau-là, il est un peu loupé. Déjà, il est sous un ciel. Un ciel bleu. Alors je sais qu'à l'époque c'était à cause de limitations techniques, mais le fait qu'on soit dans une espèce de nuit. En fait, pour moi à l'époque, je pensais que c'était une grotte. Je pensais que tout ce niveau-là c'était une grotte de toute façon. Pour moi, tout ça, en fait, comme dans Tomb Raider 1, on ne voyait jamais le ciel. Pour moi, je considérais que c'était toujours d'immenses grottes tous les niveaux, ou des temples. Et du coup, pour moi, ça me donnait une ambiance hyper flippante. Et ils ont eu la mauvaise idée, je trouve, hein, dans Anniversary. D'intégrer le T-Rex comme un boss. Du coup, c'est un combat de boss, genre il y a une barre de vie et tout. Et je trouve que ça gâche vraiment le truc. Le fait d'avoir intégré en quelque sorte au gameplay, j'allais dire, entre guillemets. Enfin, c'est pas le bon terme en fait, mais. Alors que là, c'est que c'est un ennemi. Mais tu peux l'esquiver, l'affronter ou l'esquiver, tu vois, et c'est juste une menace. Juste un piège en fait qu'on peut contourner. Y a vraiment une campagne de masse sur ce truc. J'étais petit, ça. Il y a un boss qui a mis. Ouais, mais moi aussi. Qui a mis le même message. Bah, moi aussi, la semaine dernière, on avait un. Enfin, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, il y avait un bot comme ça. Après, moi, je suis encore un petit peu un débutant. Hein. Ça fait que un mois que je stream. Donc. Je suis pas au courant encore. Hein. Je suis encore innocent et pur. Et je découvre effectivement qu'il y a des bots. Là, je me dis, est-ce que. Mais là, c'est pas ce niveau-là où on a un fusil quand même. Je crois que c'est dans ce niveau-là. Parce que moi, il me semblait que je l'avais buté au fusil le T-Rex. Je suis pas sûr. Peut-être que je dis une grosse connerie. On va sauvegarder au cas où encore. La balle est perdue. Ouais, et pour moi, le fait que ce soit tout noir opaque, et comme on voit pas hyper loin dans le jeu, il y a un champ de vision très limité. Bah ouais, je crois que ça contribuait vachement à l'ambiance globale du jeu, quoi. T'as trouvé comment marcher? Non. Bah non. Merde, je suis fou. Ah, je l'ai tué. Tiens, connard. Tiens, encore, tiens, tiens. T'es bien mort, hein? Eh bah ouais, ça faisait des millions d'années que t'étais là. Bah moi j'arrive, putain de riche. Je te défonce, je te défonce. T'es défaussé, le T-Rex. Ouais, et malgré tout, ici, c'est quand même une zone. Assez ouverte finalement. Bah, je crois que tout ce niveau-là, c'est un peu construit sous une seule zone ouverte. En fait, ici, c'est un peu le point central.
qui est articulée, en fait, et il y a plusieurs petites zones auxquelles on peut accéder. Je crois qu'on peut même pénétrer à l'arrière d'une cascade, non? Ou alors c'est peut-être dans un autre Tomb Raider, peut-être. Mais il y a plein de petites zones auxquelles on peut se cacher du T-Rex, là. Bon, bah là, je l'ai buté, donc ça va. Mais tu vois, finalement, c'était assez grand. Ouais, et le fait qu'on voit rien du tout, que dalle. Merde. Le fait qu'on voit rien, pour moi, tout ça, c'était une grotte, en fait, tu vois. Genre, le ciel, c'était pas un ciel, hein, en haut. C'était pas un ciel noir, c'était juste la grotte. Bah, ce qui est un peu vrai, parce que au début, tu commences dans la grotte, enfin dans un temple, et t'arrives là-dessus. Donc pour moi, je me disais, bon bah. Merde, d'un point de vue logique, putain, mais c'est bon, fous-moi la paix. Pour moi, c'était une grotte, quoi. Non, Tidoc, je n'ai pas trouvé comment marcher. Bah, je vote pas Macron, moi. Et là, il y a peut-être un truc. Il y a un truc. Ok. Là, je me dis qu'elle doit. Elle nage dans de l'eau, mais qu'elle va être super froide et tout. Ça doit puer le. Ça doit puer l'eau un peu dégueu et tout. Ah, j'ai mal aux pieds. Ah, j'ai cru entendre un dinosaure. Bonjour! Arrête, s'il te plaît! Je vais peut-être me soigner hein, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça parce que là je vais pas très bien. Et je crois que j'ai quand même un peu de vie quand même. J'ai trois petites trousses, trois grandes trousses. On va peut-être prendre une grande d'ailleurs. Parce que là c'est un peu la merde. Ah! Ça fait du bien, je me suis mis un pansement. Et ça fait du bien. Et on va sauvegarder parce que je suis complètement parano. Ah putain, j'ai mal aux pieds. Là, je vais remettre dans une autre position peut-être. Ouais, j'ai mal aux pieds. Mal au pied, et je sais pas toujours marcher. Mal au pied. Pas toujours. Alors je sais qu'ici il y avait des. Je crois qu'il y avait trois objets récupérés pour ouvrir une. Non, il y a des écrous. Non, peut-être que je vous dis des conneries. Il n'y a pas un truc où il y a des espèces d'écrous, enfin de. Des écrous de mécanisme à choper. Alors c'est pas des écrous, c'est des. Ah. Bon, là c'est le pont, je sais que d'ailleurs on y accède d'ailleurs en haut. Ouais, si, n'empêche que si, c'est. Moi je crois qu'au niveau level design c'était quand même assez stylé hein, comme jeu. D'ailleurs c'est un peu un Rick Dangerous en 3D. Enfin, ça tombe bien parce que c'est les mêmes créateurs même. Ils ont fait Rick Dangerous, du coup Core Design ils ont fait Rick Dangerous. Espèce de jeu de plateforme un peu avec un petit bonhomme à Indiana Jones là. Ouais. Mais sur derrière, on va faire la même chose, on va faire avec Tomb Raider. Ah. J'ai encore entendu un dinosaure. On va peut-être attendre qu'il arrive. Ouais, merde, putain. Et je crois que ça faisait un peu peur. Hein. Tu vois, bah, même là, je trouve que c'est un peu. Merde, ils sont deux. Ah putain! Et tu passais ton temps à bouger la caméra, à sauter, à faire n'importe quoi. Ah mais putain, mais saute, bordel de merde! Ah, quand même. Ouais, et la fin, il y avait. Ouais, c'est là-dedans où il y a un temple. Non mais tu vois, je crois que les niveaux étaient suffisamment malins, en tout cas dans cet épisode-là, hein, dans le 2 aussi, étaient suffisamment malins pour que tu aies vraiment une impression de grandeur. Parce que comme tu as plusieurs petites entrées, c'est parfois tu avais une grande zone centrale qui était du coup... Enfin, qui déliait vers plusieurs autres chemins, c'était cool ça. Alors j'ai re-sauvegardé parce que j'ai buté des dinos. Donc, Bon, bah attends, ça va, c'est plus rapide pour sauvegarder parce que je connais le. De l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et je sais plus si c'est ici où il y a un fusil ou pas. T'as le fusil, le fusil, le fusil, le fusil. Fusil, fusil, usine, le fusil, usine. Oui, on a des usines après, je crois. Ouais. Bah, même dans le premier, je veux dire. Dans Tomb Raider 1 aussi, on a des fusils.
Ah, puis j'ai ce problème avec l'adage aussi. Oula, je vais peut-être respirer en haut d'abord, parce que là il y a un chemin. On va faire la plupart. Mais en tout cas, ça me paraît bien aussi de faire Tomb Raider 2. Parce que le 2, et c'est marrant parce que bah, le 2 était un peu plus coloré. Enfin, c'est relatif, hein. Mais le 2, bah, comme il y avait des niveaux de jour qu'on voyait parfois, bah, genre Venise ou même au Tibet, le niveau du Tibet, il était en plein jour, tu vois, on voyait le ciel bleu. T'avais un côté Tibet, c'était un peu plus coloré, parce que Venise, ça, c'était une ville un peu plus festive, c'est un peu plus joyeux que les grottes ou les temples dégueulasses, là. De Tomb Raider 1, du coup, il y avait plus de niveaux un peu plus colorés. Bah, même, parfois, il y a aussi des. Comme dans le 2, t'as le Tibet ou t'as des motifs asiatiques, enfin du moins chinois. Enfin chinois, ouais, c'est comment on est où dans le 2 aussi? Si au début on est à la muraille de Chine. Non mais voilà, du coup il y a pas mal de trucs un peu asiatiques, notamment un peu chinois. Du coup t'as des. À un moment, je sais qu'à la fin il y a une espèce de temple qui est un peu rouge et tout. Du coup t'as plus de couleurs chaudes parfois. Bon, j'ai chopé quoi? J'ai chopé une des pièces. Ah, c'est ça, ouais. C'est une redentée. D'ailleurs, j'ai sauvegardé. Ce mec sauvegarde tout le temps, tout le temps. Boggy, tu sauvegardes trop, Boggy, arrête. Ça te perdra. Bon, au moins, et ouais, et je crois qu'il fallait en trouver deux ou trois. Bah, du coup, il y a celui-là que j'ai fait, donc il faut que je retienne que j'ai fait celui-là. Ouais, comme je disais, c'est à partir de Tomb Raider 3 que. Bah, je trouvais le Tomb Raider 3 était pas. Bah, j'étais très content, quand même. J'étais encore très très enthousiaste, mais je sentais bah, que j'étais moins dedans. Bah, là, je le trouvais bien plus dur, le 3. Et honnêtement, il était moins bien branlé. Il était trop dur, mais de manière abusive. Et tu sens qu'il était trop dur parce qu'ils n'ont pas eu le temps pour tester des trucs, enfin, pour bien le tester. Parce que, ouais, c'est à l'époque où ils faisaient du crunch, ils rushaient les jeux. Enfin, c'était très compliqué. Même après, ils étaient parfois séparés genre en deux équipes. Hein. Je sais qu'on a tendance à dire que ah non, mais Tomb Raider 4, ils l'ont fait un an plus tard. Mais non, non, Tomb Raider 4, ils l'ont fait, ils ont commencé à le faire. Il me semble, si je dis pas très bien, plus ou moins conjointement après la sortie du 2, tu vois. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que tu as un truc comme ça. Mais je crois que. Oh, mais j'espère que je dis pas une connerie, mais je crois que. Je crois que tu avais une équipe qui s'occupait du 4 pendant que d'autres s'occupaient du 3. Mais bon, peut-être que j'ai une connerie. Oh. Putain. Elle est bien la musique là aussi, je trouve. Elle fait un petit peu Halo. Je trouve qu'il y a une petite vibe Halo. Et tu penses quoi des derniers Tomb Raider, les remakes? Non, c'est pas genre les remakes. Reboot? Ou tu parles de genre Anniversary? Anniversary, oui, c'est un remake. C'est l'épisode de fin de jeu qui est sorti en 2006. Là. Non, en 2007. Ah oui, genre le reboot. Oui. Ah, oui. Tu veux dire, genre, la nouvelle trilogie, bah j'ai fait que le premier et j'aime pas trop. Hein. C'est pas complètement nul. Bah, tout à l'heure, je me semble que j'en parlais tout à l'heure. C'est un peu une sortie de premier. Enfin, quelqu'un a dit, bah, je crois que c'est Gallium qui a dit sur le chat, qui a dit, c'est un peu comme Tomb Raider. Enfin, c'est comme une sortie, mais en sérieux, en premier degré. D'ailleurs, c'est un peu drôle qu'il s'emprunte à Uncharted, alors que Uncharted lui-même s'inspire un peu de Tomb Raider, un peu, bon, un peu aussi des films à la Indiana Jones, sur les films d'aventure, un peu pulp et tout, mais bref. Et non, et je trouve que les reboots, enfin, en tout cas, après, je connais que le premier. J'ai un peu envie de faire Rise of the Tomb Raider, comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait bah justement ces épisodes-là, et j'ai fait que le premier. Du coup, je suis un petit peu hypé comme ça pour faire le Rise of the Tomb Raider et le Shadow. Mais j'avoue que quand j'ai fait le Shadow, enfin le reboot là de 2013, j'ai pas trop aimé. Hein. J'ai. Ouais. Oh putain, Lara, c'est forte, Lara, c'est forte. En fait, j'ai trouvé ça sympa, mais en fait, je crois qu'il y avait quelque chose de qui sonnait faux. En fait, il y avait la dissonance ludonarrative qui était trop, enfin, qui était trop ancrée dans le jeu. Parce que. C'est genre Lara au début on te la présente comme une femme un peu plus fragile et tout, hop elle prend un flingue, elle tue un mec et après genre elle en tue 10 autres enfin hyper rapidement et je trouve que
Je trouve que la gradation, enfin je trouve que la progression elle est assez foireuse au niveau quand tu passes de fab on va dire lambda à survivaliste et puis t'as plein de détails dans le gameplay qui servent à rien comme la survie. Mais à la rigueur ça, que la survie, enfin que le tout ce qui est la chasse et tout ne servent à rien, ça aurait pas été grave si à côté le reste du jeu suivait, tu vois. Mais il y avait plein de trucs un peu cons, tu vois, genre à un moment je sais qu'elle se fait blesser, enfin je sais qu'elle reçoit des trucs dans la jambe, elle boite. Et puis la seconde d'après, elle court, elle saute sur les tyroliennes, tu vois. Enfin, plein de trucs comme ça, mais trop. Alors je sais que dans le jeu vidéo, tu acceptes ça, tu vois. Même dans Uncharted, on dit toujours oui, il bute plein de mecs et tout. Ouais, mais je crois que dans Uncharted, ça allait encore. Enfin, c'est un peu con, tu vois. Ou dans les GTA, il y avait le délire là où Nikos, il essaie de se ranger. Et puis après, on s'amuse à écraser plein de civils, tu vois. C'est un peu con. Mais je trouvais que t'arrivais un peu à accepter le truc quand même. Enfin, c'est un peu con. Mais dans Tomb Raider, comme c'était très narratif, hein, c'était très, très dirigiste finalement, comme jeu, et très axé sur la narration, je crois que ça fonctionnait pas trop trop. Mais après, c'était pas complètement nul, hein. Il y avait des trucs un peu rigolos, à la fin, il y avait un petit côté The Descent à la fin, quand il y a plein de bouffe, hein, plein de sang et tout, là, avec les têtes de mort, et tout. Enfin, il y a plein de trucs sympas comme ça, mais bon. J'ai pas trouvé ça ouf, en fait. Mais j'aimerais bien faire Rise of the Tomb Raider. Ah oui, tiens, j'ai oublié, il y avait un micro par terre. Juste que j'avais fait la démo de Rise of the Tomb Raider et ça m'a fait chier. En fait, j'avais fait la démo, puis il y a le délire où elle court. Alors, je sais que c'est des temples ou des endroits abandonnés, enfin, tu vois, perdus au milieu de la nature, mais ça me gonflait le côté, elle saute sur un pont, bah, genre le pont s'écroule, tu vois, une shorty de like, enfin, tu vois, vraiment le côté, putain, voilà, encore un truc qui explose. Un truc qui s'écroule sous nos pieds. Enfin, tu vois, et ça c'est vraiment un trope de jeu vidéo comme ça, un peu narratif, aventure, tu vois, qui me fait un peu chier. Ça. Alors, je sais qu'il y avait ça dans Resident Evil 6 aussi. Je sais que dans Resident Evil 6, à un moment, merde, putain, oh, putain, éclaté la gueule. Le coup du lapin, Lara. Ouais, je sais que dans Resident Evil 6, il y a ça à un moment, quand on. Avec la campagne de Léon et de Léon et. Comment ça s'appelle? Elena? À un moment donné, tu traverses des laboratoires dans des grottes secrètes, enfin c'est le laboratoire d'Umbrella ou je sais pas quoi, ou de Neo-Umbrella, je sais plus qui, je sais plus quelle merde encore. Et comme par hasard, il faut qu'ils bâtissent des super laboratoires dans un endroit qui s'écroule, parce que je sais que quand Léon et Elena pénètrent dans cette espèce de grotte là, il y a tout qui s'écroule. Du coup, les mecs d'Umbrella, ils ont eu la bonne idée de construire des laboratoires dans un putain d'endroit de merde, c'est cool. Ah putain, je dois me retaper le chemin là-bas. Bon, après ça va, c'est pas très très dur. Du coup, je vois ça un peu con, tu vois. Après, moi, j'aime pas R6. Bon, en même temps, c'est un avis un peu consensuel, tu vois. Je fais partie de la majorité qui aime pas R6. Pourtant, j'ai essayé de l'aimer. Et pourtant. Moi j'étais hyper enthousiaste que même si j'avais joué à la démo, j'avais trouvé ça un peu nul. Comme on venait de faire plein de fois. En fait, avec Marie, en fait, on avait fait plein de fois le 5, on avait adoré le 5, genre en coop. Et bah là on s'est dit, ah, bon, peut-être que le 6 il est pas ouf, mais peut-être qu'en coop c'est rigolo. Et en fait, même en coop, c'est pas drôle. Moi je me rappelle que le 6, je trouve ça nul à chier, genre en coop. Alors que le 5, en coop, il est rigolo. Pourtant, le 5 il a plein de défauts. Hein. Et bah là, il est trop calqué sur le gameplay du 4. Sans trop de nouveautés, merde. Mais Puis t'avais le côté un peu rouillé du gameplay, même si je l'aime bien. Pourquoi il y a une musique stressante là? Il aurait mieux le tirer, tu vois. Ah, ou alors c'est juste un trigger qui enclenche la musique là, peut-être. Bah, y a rien. Ouais. Pourquoi il y a de la musique là? Bah écoute, à mon avis, je pense que c'est un. Moi, j'avais trouvé Resident Evil 6 drôle en coop. Ah, moi, même pas. Je sais qu'avec Marie, on a pesté. Enfin, vraiment. Et pourtant, on avait beaucoup, beaucoup. Franchement, on avait beaucoup rigolé avec le 5. Pourtant, le 5, je sais qu'on avait rigolé sur toutes les scènes un peu conne, un peu too much, ou même toutes les scènes qui faisaient gros nanar et tout. Bah, même ça, on trouvait ça un peu drôle. Pourtant, il y a des phases qui étaient nulles hein, dans RE5. Mais c'était très drôle à jouer. Franchement, à deux, c'était très très drôle.
Et moi, et c'est qu'on n'a pas trop rigolé avec le 6. Le jeu est pourri, mais je rigolais. Après, le 6, un cop local, il a une bonne idée. Il a la bonne idée de brider l'écran de ouf. Ah ouais, je me rappelle plus de ça. Ah putain, je me rappelle du mode deux joueurs avec la campagne de Aïda qui était nulle. Ah, c'était nul quand même, en y repensant. Et moi, ce que je trouvais. RE6, je trouve que c'est un exemple à prendre. Que les gens, ils adorent dire, ouais, la durée de vie, oh là là, c'est une longue durée de vie, c'est bien. Bah, RE6, c'est le parfait exemple pour balancer à la gueule des gens. Ah, regardez, un exemple de jeu long qui est chiant, enfin, qui est tellement long que tu souffres pour finir. Parce que je crois qu'il fallait 30 heures pour terminer. Enfin, si tu faisais les campagnes, c'était une trentaine d'heures, je crois. Et je le trouvais long, j'en avais ras le cul à la fin. Putain, je me disais, putain, quand est-ce qu'il se termine le jeu de merde, là? Ouais, on aurait pu ne pas le finir. Hein. Après, c'est parce qu'on jouait à deux, donc bon. Je pense qu'on espérait toujours retrouver les sensations du 5. Attends, est-ce que je suis là? Je me rappelle de la campagne de Chris. Ouais, putain, c'était nul. Hein, ça, mais franchement, je sais pas laquelle est la pire. En tout cas, celle de Léon, c'est pas la pire. Elle est pas bien, mais c'est peut-être la moins pire d'ailleurs, je pense. Ouais, celle de Chris, elle était chiante, putain, merde. En plus, ça se voulait être un peu un jeu de. Une sorte de TPS. Ça m'a vraiment saoulé ce jeu. Puis il y a vraiment le côté, on va essayer de bouffer à tous les râteliers, quoi. Tu as vraiment. On va faire du TPS, un peu de survival pour ceux qui ont kiffé les vieux Resident Evil. On va lorgner vers de l'infiltration à la con, aussi. Puis te refoutre le fils de l'autre, là. Parce que oui, parce que Resident Evil, c'est un peu comme MGS. Bon, même si MGS c'est mieux au point de vue scénaristique, bah, t'as quand même un peu ce délire où t'as constamment l'impression que l'histoire ne tourne qu'autour de quelques personnages clés, tu vois. Ça va être toujours Bidule qui est revenu, tu crois qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Bon, finalement, c'est le fils de Bidule. T'as l'impression qu'en fait, tout progresse, en fait, enfin, c'est genre en vase clos. Et c'est ça que j'aime pas trop avec Resident Evil. Et quand dans le 6, c'est genre le fils de Wesker. C'est genre Bidule qui est. C'est genre le retour de Sherry. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Bon, en fait, il fallait aller là-bas, je me trompe en fait. Je vais me concentrer. Et c'est ça que j'aime pas trop. Et c'est un peu ce qui m'a déplu dans MGS4. J'adore les Metal Gear, mais moi, j'aime pas parce que t'as pas mal de twists ou de révélations dans MGS4 qui est très là pour faire vibrer. Le cœur des fans, tu vois, vraiment, ah putain, c'est machin, il est revenu, enfin, tu vois, c'est trop, à la fin, on retourne dans un lieu mythique et tout. Bon, ça, à la rigueur, ça aurait pu être marrant, mais comme c'est noyé sous d'autres clins d'œil, d'autres trucs, ça me saoulait, c'est vraiment. Et puis, t'as ta Bidule qui est vivante, et tout tourne autour des 15-20 mêmes personnages, tu vois, toujours les mêmes. Moi, j'aime pas trop ça. Alors là, je vais essayer de sauvegarder. Là, pour pas que je me retape toute la tout ce passage de merde. Hein? Parce que voilà, hein? Après tout. Tu critiques alors que tu joues à Tomb Raider 1, alors qu'au niveau lourdeur, hein, si je serais toi, Mogi, je fermerais ma gueule. Hein? Ben non, parce que c'est drôle à jouer Tomb Raider. Même les premiers, c'est marrant, là, je m'amuse. Alors c'est juste que parfois, j'oublie de sauvegarder. Pas trop ça. Alors là, j'ai évité de sauter comme un con. Ah, je me rappelle que dans le 2, il y avait une musique que j'aimais beaucoup dans Tomb Raider 2, d'ailleurs. Une petite musique qui était mystérieuse. Genre. Ouais, peut-être dans le premier. Non, non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment dans Tomb Raider 2. Je sais qu'il y a une petite musique qui intervient de temps en temps qui était cool. Je ne veux pas mourir, mais en même temps. Ah, mais non, je peux glisser. Glisse? Celui qui a la ref, il est fort. Qui a la ref, qui a la ref, qui a la ref, qui a la ref, qui a la ref. Ah, merde! Voilà, pas de musique, pas rien. Personne, personne ne la retrouvera vivante. Enfin, personne ne la retrouvera morte, quand elle est morte. Mais... C'est horrible parce que du coup, c'est. Il y a son majordome, il va dire, bah, elle est pas revenue, ça fait 6 semaines. Alors? Ah! C'est comme l'impression que le jeu s'est planté. Alors c'est pas grave. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde.
Bah alors. Bah alors. Oh, heureusement que j'ai fait une sauvegarde. Bon, je vais recharger le jeu du coup. Est-ce qu'on peut redémarrer là-dessus? Moi, je crois que oui. Oui. On va recharger le jeu. On va recharger le jeu. Parce que c'est plus rigolo quand il y a un jeu en jeu. Ah, c'est con ce jeu. Mais en plus, je pense que c'est vraiment le jeu. Ah, c'est à l'époque où les jeux buggaient à mort. Je sais que là, c'est le une version refaite, on va dire, mais. Ah, ce qui est bien, c'est que maintenant j'y joue comme ça. Tellement mieux. Hé. Ouais, le jeu l'a bugué. Voilà. Oh là là, il s'est planté. Heureusement que j'ai fait le sauvegarde, ça m'aurait saoulé. Ouais. Alors, je chargé la vallée perdue. Mais ouais, oh, putain, ça m'aurait saoulé. Ouais. Je vais peut-être prendre une vie. Au pire, j'ai sacrifié. Ouais, j'ai pris une vie. Parce que je m'éclate la gueule parce que si, il me reste plus. Enfin, je suis à la moitié de ma vie, donc. Je pense que c'est pour ça que je me rétame la gueule. Mais non, mais non, mais je sais qu'on peut retourner de l'autre côté, mais. Bon, allez, je vais essayer de retourner de l'autre côté. Ouais, je suis à Croft ou je suis pas à Croft? Merde, je vais m'éclater la gueule! Ah putain! Voilà, ah, effectivement, là je suis mort, mais peut-être que ouais, du coup, je m'éclate la gueule parce que j'ai pas assez de vie. Bon. Ah putain, encore le trigger qui s'enclenche. Ah, mais du coup, ça me stresse, moi je me dis qu'il va y avoir un ennemi là. T'es où? Je vais te chauffer, je vais te trouver, je vais te défendre la gueule! En fait, c'est horrible parce que là, il vient de buter des dinosaures. Ils sont restés ici quoi, c'est tellement triste moi je trouve ça. Franchement c'est un peu une un peu comme un colon tu vois. Elle arrive dans un endroit un endroit où que personne n'a mis les pieds tu vois, la première fois que l'homme pénètre ici tu vois. Et hop, elle défonce tout ce qu'il y a. Ah non oui, alors là j'ai deux écrous là, je crois ça. Enfin non j'ai deux roues. Et je sais plus s'il en faut deux ou trois. Je sais plus. Ah là, je sais même pas où est-ce qu'il faut les foutre. Mais non, T-Duck, est-ce que t'as fait R7, T-Duck? Moi, j'ai fait R7 et j'ai enchaîné aussi sur le. J'ai fait R7 et j'ai tout de suite enchaîné sur le 2 remake là, en début 2020, juste avant le Covid, enfin, du moins juste avant le confinement. Le premier confinement là. Et les deux, j'ai trouvé ça très très bien. C'est marrant parce que j'ai trouvé que les deux étaient très très différents d'ailleurs. RE7 et RE2 Remake, c'était. Bon, ouais, bah, c'était comme deux approches différentes de Resident Evil. Bon, le 7, j'ai trouvé que comme souffrait du même problème que la plupart des nouveaux Resident Evil, enfin des nouveaux. Que tous les derniers épisodes à partir du 4, on va dire, c'est que tu avais. Je crois que toute la fin était foireuse. Que toute la dernière partie, enfin, toute la dernière grosse partie, on va dire, peut-être pas le dernier tiers, mais ouais, quoi que si. Hein. Je pense que tout le dernier tiers de RE7 ou de notre Resident Evil, hein, même le 5 ou le 4, bah, je crois que c'est un peu foireux. Comme si toutes les bonnes idées avaient été implantées dans les deux premiers tiers. Et qu'ils n'avaient jamais vraiment terminé leur histoire. Puis t'as toujours délire où il faut toujours qu'ils raccrochent les wagons, ça, la série. Ça me saoule aussi, ça, encore une fois. Ça me saoule! Bon, bon j'ai chopé tout ça. Bon, là, je suis allé là. Je suis allé là. Là, ça m'a emmené sur le pont en haut. Moi, je pense qu'il y a trois roues. Donc, il faut revenir un peu en arrière, je pense. Pour revenir en arrière. Là-bas, il y a un endroit. Oui, je pense que je suis allé ou pas. Alors, là, je crois que j'y suis déjà allé, mais je vais vérifier. Je crois que j'y suis allé tout à l'heure. Je crois que ça me ramène. Il y a peut-être un dinosaure là.
Écoute, y a rien du tout. Non, y a rien du tout. Ok. C'est juste une zone pour se cacher. Pour se cacher du T-Rex. J'ai fait ce qu'il y avait là-dedans. Merde, je me rappelle plus. Je sais que j'ai nagé. Je sais plus ce que j'ai foutu là-dedans. Ouais, puis j'ai ce problème à la manette là, quand elle nage, ça m'énerve, ça aussi. Pourquoi elle veut absolument être devant là? Ah bah oui, on voit que je suis allé parce que si je suis allé parce qu'il y a des cadavres de dinosaures. Donc... Forcément. Ouais, mais je sais pas. Et je sais que. N'empêche que c'est triste que. N'empêche que dans Tomb Raider 2, c'est ce qui me gênait un peu. Enfin, je pense que j'en reparlerai quand je referai le 2. C'est que comme ils ont misé parfois sur le côté sexuel de Lara Croft, moi je me rappelle bah, que quand elle faisait ça, là, quand elle grimpait, je me rappelle qu'elle faisait un bruit un peu plus érotique. Et elle faisait ah! Et moi je trouvais ça très gênant et je me disais putain, ils étaient obligés. En fait, que même à l'époque, j'avais peut-être 16-17 ans, bah, je me disais déjà que c'était gênant. Enfin, non, mais c'est bisarre d'avoir misé. Enfin, sous prétexte que bah, c'était une femme, une héroïne de jeu vidéo, ça y est, il fallait qu'il y ait un côté érotique, tu vois. Enfin, je trouve ça complètement con déjà à l'époque. Que là, tu vois, cet épisode-là, non? Tu sais, il n'y a pas ce délire-là. Alors, bien sûr, ça, c'est un personnage sexy, tu vois. Bien sûr que oui, tu vois. Plus créé par des hommes, principalement. Donc, enfin, ouais, bien sûr que oui, mais. Mais. Vraiment, à partir du 2, mais c'est même pas que de la faute des créateurs. Hein. Oh, bah, je suis allé là aussi. Ouais, c'est là où je contourne, ouais, où je suis allé. Ouais. Tu vas voir que je vais rester coincé encore des heures. Hein. Ah, le cadavre du dino. N'empêche que. N'empêche que comme il n'y avait pas tant d'ennemis que ça, il pouvait se permettre de laisser les cadavres des ennemis par terre. C'est vrai finalement quand on réfléchit bien, s'il n'y a pas tant d'ennemis que ça. Dans un niveau de Tomb Raider. Après, j'imagine qu'après, bon, là, c'est où je suis allé. Ok, à mon avis, il faut que je regarde vers le milieu. Ah, attends, on va regarder là. Je crois pas. Non, il n'y a rien. Bon, là, c'est le début, là. Là-bas, c'est le début du jeu, donc j'ai pas. Ouais, moi je suis allé là. Donc on va regarder dans le. Dans ce côté-là. Tom, 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 Tom Raider. Tom Raider. Ouais, et en fait, avec un copain, quand on était au collège, on s'amusait à refaire plein plein de fois ce niveau-là. Je me rappelle que j'avais passé des mercredis entiers. Du coup, bah, avec ce copain-là, du coup, à refaire ce niveau-là plein plein de fois. C'est marrant parce que pourtant, il n'aimait pas trop Tomb Raider. Je crois que ça le saoulait un peu. Il n'était pas fan, mais il adorait faire ce niveau-là parce qu'en fait, il adorait. Genre, bah, en fait, on avait adoré le Jurassic Park et tout, comme plein de gosses, tu vois. Et du coup, je crois que c'est un niveau qui est assez fascinant. Le fait qu'il y ait le T-Rex, là, qui était hyper stressant. Hein. N'empêche que ça a tellement été iconique, le T-Rex de ce niveau-là, que du coup, ils ont remis un autre dans le 2. Et dans le 3 d'ailleurs. Dans le 2, c'est un peu. Alors, c'est pas un endroit secret, mais je crois que c'est un endroit qui est pas obligatoire. C'est dans les murailles de Chine, il y a un endroit où il y a un T-Rex, mais c'était moins marrant. C'était juste le clin d'œil qui était marrant. Ils ont remis le dinosaure, ouais, dans une zone un peu plus fermée. Une sorte de grotte. Et dans Tomb Raider 3, ils ont remis aussi un T-Rex, ils ont remis genre, un dinosaure aussi, les raptors, je sais plus quoi. Dans les îles du. Je crois que c'est dans les niveaux du Pacifique, sur les îles du Pacifique. Et moi, je trouve ça plus sympa que dans le 2, mais bon, ça reste. Bah, après, si, c'était rigolo. Hein, c'était rigolo de retrouver les dinosaures du premier. En plus, on les voit que dans ce niveau-là. Hein. Si on en voit un peu quelques raptors dans le niveau suivant, là. Dans le temple suivant. Et après, on n'en voit plus. Donc c'est vraiment que cet épisode-là. Mais ça a marqué beaucoup de joueurs.
Encore. C'est pas le même endroit. Dites pas que je suis retourné dans le même endroit. Putain, ça me saoule. Bon, t'entends souvent, hein, quand même. Je me rappelais plus, c'est aussi. J'ai un peu sous-estimé le jeu. Non, pas que. Je savais que c'était un jeu dur, hein, Tomb Raider. Genre, je les ai fait à l'époque, donc je me souvenais, mais je me suis dit que peut-être qu'en les refaisant, bon, bah voilà, maintenant que j'ai joué à plein d'autres jeux dans ma vie, je me suis dit, bon, ça devrait pas être si dur que ça. Eh bien si. Eh bien si, je continue de me perdre. C'est un peu de, ouais, de regarder sur ce côté-là parce que. Ah, je suis perdu, ça y est. À dire que je les ai fait plein de fois. Et... C'est vraiment ce que j'ai beau avoir fait ce niveau-là plein de fois, bah, je m'en rappelle plus aujourd'hui. Non, là, c'est là où je suis allé tout à l'heure. Là, non, je suis déjà allé. Là. Par contre, on va peut-être essayer d'aller là. Non, on peut pas grimper là? Ouais, je sais pas. Et sur ce côté-là, est-ce que je suis allé là? Ça se trouve, il y a un endroit. Hein. Non, je suis un peu chiffonné là. Je suis un peu chifoumi. Sais pas si on peut aller. Ouais, je sais pas du tout. Allez, monte. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une tête sur la texture là. En contrebas là de Lara. Eh ben je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas j'ai récupéré les deux roues, je sais, je me rappelle qu'il y a un endroit où on met les. La structure. On peut pas aller là-haut. Je suis coincé, mais pas trop non plus. Bon là c'est là où j'ai chopé le truc là. Mais par exemple là je viens de choper ça mais il n'y avait rien d'autre. Hein. Pas une autre zone. Non bah non. Zone 2. Ouais comme je disais du coup là elle a pas encore sa natte. Lara et tout. Parce qu'à la base Lara Croft elle aurait dû avoir une paire de lunettes de soleil. Bah, comme ce qu'elle arbore sur certains dessins, certains artworks. Elle. Merde. Elle. Du coup, elle a. Coup, elle a une petite paire de lunettes de soleil, Lara Croft. Même lors de certaines cutscenes, même elle a les lunettes de soleil. Bah, elle aurait dû avoir ça durant tout le jeu. Et je sais que c'est les développeurs qui ont trouvé que. Enfin, in-game, c'était un peu bizarre. Cette petite paire de lunettes, on a l'impression qu'elle avait des yeux de chat. Enfin, il trouvait que. On avait l'impression qu'elle avait deux petits yeux de chat et c'était un peu bizarre. Hein. Ils se sont dit, bon, finalement, on va retirer sa paire de lunettes. Alors, par contre, je trouve pas où faut aller, ça me fait chier. Lara Croft est complètement perdue. Puis là-bas, j'y suis allé, mais je sais plus. Dans l'un des endroits où je suis allé, il y a sûrement un chemin que j'ai pas emprunté. Oh, je suis triste que j'arrive pas à faire le poirier. Je sais qu'il y avait un. Comme j'arrive pas à marcher, je crois que c'est avec le bouton de marche en plus qu'on peut. Docteur Saucisse, bonjour Docteur Saucisse, re! Comment ça va? En plus, je suis en plus, je crois, sur Twitter, je crois, Docteur Saucisse. Je suis presque sûr, mais j'ai un doute. Ah, il y a peut-être un chemin là-bas, attends. Non. Non. En tout cas, voilà, normalement, elle aurait dû porter une paire de lunettes pendant tout le jeu et les programmeurs, ils se sont dit non, non. On dirait qu'elle a trop une tête de chat. Je me demande, du coup, et c'est dommage parce que, du coup, je crois qu'il n'y a pas d'image de proto où on la voit avec. Avec des oreilles, enfin avec des oreilles, avec des yeux de chat.
voilà, c'est l'endroit où je suis allé. On a fait éclater la gueule. Et voilà. Un accident est vite arrivé. Malheureusement. Ouais, je sais plus où faut aller. Du coup, j'ai récupéré les deux. Et ah, d'ailleurs, on voit qu'elle a une paire de lunettes là d'ailleurs. Oui, c'est les. Tac, 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 tac. Les détails. Du coup, non, faut pas aller là. Mais. Mais. Ouais, mais c'est. Ouais, et en fait, je trouve même pas l'endroit où faut mettre les rouages là. En fait, j'ai la musique qui s'enclenche tout le temps. Ah, attends, il y a peut-être un endroit. Attends. En fait, il faut que je regarde mieux que ça. Hein. Ah, la caméra. Ah. Mais je trouvais que toute la fin de Tomb Raider 1 était un peu moins intéressante aussi. Enfin, quand tout devient un peu plus paranormal. Enfin, je trouve ça un peu fascinant, mais en même temps, je crois que tout le passage avec les mines là, vers la fin du jeu, je trouve ça moins intéressant. Ah! Je suis tombé. Bon, après avoir zigouillé tous les derniers dinosaures du monde là. Est-ce qu'il faut aller? Oui, est-ce qu'il faut aller? Dans tous les Tomb Raider, ça devient bof. Ouais, un petit peu, ouais. Je crois que quand ça devient. Bon, déjà, le 3, il est pas très intéressant. Une grosse partie du jeu. Bah, je crois que dans le 4, ça devient un peu. En fait, le 4, c'est pas que ça devient paranormal, c'est que c'est déjà un peu. En fait, des fois, il y a des créatures un peu. J'allais dire mythologique, non, mais tu sais, il y a des squelettes, il y a des trucs qui sortent des tombes, tu vois. Enfin, c'est plus des espèces de monstres de folklore, tu vois. Mais ouais, mais dans le 1, c'est des extraterrestres, carrément, je crois. Attends, c'est extraterrestre, hein, dans celui-là, je crois que. Non, non, c'est pas extraterrestre, c'est une espèce de race, je sais quoi. Ouais, c'est un vaisseau extraterrestre, le 3, ouais. Ouais, c'est ça. Même en vue d'une araignée. La zone 51, donc tu vois des trucs et tout. Et le 2, alors le 2, ah si, le 2, il y a tout un délire paranormal avec l'espèce de dague là, avec le mec qui se transforme en dragon. Si, puis tout le dernier niveau, il était mystique dans le 2. Ça, t'es dans le ciel, c'est dans une espèce de temple, mais dans le ciel, un peu bizarre. Ouais, je sais plus si c'est des Incas, mais c'est une espèce de race, ouais. Mais je crois que c'est. Ouais, moi je dis extraterrestre, mais peut-être que c'est des trucs qui sont déjà ici. Enfin, qui c'est qui était déjà sur Terre. Et je crois que la méchante, c'est un peu ça. Je crois que c'est la dernière descendante ou je sais plus quoi. Ah, c'est grimpé là. Et dans le 2, c'est vrai que la fin, je l'aime moins. Tu vois, tout le délire. En fait, j'aime moins, mais en même temps, je trouve ça un peu cool. Enfin, c'est marrant, mais. Enfin, je suis juste un peu tiraillé entre le côté. Je trouve ça fascinant. Et puis je trouve ça pas très marrant à jouer. Bah, justement, tout le dernier niveau dans le 2, dans le ciel, je trouve ça très casse-gueule, bah forcément. Et du coup, c'était un peu casse-couille. Et je me rappelle qu'on voyait pas très bien. Ah, j'ai compté, j'ai pas fallu. Et ouais, puis je trouve que. Bon, puis dans les épisodes d'après, avec les épisodes de Crystal Dynamics après, il y avait un peu de trucs chelou aussi, mais ça allait encore. Je sais qu'il y avait le Kraken dans l'espèce de Kraken dans le Underworld qui était un peu cool. Que ça restait un peu un truc un peu isolé, on va dire. Alors moi je pense qu'il faut aller derrière une cascade. Non, il n'y a pas de cascade où il faut aller. Ah, j'ai oublié. Ah là, ça me rappelle l'époque. Hein. Je pensais pas que j'allais à nouveau être bloqué aussi longtemps dans Tomb Raider. En fait, il faudrait que je retourne dans les endroits où je suis allé. Mais que je scrolle un peu plus, hein, que je. Je regarde un peu mieux quand même. Je suis une vraie exploratrice. Ouais, merde, j'ai bouffé à mes preuves. Oups. Hop, je ne sais pas vu. Non, mais faut que j'observe mieux parce que je pense que. Putain. Ah, voilà, il faut que je retourne en arrière peut-être. Je suis perdu.
Le 1, c'est un délire Inca. Atlantide. Ouais, Atlantide, c'est ça, ouais. Ah, il y avait aussi genre les Incas, je me rappelle même plus, tu vois, de ça. Ouais, le truc de Sion, là, bah, je crois que c'est l'objet qu'on doit retrouver, non, c'est ça? Je sais plus, je crois qu'on en a parlé au début. Merde, je suis coincé. Non, c'est pas possible. Allez, oh, oh! Si j'allais là? Ah, ce n'est pas un vrai endroit, ok. Ah, c'est un secret! Ah, du coup, j'aurais au moins un secret sur trois à débloquer, là. Putain, je sais pas où fallait. Ça me fait chier. Parce que je lis déchu par les frères Qualopec. Oui! Bah, d'ailleurs, le niveau d'après, c'est la tombe de Qualopec ou je sais plus quoi. Bah, à ce niveau-là, là, enfin, juste après. Il me semble que c'est ça. D'ailleurs, il était très dur ce niveau-là. Ah, tiens, bah, elle est là. La tombe de Qualopec. Je crois qu'il y a des pièges et tout. Putain, faut aller où, plus chier. Ah, je me sens con, là. Coucou, Radius. Comment ça va, Radius? Ça fait pas longtemps, ça fait la semaine dernière. Comment ça va? T'as eu? Je parle comme les streamers. Je fais, comment ça va, machin? Ciao, ciao. Merci pour le sub. Yeah, d'accord. Et là, je tourne en rond comme un con. Pas, je sais plus où faut aller. Moi, je pense qu'il faut peut-être carrément retourner en arrière. Enfin, je veux dire, complètement sortir de cette partie du niveau. En plus, ce niveau-là, ça m'énerve parce que je l'ai fait plein de fois avec un copain étant petit. Comme c'était notre niveau préféré, bah, je sais qu'on c'est un niveau qu'on refaisait en boucle. Mais j'ai oublié, enfin j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Tomb Raider dans la nuque. Ah non, bah, je retourne là, merde. Non, je retourne sur le. Bah, je vais essayer de carrément sortir de ce terrain. Est-ce que je peux faire le. Je vais essayer de glisser. Voilà. J'ai glissé. Voilà. J'ai fait le con. Ça va tranquillement. Félicitations pour l'affiliation. Ouais. Bah en fait, ouais. En fait, ça fait 3 semaines que je suis affilié, machin truc, mais j'avais essayé de faire leur programme là. Enfin leur. J'avais essayé de comment. De ouais, bah de remplir les trucs. Puis. Il fallait que je remplisse des choses sur la page Twitch et ça me faisait chier. Du coup, j'ai mis ça en stand-by. Et je l'ai fait que ce week-end. Je suis allé, je vais remplir ce qu'ils m'ont demandé. Là. Oh, la chouette musique, hein. Super sympa. Pense que c'est toujours genre les mêmes gens qui chantent derrière. Bon, j'essaie de retourner en arrière. Attends, j'ai toujours mes deux trucs, hein. Ouais. Putain, je sais plus où fallait. Ouais, il y a bouton abonné. T'as vu, c'est beau. Je suis un vrai streamer. Je suis devenu un vrai streamer, tu vois. Et ouais, je sais plus, non? Quand tu passes là-bas, en fait, je me rappelle d'un endroit où effectivement tu mets les rouages là. Et je sais plus. Genre ça, c'est quoi là? Là, c'est pas l'endroit où je peux aller là. Bah non, c'est là où je suis tout le temps. Okay. Là, t'as la cascade qui va me ramener sur l'eau. Oui, il faut fournir un truc fiscal, il me semble. Ouais. Ouais, un numéro et tout. Et moi, je savais plus où c'était. Ça. Enfin, j'avais trop la flemme. Et puis, comme je venais de faire plein de papiers là, c'est ce dernier mois, donc ça me faisait trop chier. Mais putain, même Twitch, ils me font chier avec leurs papiers, tu vois. J'ai fait non, c'est bon. Du coup, j'ai un peu d'abord arrache-quitte la page de Twitch. Et ouais, du coup, bah, je l'ai fait que ce week-end, du coup. Bon là je reviens tout le temps, j'essaie de revenir complètement. Hein. Là je suis complètement coincé là. Bah de toute façon après je sais qu'il faut revenir parce que dans le jeu, il y avait une séquence avec un mec là, l'un des sbires du. Enfin de la méchante là, Nathla. Bah dans ce cas j'essaie de revenir, peut-être que. Je sais pas. Ah ça m'énerve d'être coincé. Hein. Oh, je fais des beaux sauts. Ouais, et du coup, j'essaie de me mettre bien par là. Je sais même plus comment on revient. Là, je suis coincé. Là, j'ai presque envie de voir une soluce, quoi. Tellement ça me saoule.
pensais dans mon niveau, un de mes niveaux préférés, quoi. Attends, je vais regarder une soluce. Ne dites pas, je vais regarder une soluce. Alors, soluce, Tomb Raider 1. Ouais, je suis vraiment. Moi, je suis là. Ouais, du coup, ça, après le niveau, c'est la tombe de Kolopek. Ouais, ils disent voilà que c'est une zone extrêmement mauvaise, quand même, la rivière. Gna gna gna. Voilà, là, elle traverse un pont, je sais pas où c'est. Hein. Super. Il n'y a rien là-dessus, c'est quoi? Oh là, y... Ah, je vais regarder une vidéo, tiens. Moi, je suis coincé de... Je suis coincé, là. Attendez, là, je vais regarder une soluce. Ok. Un sur trois. Ah, la vallée perdue. Et en fait, on peut le faire super vite. Parce que là, le mec en soluce, il fait le niveau en 10 minutes. Il connaît tout par cœur. Bon, là, c'est le secret que j'ai été voir. Ah, attends, attends, il va où là? Ah, ouais, il fait des trucs. Ah, putain! Ah, il faut trouver un moyen d'accéder à la cascade. Eh, putain, c'est chaud, hein, franchement, des fois. Ok, j'ai trouvé. Incroyable. Il faut le savoir, en fait, hein, quand même. Enfin, je veux dire, je m'en rappelais plus du tout. Ouais, parce que j'ai un peu sous-estimé le jeu, j'avoue. Que je me suis dit, bon, je sais que Tomb Raider c'est dur, genre je l'ai fait à l'époque, mais peut-être que comme maintenant je suis plus grand, je suis plus vieux, j'ai fait plein d'autres jeux vidéo en 3D depuis, je me dis, bon, peut-être que ça ira. Bon, en fait, non, c'est encore super dur. Enfin, c'est encore super casse-gueule. Oh, tu t'es abonné, Radius, merci pour l'abonnement! Ouais! Une musique énervée derrière. Ouais, et il y a une cascade, évidemment, on peut. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là là-bas. Il faut le voir. Oh, putain, et ouais, et je m'en souviens de ça en plus que effectivement c'était un jeu d'observation, bah, et d'exploration du coup, et qu'il fallait vraiment parfois bien scruter les moindres parcelles de, enfin toutes les parcelles des moindres décors, parce que c'était vraiment là effectivement il faut grimper là. Enfin, en plus moi j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à marcher. Je sais pas pourquoi elle veut pas marcher là. Donc, je suis obligé de faire plein de sauts à la con comme ça. Là. Voilà, comme ça. Faut faire ça. Et faut le savoir. Et après, ouais, effectivement, on fait ça. Mais quand même, je trouve que c'est pas si évident que ça à trouver. Et là, après, tu montes. Et je sais plus par contre s'il y a deux. Bien. S'il y a deux ou trois rouages à avoir. Allez. Il fallait quand même un peu le savoir. Hein. C'est à l'époque où les développeurs, ils faisaient trop confiance au. Bah non, c'est un secret. Merde. C'est même pas où fallait, c'était juste un secret à la con. Bah, tu prends le secret. Et madame. Bah, allez. Bah, ah oui, effectivement, il y avait un secret, excuse-moi. Je n'avais pas vu joueur. Bon, je vais regarder la suite de la soluce. Je suis un peu énervé. Mais là, c'est pour trouver les. Ouais, okay. Ok, c'est le secret. Ça, j'ai fait. Ah, ah, ah. Ah, sans, 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 sans. Oh là là. Ah, attends, j'ai un truc là. Voilà, elle va dans l'eau. Et un petit dino mignon. Après, hop, elle grimpe les trucs là. Et là, il y a un rouage que j'ai pas trouvé.
Ok. Oh. Ah, ok, il faut faire tout ça. En fait, là, du coup, le stream, il voit juste Lara en gros plan. Il se dit, ah, ok, faire ça. Mais attends, c'est où? Putain, il fallait le savoir quand même. Bah, écoute, on va déjà faire tout ça. Que je pense que c'est chiant à regarder en stream là de voir quelqu'un qui a une soluce. Alors. Ouais, du coup, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Enfin, j'espère. En tout cas, non, là, je suis où, là, déjà? Oui, il y avait la cascade, ok. On va retourner, du coup, dans la cascade. Bah, écoute, j'aurais trouvé un secret, quand même. Putain, j'ai pris beaucoup de risques, là. On va prendre de la vie. Non, en haut. Ouais. Et on va sauvegarder au cas où, parce que j'ai quand même trouvé des petits secrets. Ça fait toujours plaisir quand même, hein, trouver un petit secret ou deux. Hop. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Je l'ai fait il y a quelques mois. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que t'as fait le premier il y a quelques mois. Mais je me souviens juste avoir un peu tourné en rond. Ouais, bah moi je m'en souviens aussi d'avoir tourné un peu en rond, mais. Tu vois, en tout cas, je me souviens surtout d'avoir tourné en rond dans le niveau d'avant. Le niveau d'avant, je me rappelle avoir bien tourné en rond. En tout cas, je dis c'est cool. Alors là, visiblement, il y a un endroit que j'ai pas bien vu là. Peut-être pas. Alors, on peut grimper là, visiblement. Voilà. Ah, dans ce cas, je vais trouver le troisième orage. Non. Oh là là, il fallait trouver. Hein. Mais par contre, je sais plus où faut. Après, je vais voir parce que je trouve que le mec qui m'a indiqué. Voilà, là logiquement j'ai tous les objets sur moi. Enfin, j'ai tous les objets dont j'avais besoin. Il y a une musique. Musique qui indique que c'est bon. Oh putain. Faut que j'arrête hein, de prendre des risques comme ça. Hein. J'ai tourné en rond sur pas mal de niveaux. Ouais, mais moi aussi, hein, en fait, tu tournais en rond énormément. En fait, c'est pour ça que je dis que parfois tu restais des jours. Des jours et des jours sur un seul et même niveau parfois. Il y avait des niveaux qui étaient hyper longs. Mais sauvegardez. Bon, je suis content parce que j'ai au moins tous mes objets. Enfin, tous les. Enfin, j'ai toutes les roues là, j'ai tous les rouages. Enfin, toutes les rouages. Enfin, non, j'ai tous les rouages. Toutes les rouages. Parle pas très bien français, hein, le petit Mogi, hein, quand même. Bon, là je peux revenir et évidemment il y a un endroit. Attends. Putain, tout ça parce que j'ai regardé une Solus quoi. Alors que quand j'étais petit, je regardais pas de Solus, hein. Je traînais pendant des mois sur les mêmes niveaux, les mêmes décors. Jusqu'au prochain Tomb Raider. Voilà, attends, je sais plus où c'est, non, c'est pas par là. Voilà, c'est le début avec les squelettes. Du coup, si c'est que s'il y a des squelettes, c'est qu'il y a eu d'autres hommes qui sont passés par ici. Ils sont fait défoncer par les dinosaures, mais. Je crois qu'il y a un endroit. Attends, je sais plus. Ouais, d'ailleurs, en parlant du 3 que j'aime moins. D'ailleurs, je trouvais que même les musiques étaient moins bonnes dans le 3. Enfin, c'est toujours le même compositeur. D'ailleurs, c'était sa première contribution, je crois, à Nathan Macri, le 3, mais je crois que c'est. Enfin, moi, je crois qu'il était moins inspiré d'ailleurs. Il y a quelques pistes sympas, mais globalement, il y avait, je sais pas. En plus, je croyais qu'il réutilisait pas mal de pistes des anciens Tomb Raider. Alors, dans le 2, tu as aussi une ou deux pistes. Mais je crois que dans le 3, c'était encore plus flagrant, vraiment. Non, il y a un endroit où je peux grimper. Non. Non, il y a un endroit où je peux grimper. Peut-être là. Mais non, pas là. Peut-être là? Non, mais non. Ah, mais arrête, madame. Voilà, non.
Là, c'est beaucoup trop raide là. Beaucoup de Tomb Raid. Tomb Raider. Attends, je regarde un peu. On sent quand même que les grandes bases de game design n'étaient pas encore posées. On passe son temps à se faire. Ouais, bah ouais. Ouais, mais en même temps, je pense. Alors, moi, je trouve que c'est clair. Je trouve que des fois, il y a des trucs hyper vaches. Enfin, aux développeurs, je trouve qu'ils surestiment les capacités des joueurs, tu vois. Mais en même temps, je croyais qu'il y avait quelque chose d'assez unique dans le level design, tu vois. Genre le côté de faire des zones qui paraissent gigantesques, mais finalement, c'est pas si grand que ça. Mais qui te paraissent gigantesques. Et là, et même en y jouant aujourd'hui, on y en fait plein d'open world et tout, t'as quand même une sorte d'impression de gigantisme, enfin, qui est un peu. Genre assez bien foutu. Mais par contre, ouais, je trouve que parfois ils sont mais méga vaches. Hein. Et même dans le premier, alors là, je sais, j'y suis pas encore, mais je sais qu'il y avait des niveaux suivants qui étaient hyper abusés. Enfin, il fallait tourner en rond, il fallait regarder en hauteur, il fallait aller hyper haut, et si tu tombes, et bah, tu recommences tout. Surtout sur PlayStation où il fallait sauvegarder avec les cristaux. Tomb Raider, c'était un peu. Hein, les 4 premiers niveaux à la sortie, puis je suis resté bloqué 7 mois sur le niveau 5. Ah oui. La profondeur d'affichage fait que tu as jamais. Ouais, grave. Ouais, et un problème, c'est clair que les textures aident pas du tout. En fait, le seul truc, bon, ça va dire, qui t'aiguille, c'est le fait que parfois, tu vois qu'il y a des pentes trop raides et que, que tu peux pas accéder. Hein. D'autres bien que Lara, genre, elle ne peut pas. Mais par contre, parfois, ouais, on voit pas très bien, parce que comme c'est un peu. C'est un peu dégueulasse, quoi. Il me semble qu'il y avait un endroit ici. Hein. Attends, je vais regarder à nouveau genre, la vidéo. Et regarde la vidéo. Faut pas le dire. Ouais, parce que je veux pas rester bloqué tout le temps, j'en ai ras le cul. Déjà, est-ce que c'est le bon endroit déjà? Oh là là. Ah putain, c'est là où faut aller. Ah non. Qu'est-ce qu'elle a ramassé là, Lara? Oh, je m'en fous tout ça. Ouais, je sais pas ce qu'il a ramassé en fait. Alors, le mec qui retourne dans le temple là. Ça, je l'ai fait. Tout ça. Oh, il plonge, il fait le saut de l'ange. Là, je peux pas le faire parce que j'arrive pas à sauter, j'arrive pas à. Ok, à mon avis, là, j'arrive à la fin de la vidéo. Mec qui regarde la vidéo. Ça, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, elle se barre. Ah, voilà. Faut se barrer. Oh, putain. Retourner derrière. Ok, j'ai compris. En fait, après, il faut tout simplement se barrer après. Mais comment, où se barrer? Ok. Ok. Ah, putain, un peu avant, si ça m'est, tu voulais pas être bloqué dans ce genre de jeu, fallait absolument te remettre le jeu. Hop là. Bon, du coup, j'ai toutes les pièces. Bon, visiblement, il y a des trucs en haut, mais j'ai pas envie de les chercher, ça me fait chier. Et ouais, du coup, bah si, il fallait bien se barrer. Parce que je me souviens que vers le début du niveau, il y avait une cutscene. Je me suis dit, bah, s'il y a une cutscene qui s'enclenche là, c'est qu'il faut revenir. Bon voilà, bon du coup j'ai mes trois trucs pour retourner derrière quoi. Ouais, je me dis putain, c'est pas possible. Oh putain, ouais, on était patients, parce que moi je me rappelle il y avait des niveaux où j'ai recommencé plein de fois. Tellement impitoyable. Mais arrête de regarder. Pourquoi est-ce que tu regardes le sol? Bon, je crois qu'il faut retourner en arrière, du coup, faut essayer de se barrer peut-être par là. Allez, madame! C'est dur! Et après, il faut sauter, je ne sais où. Oh bah, merde, putain! Ouais, il y a un truc un peu traître aussi, c'est que je joue avec le joystick. Et avant, il n'y a pas de joystick, enfin, du moins dans le premier. Après, il y avait la DualShock, enfin, sur PlayStation, du moins.
Il y avait la DualShock et après, du coup, quand tu jouais sur Tomb Raider à partir du 3 ou du 4, ils prenaient ça du coup. Ouais, j'ai réussi, bravo, bravo Lara, bravo. D'ailleurs, elle s'appelait pas Lara Croft au début, elle s'appelait Laura. Laura Cruz, pour donner un petit côté Amérique du Sud. Voilà, bon, j'avais déjà buté les chiens. Voilà, et après il faut aller tout en haut. Et ici il y aura une cutscene après, je crois. Une cutscene avec le mec là, avec. Avec le mec qu'on voit au tout début du jeu. Sur la cinématique en image de synthèse. Oh. On fera jamais mieux. Voilà. Effectivement, du coup, là-bas, il y a le truc avec le roi, je crois. Je sais pas où faut passer. Mais... Attention. Bah, je vais sauvegarder déjà parce que là, j'ai fait un long chemin. Ça va me faire chier de mourir et tout pour rien. Là, moi, si je meurs, je m'en bats les couilles. Ah, pour le moment, ça va. Elle est allée aussi loin pour. Je vais re-sauvegarder parce que je flippe en fait là. Oh, n'empêche que sur PlayStation on pouvait pas faire ça. À part dans le 2. Peut-être dans le 4 aussi sur PlayStation. On pouvait sauvegarder à n'importe quel moment, mais. Putain, ouais, tu peux pas. Parce que tu. Si jamais tu sauvegardais au moment où tu tombes dans le vide, t'es foutu. Moi j'ai déjà fait ça. J'étais dégoûté. Est-ce que c'est là? J'espère que c'est là. J'espère que c'est là. J'espère que c'est là. Oh putain, j'espère que c'est le bon chemin. Ah! Ah bah voilà! Mais non, oh putain! Heureusement que j'ai sauvegardé. Va charger, hors de question que je me retape tout ça. Oh putain, ouais, sur PlayStation, ça me donne envie de vomir. Genre, le fait d'imaginer qu'il fallait tout recommencer. Ouais, parce qu'on était embarqué dans le truc en dessous, là, pendant. Ça, vous sauvegardez au moment où tu te fais attaquer par un Doberman. Et t'as pas vu. Ouais! Et c'est encore pire dans le 2, parce que même si je préfère le 2, ce qui était un peu plus chiant dans le 2, c'est que parfois il y avait des ennemis qui repopaient, enfin qui popaient, mais de manière illogique, tu vois. Bon, là je sais que dans le 1, parfois il y a des trucs cons, tu vois, comme des fois il y a des animaux comme des ours coincés dans des temples, c'est un peu con, mais à la rigueur, tu les vois venir, enfin, ou alors ils sont derrière une porte. Mais je sais que dans le 2, il y avait des trucs un peu cons où t'étais dans une pièce qui était vide, mais comme t'enclenches un mécanisme. Et quand tu reviens dans cette pièce qui était toujours vide, bah d'un coup il y a une bestiole qui se. Ou alors carrément un mec. Des fois, parce que comme dans le 2, ils ont intégré des. Réellement les ennemis humains. Allez, allez, madame. Le premier. Le 2, il y a la mafia. Bah ouais! C'est les mecs de Bartoli s'appelait, genre les méchants, je sais plus. En plus que je trouve ça stylé, enfin j'ai trouvé stylé, genre les méchants du 2. Ouais, il y a les véhicules, il y a même les. Ouais, il y a les. T'avais les. T'avais le bateau. T'avais le jet ski. Ouais, non, c'est pas un jet ski, c'était un motoneige. Et je crois que c'est tout, non? Et moi, ce que je trouvais trop bien, c'est que c'était des véhicules, mais intégrés. Dans le niveau. Enfin, ça, c'était pas des. C'était pas genre une séquence en plus. C'était pas genre. Ah, c'est le niveau de la moto, tu vois. Ou c'est que de la moto, tu vois, par exemple. Ça c'était vraiment des véhicules, mais intégrés dans les niveaux normaux à pied. Et je crois que ça, c'est un truc qui me fascinait. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça marche, trop bien!
Ça va trop vite. Et là, du coup, c'est bon. Pas le niveau à Venise, trop bien. Oh, en fait, qu'est-ce que j'ai pu rêver de l'avoir, Tomb Raider? Ben, je l'ai eu à la sortie, j'ai du bol. Enfin, du bol. Non, parce que c'est un cadeau de Noël. Mais ouais, mais putain, qu'est-ce que je l'ai attendu? Qu'est-ce que j'ai pu regarder les images et tout Ah, j'étais impatient. Est-ce que je peux tomber dans l'eau là? Oh. Ah ouais, non, mais je me rappelle que j'étais fasciné par le 2. Et ce qui était ouf, c'est que le 2. Enfin, c'est marrant parce que j'ai jamais pu retrouver cette émission, mais je me rappelle que. Avant que je sorte, du coup, je scrollais, enfin, j'essayais de tomber sur tous les trucs qui parlaient ou potentiellement tu pouvais parler de Tomb Raider 2. Et d'en en parler dans une émission de nulle part ailleurs. Enfin, je me rappelle que durant 15-20 minutes. Ah, nulle part ailleurs, à l'époque où c'était présenté par les deux, là, Alexandre Devoise et je sais plus qui, là. Bah, à un moment, pendant 15 minutes, ils ont parlé de Tomb Raider. Mais ce qui est ouf, alors, dans mes souvenirs, hein, ce qui est ouf, c'est qu'ils ont vraiment parlé du jeu. Tu vois, c'est rare. Enfin, c'était pas genre, on va parler de jeux vidéo, on va mettre un psy pour dire que ça rend violent, tu vois, et que c'est dangereux. Enfin, tu vois, c'était vraiment, ils étaient là, et il me semble qu'il y avait un mec, je sais plus, c'est pas un programmeur, hein, mais c'était peut-être un journaliste, je sais plus. Et il parlait du jeu, tu vois, c'est ouf. Alors, à l'époque, ça me paraissait déjà ouf. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec un œil d'adulte, je me dirais bon, bah, que ça sert pas à grand-chose, tu vois. Allez, nage! Pourquoi on veut pas nager, là? Et alors, il bug ou quoi? Ah, voilà. Ouais, et du coup, c'était une mission que enfin, je trouvais ça ouf. Et je me rappelle qu'il parlait du jeu, du fait qu'il y avait un éclairage plus dynamique. Le fait que Lara elle pouvait avoir. Alors c'était très. Alors c'était pas des. T'apprenais pas des choses incroyables, mais. Tu sais, il parlait de technique du jeu vidéo. Enfin, tu vois, du coup, il y avait un. Ouais. Il parlait du fait que maintenant Lara elle avait une natte et tout, qui bougeait dans l'eau et tout. T'avais des trucs nouveaux. Mais putain, à nulle part ailleurs, sur Canal+, il parlait de Tomb Raider 2, tu vois. Il y a le prochain jeu, Tomb Raider 2. Et ça me paraissait ouf. Alors, déjà, à l'époque, c'était ouf de voir des émissions sur des jeux vidéo, tu vois. À part se taper Micro Kids. Qui n'existait d'ailleurs quasiment plus à cette époque, hein. C'était en 97, donc ça existait ouais quasiment plus que. En plus c'était plus tout de la même formule, en plus Micro Kids après. Télévisateur 2 c'était mort depuis longtemps. T'avais vite fait les émissions, genre Cléo, je sais plus quoi là. Oh, un secret, merde. Pas ce que je voulais. Moi. Et ouais, et le fait que Nulle Part Ailleurs parle, enfin, consacre 15 minutes à Tomb Raider 2, bah ouais, c'était incroyable. Enfin, et ça montrait aussi qu'il y avait quand même quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que Tomb Raider, c'était vraiment genre un phénomène. Je te confirme que reprendre une grosse partie de niveau Tomb Raider 1, qu'il n'y a pas eu cristal de sauvegarde. C'est très frustrant. Ouais. Bah ouais, non mais c'est chaud ça. Le motoneige, ouais, Dr. Seuss, il n'y a pas beaucoup de à pied. Ouais, mais ça en avait un petit peu, c'est vrai que. Mais t'avais quand même plein de séquences, c'est ouf. Fallait genre garer le. En plus, moi je faisais exprès de garer le véhicule. Parce que j'étais jeune et t'étais un peu content, tu dis, ah, je vais garer le motoneige, voilà. Ah, je suis bien là. Et puis tu sors, après tu te remets à pied. Enfin, c'est ce que tu t'amuses à faire des trips pas la con. Enfin, en tout cas, moi je faisais ce genre de trucs. Peut-être que j'étais le seul, tu vois. Ah, j'ai des trucs dans la gorge là. En dessous. Il n'y avait pas un lance-grenade sur le motoneige? Si. En tout cas, il y avait un lance-grenade dans le 2. Et même que c'était un peu gore, parce que quand t'exposais les ennemis, bah, ils volaient en mille morceaux. Il y avait plein de polygones, enfin, c'est des bouts de jambes, des bouts de trucs. C'est sur celui du 3. Ah ouais, peut-être. Ouais, il y a aussi un motoneige dans le 3. Enfin, ou un. Il y avait un truc dans le sable aussi. Non, attends, c'est une bus qui a. Non, il y a une moto. Je crois que c'est ça. Ouais, il y a une moto dans le 3. Je sais plus du tout en fait. Après, il y avait des. Attends, j'ai sauvegardé du coup. Sauvegardé parce que je trouve un secret. T'avais, ouais, t'avais aussi d'autres trucs. T'avais. Attends, c'est où? C'est où? Merde. Ah là, pas de. De faire des bruits de gorge, on dirait un petit vieux là. Voilà, et là en bas, il va y avoir une cinématique. Non? Peut-être pas. Que là, c'est la fin du niveau, je crois, non? Que là, on arrive à la tombe de Qualopec.
qui est dans le coin. Faut aller où? Oh putain, ça se trouve, fallait pas que je m'en aille. Je ne te juge pas, je garais le tank dans GoldenEye. Là, on s'amusait bien quand on était jeune. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent se garer tout le temps dans GTA. Avec un nombre incalculable de voitures. Alors, est-ce que je vais au bon endroit? Oh! Ah non, c'est après. C'est après. Ok. Là, les... Oh, putain, j'ai fait 58 minutes quand même. Non, en fait, c'est après qu'il y a la cutscene. C'est quand on revient. Parce que là, du coup, ben là, on va aller à la truc de Kolopek, là, la tombe de Kolopek. C'est en revenant qu'il y aura la cutscene avec le mec, là. Avec Larson, je sais pas. Bon, c'est bon. Ah. Non, j'ai sauvegardé parce que le jeu ne sauvegarde pas, sinon. Par contre, sur PlayStation, quand tu sauves... Bon, tu avais le système de cristaux, mais par contre, il semblait que tu avais quand même un système de checkpoint à chaque niveau. Enfin, je veux dire, tu pouvais recommencer les niveaux, non, je crois. Enfin, depuis le début. Je sais pas s'il n'y avait pas un truc comme ça. Tiens, tiens le mur, prends ça le mur. Alors, ce niveau-là, je l'aimais bien, mais en même temps, il me faisait chier. Tu vois. En fait, je le trouvais joli, ce niveau. Et normalement, il y a un dinosaure quelque part. Ça, je m'en souviens qu'il y a encore un dinosaure. Il y a une boule. Une boule! Ah putain! Salut, Chuck! T'as vu? Je me suis fait écraser. Comme Indiana Jones. N'empêche que c'est un peu rigolo parce que c'est comme une vraie boule. Du coup, il y a des gens, ils ont mis une boule dans un temple. En plus, j'aurais dû voir venir ce que je. Attends. Ah, si y a la musique, c'est que ça tombe. Ils sont de retour dans le Tomb Raider 3, les cristaux. Ouais! Sauf que dans le 3, je crois que tu les collectais. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme les rubans encreurs dans le dans Resident Evil. Non, je crois que tu pouvais les collecter, mais sauvegarder quand tu voulais, suivant le nombre que tu avais de cristaux. Je crois que c'est ça, ouais. Du coup, c'était un peu, on va dire, moins chiant. Je sais pas, en fait, est-ce que c'était moins chiant, parce que si jamais tu sauvegardais trop souvent et tu... Enfin, en fait, c'était un peu compliqué parce que du coup, comme Tomb Raider, c'est bien plus relou que Resident Evil quand même à jouer. Bah parfois, t'as pas beaucoup de cristaux, tu te demandais est-ce que c'est le bon moment de sauvegarder là vraiment. Au moins quand ils t'imposaient des checkpoints, bon bah tu disais bon, les programmeurs ils ont fait en sorte à ce que ici ce soit le bon moment de sauvegarder, tu vois. Attends, je vais aller boire un coup parce que sinon je vais mourir. Voilà. Ah, puis finalement, on a mangé une pizza comme les tortues ninja. Non, pas comme les tortues ninja, parce que les tortues ninja, elles avaient l'air trop bonnes. Leur pizza, c'est avec le fromage tout fondu là. Enfin, ça avait l'air bon à chaque fois. Je crois qu'il y avait une save entre le niveau. Entre les niveaux, voilà. Il me semblait que tu pouvais recommencer les niveaux, tu vois. Tu pouvais refaire genre la tombe de Kolopek depuis le début, tu vois, par exemple. Ouais, et dans le 2 aussi, bah après ils ont fait ça tout le temps. Dans Resident Evil 2, dans Resident Evil, t'es rarement à court de ruban. Ouais, je crois que c'était rare à tomber. Je crois que je suis jamais tombé en rade, vraiment. Ah, c'est moi! Oh! Ah bah voilà, c'est le truc qu'elle cherche, là, c'est le truc de Xion, là. Bah super, hein. Bon, bah c'est fermé. Mais ouais, dans Tomb Raider, c'est vrai que t'étais moins souvent à court de munitions, j'allais dire, mais de ruban. Ouais, puis dans Resident Evil, t'étais que dans un lieu, plus, enfin, t'étais pas dans un lieu unique, mais t'étais dans 2-3, grosso modo, lieux uniques, et tu repasses constamment dans les mêmes endroits. Donc souvent, quand tu vis une zone, elle est vide, enfin. Sauf les endroits où tu sais que tu peux contourner les zombies. Alors que là, dans Tomb Raider, c'était très. Un peu frustrant, parce que comme c'est des. Bon, parfois tu tournes en rond, mais. Je suis en train de lire le synopsis de Tomb Raider. Ah, tu. De Tomb Raider. Le premier ou de la série? C'est à chaque fois très drôle. Ouais. En plus, honnêtement, le scénario de Tomb Raider. Bon...
C'est un peu dommage, hein. C'est un peu con quand même. Enfin, c'était pas très ouf quoi, au niveau scénaristique. Ils ont essayé de faire un truc un peu plus intimiste dans le 4, tu vois. Tu vois, ils parlent du mentor, de Lara, on la voit un peu plus enfant, quand on la voit enfant, tu vois, à la fin, y a même, c'est un peu tragique. Le fait qu'il se passe dans un lieu plus ou moins unique aussi dans Tomb Raider 4, ça rendait le truc un peu plus intimiste. Le 4 a plus de cinématiques. C'est possible, ouais. Après, le 4, je l'ai fait il y a méga longtemps. Enfin, bah en fait, je les ai tous faits il y a méga longtemps. Ah, il y a un interrupteur là, bonjour. Un petit interrupteur. Ils sont tous calqués sur le même moule. Que ce soit en Grèce ou en Égypte. Oh putain, un dinosaure! Ah, attends, j'étais en train de discuter, oh! Merci pour le sub, les dinos! Ah putain, vous êtes beaux! Vous ressemblez pas à des grosses dindes, vous! Les intrigues de Resident Evil, ça ne vole jamais très haut. Ouais, mais Resident Evil, c'est bon, c'est. Je crois que c'était plus sympa, puis comme ils avaient le bon goût de distiller des trucs dans des notes, ça rendait le truc un peu moins couillon, tu vois. Parce que comme tout n'était pas mis en scène dans des cutscenes, tu vois, ça avait un peu un délire, tu sais, qui jouait pas mal sur l'imagination et tout, tu vois. Alors que bon, dans Tomb Raider, c'était bon. Et non, non, puis en vrai, enfin, au point de vue, enfin, ça paraît un peu con, peut-être, enfin, j'ai peut-être paraître con dans ce que je vais dire, mais dans Resident Evil, notamment dans le 2, je trouvais que tu avais un délire un peu, enfin, qui jouait sur l'émotion, qui fonctionnait un peu, tu vois. C'était un peu couillon et tout, mais tout le truc attachement avec Thierry ou ce genre de truc, bah, je crois que ça, enfin, en tout cas, à l'époque, ça fonctionnait, tu vois. Parce que Tomb Raider a jamais joué ça, l'astuce sur le côté, enfin, sur le côté émotif, sur l'attachement. Si, c'est, enfin, tu es attaché à Lara parce que c'est ton personnage, mais il y a un côté un peu froid, tu vois, dans Tomb Raider. En vrai, Tomb Raider, le truc de Midas, ouais, le niveau de Midas, il était dur. Je suis d'accord, je suis resté bloqué aussi dans le temple Midas. Bah, c'est assez simple, ouais. Ouais, mais moi, je crois qu'à l'époque, je connaissais même pas l'histoire de Midas. Donc pour moi, bah, je vois un bout de statue, je m'en bats les couilles, tu vois. Quoi que je dis ça, mais même en le sachant, je suis pas sûr que j'aurais compris. En fait, je suis pas sûr que j'aurais. Parce que comme tout le reste du jeu est un peu plus codifié, ça c'est juste des clés à la con que tu rentres dans des serrures pour ouvrir des portes. Je pense pas que j'aurais forcément pigé le fait qu'il faille tu vois, se foutre enfin, à côté de la statue, tu vois. Là, parce que tu as quand même beaucoup de choses dans le jeu où c'est toujours à peu près le même type d'énigme. C'est pas vraiment des énigmes, c'est plus de l'observation pour accéder à des endroits, pour récupérer des objets. Tu vois, et le fait que bah, d'un coup, tu as une énigme qui ressemble à une énigme, bah moi j'étais resté bloqué aussi, du coup. Du coup, je tournais aussi en rond dans le palais de Midas. Ouais, tu penses pas que. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Chuck. Je dis pas que c'est une mécanique qui existe subitement, tu vois. Oh putain, j'ai failli tomber. Je suis sûr qu'il y avait des pics. Je regarde pas en bas, que j'ai pas envie de voir ma mort. Et puis, comme j'arrive pas à marcher et ni à faire de. Là, je verrai un petit bout de porte. Bon, je vais sauvegarder. À l'époque où Lara Croft aussi, elle avait des seins pointus. On voit aussi que techniquement, ils se sont améliorés. Parce que, quand même, le 2, il était quand même vraiment plus joli. Ça restait dans le même truc, c'était le même moteur. Mais même, elle avait genre une gueule. Elle avait genre une meilleure gueule, hein, Lara Croft. Là, tu vois, là, on sent qu'elle est un peu stricte, tu vois, elle est un peu sévère. Ouais, elle aussi! Et ouais, et puis même bah, le fait qu'elle ait une natte qui bouge, enfin, qui genre un peu flottante, tout dans le 2 paraissait plus fin. Attends, attends, j'ai pas le temps de lire. Attends, j'ai pas le temps de lire le texte. Comment on s'en va du truc? Ah, si, c'est comme ça. Elle doit ramasser des artefacts dans des temples. Oui. Elle se bat avec la partie.
Ouais, c'est un peu ça le docteur Cécile, c'est un peu ça. En plus, non, non, ouais, et puis en plus, elle bute tellement d'animaux là, enfin, entre anciens. Aspect ancien. L'Inde dans Tomb Raider 3, j'adore le niveau visuellement. L'Inde, c'était un peu. Ouais, c'est le niveau le plus réussi dans le 3. Je trouve que dans le 3, les autres niveaux sont moins réussis. Si, j'aime bien le désert. Le désert du Nevada. En fait, je trouve ça génial quand tu arrives dans le désert, c'est le désert, forcément. Et que subitement, tu vois, c'est genre un gros avion qui vole. Enfin, je trouve ça hyper bien. Enfin, je trouve ça hyper cool visuellement. Mais par contre, j'aime pas trop Tomb Raider 3. Hein. Ça, bah comme j'ai déjà dit sur ce stream, enfin sur ce matin, je crois. C'est le début de la fin, tu vois. J'aime plus le 4, mais le problème du 4, c'est qu'il vient après le 3, donc du coup, j'en avais un peu ras-le-bol. Oh. J'apprends déjà ce moment de faire Tomb Raider 3. Ouais, mais après, le 3 est un peu sympa. Je garde vraiment de mauvais souvenirs du peu du fois que j'y ai joué. Et le problème du. C'est ça aussi avec la nouvelle trilogie. Ouais, alors. Saucisse, j'ai pas encore fait. Genre, si, j'ai fait le reboot. J'ai fait le Tomb Raider 2013, là. Mais j'ai pas encore fait Rise of the Tomb Raider et. Comment il s'appelle? Et Shadow of the Tomb Raider. Parce que. Bah, je les ai. Enfin, le Shadow. Ah si, je l'ai, genre Shadow aussi. Bah, je les ai même en double. Parce que j'avais acheté Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider sur PS4. Et comme ils étaient gratos sur Epic Games, bah du coup j'ai à nouveau le 2 et j'ai Shadow of the Tomb Raider aussi. Il faudrait que je les fasse. Mais en fait, c'est juste que j'avais fait la démo de Rise of the Tomb Raider et puis il y avait ce côté un peu à la Uncharted qui me saoulait. Genre, oh là là, t'arrives dans un endroit abandonné, tu cours sur un pont, oh le pont s'écroule. Enfin, tout est un énorme film de catastrophe et ça me saoule, tu vois. Ça me donne mal à la tête en fait, tu vois. Merde, je voulais tomber. C'est le pa oui, c'est les îles du Pacifique, le quand t'as le retour. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote très triste, c'est que dans le niveau des îles du Pacifique, j'étais très malade. J'avais mal à la tête, j'étais hyper malade, je sais plus ce que j'avais. Et ce niveau-là, en fait, il me rendait encore plus malade, parce que comme c'était des couleurs verdâtres, genre un peu dégueulasses, je crois. Du coup, c'est un niveau qui me rappelle pas de bons souvenirs, en fait, parce que je me rappelle avoir été bien malade et j'avais mal à la tête, je n'étais pas bien. Du coup, bah, les niveaux des îles du Pacifique de Tomb Raider 3, j'en garde pas un bon souvenir. Alors, je suis tombé. Ah, eh, on peut déplacer ça, non? Ouais, la nouvelle trilogie est très Uncharted. Bah ouais, il y a un côté survie. Ouais, en fait, il y a des trucs que j'aime bien. Enfin, en tout cas, moi, je connais que le reboot de 2013 et il y a des trucs que je trouve sympas. Au point de vue bah, progression, tu vois, il y a des trucs que je trouve sympa. Je trouve ça sympa que tu vois, elle tente de survivre sur une île. Genre, il y a quelques scènes que j'aime bien, tu vois, c'est quand elle grimpe sur l'espèce de pylône là, c'est pour essayer de réparer la radio, je sais plus quoi. Il y a plein de trucs comme ça un peu cool, tu vois. Mais bah, je trouvais qu'il y avait des trucs qui sonnaient un peu faux, tu vois, bah, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. La dissonance ludonarrative qui est complètement qui est ultra omniprésente, encore plus que dans d'autres jeux, encore plus qu'une sortie, je trouve, tu vois. Que là, t'as. Puis comme c'est très premier degré, tu sais, c'est un peu con que, genre, elle sait, genre, elle sait pour la première fois, elle voit un flingue, elle fait ça, ah, comment je fais et tout. Puis après, elle bute 15 mecs, mais vraiment, littéralement, 5 minutes plus tard, tu vois. Et c'est que ça, t'as beaucoup de trucs comme ça, et t'as vraiment un très gros problème entre ce que le jeu te raconte et ce que tu fais concrètement, tu vois. Horriblement, un jeu vidéo de 2010-2015, ouais, c'est ça. Il y a un côté Metroidvania. Ah, c'est possible, ouais, t'as peut-être raison. Peut-être que t'as peut-être un côté Metroidvania qui est. C'est vrai que t'avais plus un côté. Peut-être pas à ce point-là, parce que ça restait plutôt linéaire, mais t'avais un peu plus de recherche que dans genre Uncharted, par exemple, tu vois. Uncharted, c'est plus un trip linéaire, tu vois. Parce que, et parfois, tu arrives dans une zone un poil plus ouverte, mais t'as pas vraiment trop de recherche. Tu vois. N'a fait que les deux premiers de la dernière trilogie. Le deuxième était joli, mais ça faisait un peu trop Lara à la neige. J'étais un peu déçu. Bah, ouais. Ah ouais, bah moi, je compte le faire quand même, Rise of the Tomb Raider. Rise.
Je dis Rise of Tomb Raider. Et ouais, il faudrait que je le fasse. Mais je te dis, j'avais fait la démo. Et ça m'est saoulé le côté, ouais, d'avoir des ponts qui s'écroulent dès que tu mets les pieds dessus, ça me fait chier. Enfin, en fait, il suffit juste que Lara fasse non, 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 non. Tu vois, je me dis, ah putain, est-ce que c'était vraiment nécessaire, tu vois? Non, non, c'est pas là, là! Bon, à mon avis, je pense qu'il faut pas faire ça. Il y a des pics. En fait, il y a des pics avec plein de sang. Mec, il y a forcément plein de gens qui sont tombés dessus là. Il y a plein de gens qui sont rentrés ici. Ah putain, on a fait les cons là. Il y a plein de gens qui sont morts. Le troisième, c'est Lara chez les Mayas. Lara chez les Mayas. Tu sais, on dirait une BD. Est-ce que t'as lu genre la nouvelle BD, Lara chez les Mayas? Mais genre le 3, genre, il est bien, non? Parce que le 3, il est mieux. Parce que le Shadow of the Tomb Raider est mieux que le Rise of the Tomb Raider. Moi, je m'en souviens que quand il est sorti, c'est relatif, mais il m'intéressait plus, enfin un petit peu plus que le Rise. Mais bon, quand après je voyais les critiques du jeu, je me suis dit, bon, je sais pas, j'étais pas. Je préfère le premier des trois. Ah ouais, donc en gros, j'ai fait le meilleur, quoi. C'est la fille de Martine. Ouais, check, c'est ça. Ouais, puis je sais pas. Non, mais si, il faudrait que je les fasse. Mais putain. En fait, là, je me fais chier à faire ça, mais en fait, je vais passer par un autre chemin. Le troisième est bien sur la première partie. C'est un peu rushé à la fin. Ah, c'est chiant, ça, putain, quand ils rushent des. Ouais, puis c'est pas les mêmes développeurs, je crois. Il me semble que c'est plus du tout les. C'est plus Crystal Dynamics, c'est je sais plus quoi Montréal, c'est Eidos Montréal, je sais plus quoi. Attends, ah non, mais c'est là où je suis arrivé en fait. Si je fais ça. Ah ok, ça bouge. Ok. Une sortie de 4, quand on me sort, les Drake ne sont pas des tueurs. Ouais, alors ça c'est con, ouais. On doit tuer 600 mecs, ouais, non, ça je trouve ça con. Et bah, malgré tout. Malgré ça, je trouvais que, enfin, j'étais plus à fond dans une sortie de 4, tu vois, que, enfin, ça m'a moins gêné, tu vois. On n'est pas des tueurs, ouais. Ouais, je considère qu'effectivement, c'est con. Hein. Mais, tu vois, à la rigueur, c'est un ou deux passages où ils sortent une grosse connerie comme ça, mais alors que dans Tomb Raider Reboot, j'ai constamment ressenti ça, hein, mais trop souvent, tu vois. Est-ce que je peux sauter par l'autre côté? Une sortie de 4, ouais. Mais ça dit, Uncharted 4, c'est mon préféré. Tu sens que c'est écrit par comment il s'appelle, Neil Druckmann et son pote là. Enfin, tu sens. Et en fait, ce que j'aime bien dans Uncharted 4, c'est que on va dire qu'ils osent plus miser sur le côté contemplatif, tu vois. Ce que ne fait pas forcément genre, les premiers épisodes où c'est constamment encore plus le 2 et le 3. Qui vont à 100 à l'heure, tu vois, et t'as jamais le temps de t'arrêter, et c'est un peu épuisant. Là, dans le 4, t'as plein de moments un peu contemplatifs, où je me rappelle, où t'as les deux frangins qui s'arrêtent, qui contemplent. Bon, ce qui est dommage, c'est que lors des phases d'exploration, ils ouvrent tout le temps leur gueule, et ça me fait chier. Moi, ce qui me saoulait, c'est que dans le 4, il y avait plein de moments où je voulais juste qu'ils se testent, tu vois, enfin, je voulais juste contempler le décor, et en fait, ils parlent tout le temps, tu vois, ils parlent tout le temps. Les gens, en fait, ils ont toujours peur que les joueurs s'emmerdent, tu vois. Alors, c'est encore pire dans genre Assassin's Creed ou plein de jeux Ubisoft, mais t'as un peu ce problème-là aussi dans toujours cette peur que le joueur s'emmerde, tu vois. Même le chantier, tu sais, y a rien qui tient, donc ça passe. Ouais, mais je pense que c'est ça. Hein. Je pense que, bah, comme tu dis, hein, Docteur Ceci, je pense que c'est ça. Je pense que t'as. Comme c'est tellement énorme, enfin, c'est tellement. Tu vois, c'est tout qui explose, tu vois, dans le chantier, c'est tellement. Comme un film d'action, comme tu dis, bah, du coup, c'est pas aussi. Aussi gênant peut-être. Bah disons que je n'ai pas une charte. Bah moi non plus, je suis. Si, en fait, une charte, je trouve ça sympa. Quand je les ai fait, bah je sais, je trouve pas ça désagréable, tu vois. Ce qui est vrai, tu vois, je trouve pas ça désagréable. Mais il m'en reste pas grand-chose, tu vois. Une fois qu'ils sont finis, bah j'ai défini. Et bah si, t'es un petit peu le 4. Il y a plus le 4 qui me restait plus en tête. Je crois que le 4, il y avait plus de moments qui me plaisaient quand même. Mais bon. Moi j'aime bien, mais c'est pas.
Je trouve pas ça ouf, tu vois. Je préfère Jack et Dexter. Ça a rien à voir. Si, parce que c'est les mêmes développeurs. Moi, je préfère Jack et Dexter, de toute façon. Ah, Uncharted, j'aime pas. Je préfère Sonic. Bah, il court plus vite. Bah, Sonic, lui, bah, le pont, il s'en tape, il saute par-dessus. Ah, bah, c'est où je suis allé tout à l'heure. Ok, bon, là j'y suis allé tout à l'heure. Voilà, je tourne un peu en rond. Puis comme je discute en même temps, ça fait que je regarde pas trop ce qui est. Bon, là, j'y suis allé. La tombe de Qualopec. Ok. Sonic, il a pas besoin de flingue. Il te roule dessus. Non, mais Shadow, il a un flingue, par contre. Ouh, Shadow, il flingue des trucs. Ah bah, si tu te concentres pas, là. Ah, il refoute la musique. En fait, il y a un bug de musique qui redémarre. C'est un peu con, ça. Tu savais pas qu'il y avait ça avant, si? La musique qui se relance. Enfin, il y a le trigger qui se. Ah, tiens. Elle s'est coupée, la musique, là. Je me rappelle pas qu'il y avait ce problème-là dans le premier Tomb Raider. Moi, je pense que c'est un problème de la version Steam, hein, ou je sais pas. Bon, alors, tout ça, j'ai fait. Là, c'est la porte que je dois ouvrir. Là, c'est là où je suis arrivé. Là, c'est là où il y a la bouboule. Bon, ok, bon, il faut aller là-bas, en fait. Ça m'a toujours fait rire, Shadow, avec son flingue. Ouais, ah, mais c'était Dark, et c'était vraiment l'époque. Ah, et pour moi, ça m'évoque vraiment. Enfin, Shadow of the Hedgehog, ça m'évoque vraiment cette époque où il fallait que tous les personnages soient dark. Tu vois, t'avais déjà à l'époque en 2004 ou je sais plus quand, t'avais déjà. T'avais aussi Jack and Dexter 2, tu sais, t'avais Jack 2 où Jack il était dark, il parlait en plus, tu vois. T'avais des flingues. T'avais le Prince of Persia, le 2. Il avait des flingues. Non, il n'y a pas des flingues, mais il était dark, il était badass, tu vois. Et puis même. Il y avait des filles en petite tenue, tu vois, parce que c'est adulte. C'est provocant, tu vois. C'est provocateur. Allez mourir! Il avait des flingues. Ouais, il volait des voitures. Ah oui, c'est Shadow quand même. C'est pas Sonic, tu vois. Sonic, lui, il shoot les bagnoles. Tiens, les chiens, tiens, les loups, j'en ai rien à foutre. En fait, il y a plein de cadavres, enfin, il y a plein de squelettes, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont allés là. Enfin, tu peux te demander, tu vois. Mais qu'est-ce que raconte cette histoire? Qu'est-ce que raconte ce décor? Y avait des gens qui étaient là, ils ont essayé de s'emparer du sceau de Sion, ou alors se sont complètement perdus. Alors là, il y a un truc à déplacer. Je sais plus si. Est-ce qu'il faut le pousser? Ou le reculer, ouais, je sais plus. Attends, je vais lire. Ah. Le 1 et le 3 désagréable, je n'ai pas accroché au 4. Le frère qui sort de nulle part. Ouais, c'est un peu con, effectivement. Elle a volonté de raconter une histoire avec des persos dont je me. Ouais. Je porte que le 2. Ouais, ça qui était un peu con. J'intégrerai, c'est vraiment le personnage qui se fait avoir par tout le monde. Ouais, je suis un peu d'accord. Non, mais moi j'aime bien quand même, tu vois. C'est juste que, ouais, en fait, il m'en reste rien. En fait, le problème, c'est que je termine une partie, bah après, voilà, c'est fini, j'étais content. Mais voilà, quoi, tu vois. Fin. Attends, je vais déplacer ça là. Ouais, du coup, j'arrive pas à marcher sur le côté non plus, tu vois. Normalement, elle marche sur le côté, Lara. Bah là, je sais pas comment on fait avec le pad. Il faut pousser le gros caillou. Le gros caillou. Voilà, non, je peux passer là-bas. Je vais peut-être faire une sauvegarde parce que je sais plus si je l'avais fait tout à l'heure quand j'ai actionné l'interrupteur, mais j'ai pas refait depuis, donc du coup je suis un peu inquiet. Bon, bah c'est bien tout ça. Ah, est-ce qu'il y a un piège? Ah, ça tombe bien. Attends, on va voir s'il y a un piège.
Ah, j'y ai cru en plus là. Mais si, il y a forcément des pics, hein. C'est le gros piège de connard. Mais en même temps, les développeurs, ils sont capables de faire. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Peut-être pas encore, mais je me rappelle, il y a des passages très très. Très quasi. Ah, il y a une vie! Ah, moi aussi, j'aime bien check. Moi, j'aime bien genre les énigmes où tu pousses des caisses. Bah, moi, là, franchement, les gens, je trouve ça cool, hein. Et en fait, c'est un peu stressant, c'est dur, machin, ça fait peur et tout. Mais il y a presque un aspect, genre un peu chill, tu vois. C'est un jeu qui prend tout son temps, Tomb Raider, tu vois. Mais je trouve que ça fonctionne encore aujourd'hui. Alors forcément, je pense qu'il y a, il y a un côté très nostalgique, tu vois. Enfin, je le sais, tu vois. Il faut que forcément, comme j'ai connu à l'époque, quelqu'un qui découvre aujourd'hui, je sais pas, si tu penserais... Et ah putain, il jouait à ça à l'époque. Et moi en tout cas, je trouve que ça fonctionne toujours, je trouve aujourd'hui. Enfin, j'ai vraiment sauvegardé. Et moi j'aime bien parfois les personnages un peu tank. Tu vois, j'aime bien des fois jouer des personnages un peu lourdingues à jouer. Tu vois. Pas toujours. J'aime aussi des jeux rapides avec des personnages assez véloces et agiles. Mais parfois j'aime bien. Tu vois. Le côté du dark de Prince of Persia 2. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'époque un peu emo dark, hein. Prince of Persia 2. Ça dit, il y a des gens qui l'ont fait, qui m'ont dit qu'il était bien, hein, le Prince of Persia de Weavin. Ça s'appelait comment? Weavin Warrior, là, en anglais, je sais plus, ça s'appelle comment en français? L'âme du guerrier? Linkin Park, ouais, c'est ça. Et moi je l'ai pas fait, si j'ai fait le début et ça m'a trop saoulé. Enfin, toute l'imagerie du jeu, ça me faisait gerber. Tu vois. Alors que j'ai adoré le premier, hein, j'ai adoré, enfin, le sable du temps, j'ai trouvé ça génial. Mon enfance. Ah mais moi je suis. Ouais. Ah, et du coup c'est ton enfance, il part. Il y a plein de gens qui aimaient dans mon entourage. Allez, cours! Alors là j'ai actionné des portes. L'âme du guerrier, ouais, c'est ça. Et je me rappelle que le troisième là, les deux conneries là, les deux portes là, les deux mes couilles là, je sais plus quoi. Bah je sais que le troisième épisode, il essaie un peu de concilier les deux. Il essaie un peu de concilier le côté tu as du premier Sable du Temps et le côté un peu plus sombre et sérieux entre guillemets de l'âme du guerrier, tu vois. En plus au début j'avais compris l'âme du guerrier, tu vois. Les cités et la DA sont nuls. Alors qu'il y a quelques mécaniques sympas, bah ouais, c'est peut-être que c'est ça. Mais il faudrait que je les fasse, que moi j'aimerais bien en fait revoir les Sables du Temps. Alors je sais qu'il y a le remake qui sort, mais vu la gueule du jeu, j'ai même pas envie d'attendre. Mais par contre, je me les rachèterais bien dans la trilogie PS3. Et que du coup, ça me permettra peut-être, bah peut-être de vraiment faire l'âme du guerrier et les deux royaumes. C'était ça dans le 3, c'était pas genre les deux royaumes. Je sais plus. En tout cas, c'était les deux trucs. C'était à l'époque où c'était genre à l'époque des deux tours. T'as dit, je trouve ça plus sympa de donner un sous-titre plutôt que de mettre deux ou trois ou alors origine, révélation. Alors ça, je l'ai fait. Bah, arrête de regarder, madame. Je suis tombé. Ah, mais je reviens là. Je veux pas aller là, moi. Mais on me rappelle que ce niveau-là, il paraissait dur. Ça dit, là, j'avance un peu parce que j'ai actionné plusieurs interrupteurs. Là, il ne me reste qu'une seule porte à ouvrir et globalement, j'aurais fini le niveau, là. N'empêche que je trouve ça assez bien dédié. N'empêche que c'était vraiment impressionnant. Parce que là, tu vois, là, on peut se dire, bon, bah, c'est un peu vieux, c'est un peu anguleux. C'est avec des formes géométriques et tout, mais ça reste, moi je trouve ça pas trop mal animé. Et à l'époque, c'était incroyablement animé. Et je me rappelle que quand on parlait de Tomb Raider, ce qui était impressionnant, c'est qu'elle avait plein d'animations. Enfin, faut vraiment se dire que c'était en 96, et du coup, elle avait plein d'animations différentes quand elle tombe. Elle avait même des animations qui servaient à rien, comme le saut de l'ange, le poirier. C'était des mouvements qui concrètement servaient à rien, le gameplay. Et ouais, puis elle avait plein d'animations de mort, des animations quand elle se bouffe le mur.
Putain, c'est bon, tu vas pas me la refaire à chaque fois, la musique là. Voilà, je suis un peu perdu, mais en même temps, ah, cette porte-là, elle était pas. Mieux vaut éviter les versions PS3. Ah ouais, merde, sérieux? Elle a été faite à l'arrache par Ubi. Elle n'a jamais été patchée, donc le jeu crache. Oh, putain, je savais pas ça. J'avais fait le 1 et le 2 l'an dernier. Ah merde, je savais pas du tout. Du coup, il vaut mieux pas acheter la HD. N'empêche, Ubi, ils ont l'air un peu aux fraises au niveau remaster. Merde, je peux pas aller là, si? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah si, il y a un endroit là. Et voilà, il suffit de regarder. Ah du coup, ça me fait chier parce que moi je comptais genre les acheter. Les points de Persia sur PS3. Ils sont sortis que sur PS. Bah oui, ils ne sont pas sortis sur 360. De toute façon, ce sera le même résultat. Si c'est Ubisoft qui ont rushé les jeux. Oh, c'est con. Tu vois, ça c'est un peu agaçant parce que c'est des jeux qui disparaissent. Pourtant, c'est des gros jeux, hein, c'est pas n'importe quoi. Bah, tu dis que si jamais il y a un remaster tout pourri fait par des manchots, bah après c'est des jeux qui disparaissent, je trouve ça triste. Sur le PS2, je sais pas. Moi je m'en fous un peu, je vois le PS2. Ça m'intéresse pas. Ah! Est-ce que je peux aller par là? Salut, je suis Lara Croft! Putain, mais pas comme ça, madame. Oui, là, ce qui est dur, c'est que comme je joue avec le stick, c'est un peu plus sensible. Oh là là. Bon, j'ai fait une sauvegarde, parce que peut-être qu'il faut aller à un endroit, il faut mieux pas que je tombe, du coup, on va voir. Parce que c'est un peu con de tomber, quand même. En fait, on voit le nombre de sauvegardes que j'ai fait 38 sauvegardes. Enfin, 37 ou 38, là. C'est surtout triste de voir des licences pareilles exploitées. Escalos, bah ouais, je suis d'accord avec toi. Puis bah ouais, enfin, là en plus, là ils font faire un remake, là, enfin une sorte de remake, remaster, on sait pas trop, des Sables du Temps, et il y avait des images qui circulaient, alors bon, bah, c'était à l'époque, hein, peut-être que ça a été refait depuis, que je crois qu'ils ont rebooté le truc, non, genre le projet, je sais plus, enfin, ou là, il a été mis en stand-by, peut-être. Ouais, tu dis bon. Ouais, j'avais fait des recherches en voyant que j'avais plein de soucis. Et je voyais des gens se plaindre, putain, c'est con quand même. Du coup, il n'y a même pas de patch, il n'y avait rien, tu vois. Prince of Persia, c'est devenu Assassin's Creed. Ouais, mais Assassin's Creed en. C'est genre automatisé. Et puis, genre Assassin's Creed qui s'éparpille, tu vois. Parce que ce qui était cool dans Prince of Persia. Enfin, je voulais dire, ouais, Prince of Persia qui s'éparpille. Ce qui était cool avec Prince of Persia, du moins les Sables du Temps, c'est que c'était quand même resserré, tu vois. C'était vraiment dans un niveau, genre un palais. Bon, avec les grottes ou les trucs comme ça autour, mais ça restait quand même genre un level design très très resserré et c'était un peu plus agréable, tu vois, c'était marrant de faire un peu genre le jeu de plateforme, tu vois, essayer de t'avoir. Et puis c'était pas automatisé. Parce qu'il me saoule, à part des Assassin's Creed 1, c'est que tout peut tout être hyper automatisé et du coup je ressens rien. Tu sais, bah, que quand je joue et que je grimpe sur les toits, ça ne fait aucun effet, tu vois. Parce que comme il fait un peu ça automatiquement, alors je sais que c'est pour fluidifier et que c'est un parti pris, hein, merde. C'est un parti pris de gameplay de ça, mais moi ça me convient pas trop en fait. Assassin's Creed, il me semble que c'était un projet. Ouais, c'était un Prince of Persia. Bah, c'est le même mec, c'est Patrick Désilets. Le mec qui avait remis sur les rails Prince of Persia avec les Sables du Temps, du coup, qui avait planché sur Assassin's Creed 1. Et d'ailleurs, il s'est barré après. Hein. Effectivement, ça avait un peu commencé comme. On va dire, les premières esquisses, c'était un peu Prince of Persia. Ils voulaient un peu refaire redémarrer. Il me semble, hein, il me semble que c'est ça, hein, j'ai un doute. Et finalement, ils se sont dit, bon, non, on va faire un autre truc, une nouvelle licence. Ouais, ils l'ont retiré en studio. Ah, c'est ça, ouais. Le remake de Prince of Persia, ils l'ont retiré, c'est ça. Ils l'ont donné au studio qui avait fait les jeux de base. Ah, ouais. Bah, oh! C'est une bonne chose peut-être, enfin, tu vois, s'ils se sont rendus compte que. Ils se sont rendus compte que c'était un peu haïège, tu vois. Bah je vais tomber! Et rien à foutre, je recharge tout le temps, je recharge tout le temps. Oh ah ouais, et puis sur PlayStation, il y avait des temps de chargement quand même aussi. On mourait. Mais t'avais les temps de chargement où tu voyais genre la gueule de Lara et tout, je me rappelle. Alors, moi je suis arrivé de devant. C'est ça, hein.
Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ou pas? Mais c'est trop loin. Ah, je tombe! Ouais, et comme j'arrive pas à marcher. Oh, ça va être dur. Ça y est, ça va commencer à être dur là. Ouais, du coup, ils ont retiré un studio. Et ouais, et du coup, je me dis, merde. Tu peux pas pousser les blocs? Bah non, l'espèce de gros bloc là, je crois pas. Hein. Je vais essayer à nouveau, mais je crois que tout à l'heure, j'ai essayé, mais. En fait, tu peux les déplacer quand tu actionnes l'interrupteur là. Peut-être qu'il faut que j'actionne l'interrupteur à nouveau. Tu vois, je peux pas. Mais par contre, peut-être que. Faut peut-être que je réactionne l'interrupteur, peut-être. Enfin, en tout cas, je me rappelle que quand j'étais jeune, bah, j'étais bloqué ici aussi. Je me rappelle de ça. C'est dur en fait. Hein. C'est marrant parce qu'en y rejoignant, je me dis, putain, adolescent, je jouais à ça. J'étais intelligent quand même. Parce que enfin, j'étais intelligent et j'avais beaucoup de persévérance aussi. Hein. Surtout. Plus que de l'intelligence, à mon avis. Ah voilà. Alors là, c'est l'endroit où je suis tout à l'heure. Après, je suis allé dans l'autre bloc là-bas. Ah. Allez, monte, monte. Et effectivement, du coup, ouais, je sais pas. T'imagines, ils font un remaster. Bon, maintenant, ils ont fait Tomb Raider anniversaire. Qui est cool, hein. Ah, putain de merde. Non, du coup, anniversaire, il est quand même cool. Hein. Après, ce qui est un peu sympa, c'est que c'est un remake avec avec la vision de Crystal Dynamics, tu vois. Donc ça c'était un peu cool. Même si j'étais déçu. De comment est-ce qu'ils ont remis au goût du jour la vallée perdue. J'aimais pas qu'ils remettent, enfin, qu'ils mettent le boss, enfin, qu'ils mettent le T-Rex comme un boss. Du coup, c'était un vrai affrontement et du coup, c'était moins stressant. Bah, de manière générale, je crois que ça jouait moins sur le côté angoissant des Tomb Raider. T'as PSP. Ouais, moi je l'ai fait sur PSP aussi. La première fois que je l'ai fait, c'était sur PSP. Il était très bien d'ailleurs hein, sur PSP. Il me paraissait beau et tout. Ah putain. Et d'ailleurs, bah là, je l'ai racheté sur PC. Je l'ai racheté sur PC et voilà. À la base, je le recherchais désespérément enfin, sur 360, tu vois. En version toute belle. Et comme sur Internet, il coûte 50 balles ou 80 balles, bah moi ça me fait chier. Core devait faire un remake. Ouais, il devait faire un remake à la base. Bah ouais, puis comme ils ont eu plein de problèmes avec l'Ange des Ténèbres qui a pas marché et tout, enfin. Youpi! Bon, est-ce que je reviens sur le. C'est dur en fait. Hein. Attends, attends. Là c'est quoi? Alors là c'est le faux interrupteur. Et effectivement, n'empêche que c'est dur, hein, parce que là, tu vois, je suis en train de revenir, là, finalement, j'ai fait, moi aussi, j'ai terminé le niveau 2, j'ai fait le troisième monde, mais en fait, c'était très long, en fait, un hein, Tomb Raider. Comme quoi, même en 2000, on avait déjà des cas à la Cyberpunk, ouais, bah ouais, alors, c'était pas les mêmes problèmes, mais, ouais, t'avais des accidents, ouais, si, t'avais des gros accidents, parce que, je crois qu'en plus, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, ils étaient sûrs qu'ils allaient en vendre, et t'avais un délire comme quoi, ils avaient... Il y avait beaucoup de retours. En fait, ils avaient commandé beaucoup de jeux, beaucoup d'exemplaires de jeux, mais comme bah, le bouche à oreille a fonctionné, les gens se sont tous passés le mot et que les magazines ont défoncé le jeu, tu vois. Bah, du coup, les gens, ils n'avaient pas envie de l'acheter, quoi, tu vois. T'as dit, je dis ça, mais Tomb Raider, on le trouvait comme genre, assez facilement quand même dans les bacs d'occasion. À l'époque où je travaillais dans un magasin de jeux vidéo, bah, je sais qu'en temps en temps, on tombait souvent sur des Tomb Raider de l'Ange des Ténèbres. Il y en avait plein. Merde, je retourne là. Salut, je suis revenu. Putain, j'aurais bien streamé aujourd'hui quand même. Ça faisait longtemps, ça faisait une semaine. Là, je tourne rond comme un con. Qu'est-ce qui se passe là en bas là? Ah, les pics. Comme ça, on aurait. Bah, comme ça, c'est cool. Comme ça, je vais redémarrer à l'endroit où je voulais, plus ou moins. Je voulais voir s'il y a un moyen d'accéder. Est-ce que je peux aller là-bas? Non, je peux pas là, c'est trop loin. Moi, je pense qu'il faut que je redéplace ce bloc-là. Hein. Mais je sais plus comment. Oh, c'est relou. Laisse tomber. Arrête pas de tomber tout le temps. Tout le temps. Arrête pas de tomber. Et effectivement, ouais.
J'arrête pas de temps. J'ai failli tomber, j'allais anticiper, j'allais dire non, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Ah, est-ce que je peux aller à droite comme ça? Non, ça marche pas. Ok. J'essaye pas, j'essaye plus. C'est bon, stop. Ah, saute! Non, c'est trop! C'est trop pour mes petites mimines! Je vais utiliser la marche pour pas. Ouais, mais je peux pas! En fait, là, je n'arrive pas à retrouver genre, la touche qui fait que je marche. Là, je suis obligé de faire le bal jeu sans la marche. C'est le mode hardcore de Tomb Raider. Ouais, et je sais pas pourquoi. Et sur aucune des manettes, hein. J'ai l'impression que le jeu a été mal programmé avec les manettes, je sais pas, les versions Steam, je sais pas, et j'arrive pas à marcher. Et pareil, hein, quand je nage, bah, je sais qu'elle fait un truc bizarre, on dirait qu'elle veut constamment aller sous l'eau, enfin, je veux dire. Du coup, bah, je peux pas marcher. Alors, je peux peut-être essayer de le faire sur le clavier. Attends, est-ce que je peux marcher sur le clavier? Je vais essayer de le faire sur le clavier, mais je m'en bats les couilles! Attends, j'essaie de le faire avec le clavier. Comment on marche, comment on marche. Ah, puis je déteste jouer avec un clavier, je supporte pas. Je pense que c'est contre-intuitif. Alors là, je fais les sauts comme ça. C'est étrange, au clavier, j'avais pas de soucis. Ouais, mais au clavier. Moi, je joue à la manette là. Bah, je m'en fous. Hein. Ouais, non, c'est horrible. Je joue au clavier, c'est impossible. C'est dégueulasse. Hein, non, ouais, non, mais ouais, il y a toujours quelques Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. C'est vraiment genre le jeu poubelle à l'époque. C'est quand même super triste hein, enfin, de voir une licence comme ça. Bah, ouais, tu sais, les gens méprisaient puis à la fin. Tomb Raider, c'est un peu, c'était presque une blague hein, à un moment donné. C'est quand même super triste, hein. C'était des jeux incroyables. Et assez vite, bah, tente, à partir du 3, on appelle, on commençait déjà à se dire, bon, encore un nouveau. Puis après, t'as le 4, t'as le Chronicle qui est complètement con parce qu'il. On va dire qu'il détruit tout ce que avait apporté le 4, tu vois. Un peu de dramaturgie, on va dire, entre guillemets. Bon, alors, on va aller où? Puis après, ouais, puis après, t'as l'Ange des Ténèbres qui était supposé être. Bah ouais, le vrai premier épisode sur PlayStation 2. C'est en fait une grosse merde. Ouais, puis je commence à avoir Raku aussi qui met. Je sais que dans le Plan des Ténèbres, t'avais Paris. Bon, autant Venise, je crois que c'est un peu cool, c'était un peu rafraîchissant dans le 2. C'était le 2 encore la guerre. Mais déjà dans le 3, ça me saoulait qu'il y ait Londres. Plus Londres, c'était un peu. C'est pas un niveau que j'aimais forcément. En plus, il y a le métro de Londres, quoi. Après, le métro de Londres, c'était un peu rigolo. Oh non, non, je vais pas aller là, moi, ça me fait chier. Putain, il faut aller où? J'ai presque envie de voir une solution encore. Ah, putain, t'as ouais, le métro de Londres, je suis resté coincé pendant des semaines. Ça m'a forcé à acheter un guide officiel, quoi, tu te rends compte? J'avais un beau guide officiel Tomb Raider 3. C'est un truc que j'ai dû payer 20 balles, tu vois. C'était pas terrible, ouais. Pire environnement du jeu. Ouais, moi, je n'aimais pas trop Londres. Tu sais, il y avait le musée aussi dans Londres. Je n'aimais pas trop ce niveau-là non plus. Alors. Faut que je regarde une solution. Hein. Je sais plus où faut aller. Hein, attends. J'essaie quand même de le faire tout seul, quoi. C'était pas la marque Piggyback qui faisait tout. Si, c'est ça, ouais. Alors, je sais pas si eux c'était le cas, mais en tout cas, je me rappelle bien, ouais, de Piggyback. Bah, c'était vraiment eux, hein. Et j'avais le guide du 3, ouais. Mais c'était cool, hein, j'étais content. Ça avait partie des trucs, c'est que je m'amusais à regarder. Ouais, puis ils étaient dans une matière qui était un peu. Tiens, légèrement cartonnée, un peu lisse. Et j'avais aussi les guides de Metal Gear Solid 1, le 1 et 2, peut-être le 3 aussi. En tout cas, j'avais au moins le guide officiel du. Mais non, de MGS 1, 2 et 3. Et ouais, c'était des beaux livres. Tu sais, il y avait des trucs de. Tu sais, il y avait des descriptions des personnages, il y avait des trucs comme ça aussi. T'avais les solutes, t'avais les secrets, les trucs comme ça, c'était un peu rigolo. Et j'avais, ouais, t'avais.
Et j'avais. Ah, celui qui était très très cool, c'était celui de. C'était le guide officiel de Dragon Quest 8. Il était beau, putain, parce qu'il était. Je me rappelle qu'au début, il y avait une double page où c'était toute la map du jeu avec les emplacements des trésors. Enfin, je crois que t'avais un truc comme ça. Et c'était joli. Ah ouais, celui de MGS. Ah ouais, il était beau. Surtout celui du 1. Celui du 1, il était encore mieux que celui du 2. Il était peut-être moins complet, mais je serais plus joli. Ouais, j'avais. Alors, FF7, j'avais pas. J'avais le guide de FF8. J'avais le 9 et celui du 10. Putain, n'empêche, on dépensait plein de fric dans ce genre de conneries. Alors, vous payez pas avoir de sous pour avoir des jeux, mais pour acheter des guides à la con, par contre, ça va, ça, hein. Alors là, je suis encore bloqué, hein. Je suis encore bloqué, ça n'en finit pas. Moi, j'irai voir une solution, hein, si jamais je reste. Je pense que je vais regarder une solution. Va regarder. Faut que je. Faut que je guette l'heure. Hein, parce que... Ah, alors. On va regarder une solution. On a acheté la version offline de l'étage du jeu vidéo. On a acheté offline Monster Hunter aussi. Non, il était online. Non, par contre, on a acheté offline. Comment ça s'appelle? Ah, le Resident Evil Outbreak, il était offline chez nous. N'empêche, ils l'ont sorti. C'est un jeu online, principalement. Ils ont quand même sorti, enfin Capcom, ils ont quand même sorti le jeu en Europe offline, quoi. Ils nous prenaient vraiment pour des merdes, quand même. Putain, ouais, ils se foutaient vraiment de notre gueule. Alors que tombe de quoi le mec? N'empêche, le mec en soluce, là, il est fort. Enfin, je veux dire, il fait les gens niveaux en 15 minutes, tu vois, même pas. Ah, alors qu'est-ce qu'il fait là? Ah ça. Ah ça, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Bon, jusque-là, je fais pareil, hein. Tac. Ah, attends. Là, je suis en train de regarder une soluce. Évidemment, le mec, je crois qu'il réappuie sur un interrupteur. Attends. Ah non, c'est peut-être ce que j'ai. Ah bah lui au moins il marche, tu vois, il peut marcher. Faut que je trouve le bouton sur le PC. Ah! Hey, j'ai compris. Ok. Bon, je sais plus comment il fait exactement, mais en gros, il faut réappuyer sur l'interrupteur. Ouais, j'ai compris. L'encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo. Ah ouais, moi, j'avais des trucs comme ça. Moi, je sais que j'avais un truc comme ça aussi. En fait, il faut appuyer sur un interrupteur. Alors, vous voyez, là, il y avait un endroit. Alors, attendez, c'est lequel? Quand je revienne dans la place où il y a les deux saloperies, là, c'est pas là, déjà. Non, c'est pas là, hein. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Voilà, c'est les dinos que j'ai butés au début. Ça, c'est bon. Ça, c'est rien du tout. Attends, c'est où là? Ouais, je sais, j'en ai compris. T'es mystérieux, t'es mystérieux. Alors, ça, faut que je le. Ça, je le laisse. C'est celui-là que je dois déplacer là. Ok. Faut juste que je retrouve le bon interrupteur. Enfin, l'interrupteur, faut que je réappuie. C'est peut-être celui-là, attends, on va regarder. Non, c'est peut-être pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, du coup, c'est l'autre interrupteur qu'il faut que je déplace. Ouais, on va aller passer par là, de toute façon. Allez! Moi je joue en mode dur parce que je peux pas marcher. Je pense que ça sauverait des vies. Les cœurs qui se lancent de manière random. Alors non, en fait, c'est même pas de manière random. En fait, je crois que c'est à chaque fois. Je pense que c'est un trigger au même endroit et qui se déclenche. Mais moi, il me semblait pas que c'était comme ça avant. Moi, je pense que c'est un bug bah, la version Steam ou je sais pas. Parce que moi, il me semblait pas que sur la version PlayStation, ça serait enclenché. Je pense pas que les musiques, elles seraient enclenchées. Hein. Du coup, ouais, qui va chanter Chaussée aux moines.
C'est ça, c'est ça. Il faut aller où? Trouver notre interrupteur. L'océan, moi. Ah, je me suis pris bien le mur. Du coup, elle a plein de bleu sur la gueule et tout. Alors, faut aller où? Tu vois, il faut déplacer ce connard là-bas, là, ce bloc là-bas. Faut juste que je retrouve l'interrupteur. Bon, arrête de danser, bordel de merde. Et ouais, du coup, faut aller par là. Il fait chaud quand même en fait là. Alors, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. En ce moment. Oh, je sais pas comment m'habiller, hein. Merde. On sait jamais comment s'habiller. Il fait jamais trop chaud. Ah putain! Chute violente. Ma merde. Ah, il bouge plus là, il bouge plus. Chardé. Mais oui. Ah merde, je crois que le jeu s'est planté encore. Le jeu il supporte pas des fois. Il est en mode. Oh mon dieu. De quoi Lara? En tout cas, je suis content parce que bon, maintenant je sais qu'il faut que je réactionne un interrupteur. Faut que je relance le jeu parce qu'il s'est bien, il s'est planté. Oh, c'est dommage quand même. Ouais. Voilà, ça se relance. Ouais. M'en fous. Ouais. M'en fous. Voilà, comme ça, je mets ça bien. Oh, c'est con. Je suis mort. Chargé. Ah, bon, moi je reviens sur mon fameux cube là, enfin, mon rectangle à la con. Bon. Ah, la musique au début, moi je l'aime bien aussi. Ouais, moi je qu'elle me rend très nostalgique aussi. Elle donne envie de pleurer, tu vois. Quand je l'entends dehors, je l'entends dehors à Carrefour, tu vois. Ça arrive jamais. Vas-y, une fois à Carrefour, j'ai quand même entendu Dragon Quest, c'était très bizarre. Bon, faut que je retrouve le bon interrupteur. Au moins, je sais maintenant, il faut réactionner un interrupteur qui actionne du coup l'espèce de bloc. Là, ça, c'est celui que j'ai fait, c'est pas là. Ah, tu te rends compte quoi que c'était dur en fait hein, quand même tout à l'heure. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur en rejoint. En tout cas, que tout l'aspect. En fait, je m'attendais à ce que les combats soient plus durs. Je me suis dit, dans mes souvenirs, des fois je galérais vraiment. Alors, je pense que je vais galérer encore après, mais ouais, je pensais vraiment que le côté exploration, recherche serait moins tendu. Oui. Oh, j'arrive pas à descendre. Oui. Fallait là ou de l'autre côté? Putain, j'arrive pas à. Putain. Merde, je peux plus. C'est con. C'est pas là où je voulais aller, de toute façon. Là ou là-bas? Là, tu passes ton temps à courir dans des dédales sans fin. Toujours, toujours. Toujours, 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 toujours. Toujours, 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 toujours en bas. Ah, quelqu'un qui arrive. Coucou, je joue toujours. Les pistes cyclables sorties d'école. Merde. Quoi, il y a des ans. T'as vu, je dois tomber Les l'heure. parents, ils viennent me chercher leur précieuse progéniture. Ils Leur ne peuvent pas précieuse marcher 10 progéniture. minutes. Ils sont obligés de se garer sur les pistes cyclables. Ah ouais. Ah Oh. bah remarque, moi le matin quand j'aime la campagne, des fois ils sont un peu garés n'importe comment aussi. Ah, putain. T'as vu, je dois tomber l'heure encore. Je suis bloqué. Eh, c'est dur, hein. En train de rejouer là et en fait, ce qui est dur, c'est plus le côté recherche, exploration et recherche où c'est. Putain, en fait.
Ado, genre, on faisait ça, quoi. Se casser le cul Bah, à ado, tourner en rond pendant des heures. moi, j'en avais pas 20 000 non plus des jeux vidéo. Non, mais bah, c'est comme ce que je disais. Même, elle disait avant-hier, elle disait, Ouais. oh, vous passez moins de temps sur les écrans que les enfants d'aujourd'hui. C'est pas Je suis vrai, pas c'est sûr. pas vrai. Comment on a pu À la glander télé. sur Et la des. télé, on a je pense La que. télé, je me souviens que pendant les vacances, c'était du matin Ça, au c'est un moment. soir. Et Non, mais justement, ouais. le temps qu'on a passé comme des débiles. Moi, Soul River, j'étais restée dans le premier. Sans déconner, j'ai passé 20 heures au début. Si Au début. je recommençais le jeu tout le temps. Non, mais ouais, si on passait des heures, mais même à regarder la télé comme des cons. Enfin, je sais qu'on aime bien dire, les enfants, aujourd'hui, putain, et nous, on est la génération télé. Hein, enfin, et nos parents, nos parents, ils disent ça, mais des fois, ils sont, enfin, peut-être pas tous les parents, mais enfin, du moins, les boomers, de manière générale, ils passent un temps astronomique devant la télé à regarder des conneries, à regarder des journaux Même dans les années télé. 90, je me souviens, la chaîne qui passait les dessins animés le plus tôt, c'était genre TF1. Ensuite, tu switches. Moi, je sais que je switchais sur KD2A ou Dekonka TV. Ensuite, c'était France 3. Après, tu regardais un peu les trucs de grands. Par exemple, le dimanche, tu regardais C'est pas sorcier ou les trucs Ouais. d'animaux, là. Et en général, M6, il passait des dessins animés jusqu'à plus tard. Parce qu'après, c'était le petit journal, là, avant le midi. Parce que le midi, tu avais genre la petite maison dans la prairie, tout ça. Et Oui, du c'est le coup, tu journal avais les court, dessins là, c'est animés limite. jusqu'à 11h, 11h30. Et en général, c'était que des dessins animés que tu n'aimais pas trop, mais que tu regardais quand même. Ouais, tu t'as fait plein. Regarde, il y a le docteur Suisse qui a regardé le téléchat. C'est passé, il n'y avait rien d'autre. Alors moi, Ouais. TSGA, je regardais ça sur la RTBF. Parce que dans le Nord, on captait les Moi, il y familles avait. d'amis. Moi, ça passait le matin ou l'après-midi, genre téléchat. Mais je me rappelais que je regardais ça chez mes grands-parents. Moi, ça passait plus à la télé, mais ça passait en Moi non Belgique. plus. Et moi, ça passait sur la 5. Ouais, c'est ça, hein. C'était sur la 5, il n'y avait pas. Et ouais. Alors là, je tourne en rond dans mon niveau. En plus, que le niveau d'avant, là, c'est le. Ah, regardez le téléachat, je croyais téléchat. Ah! Ah non, le Ah! téléachat, je peux pas. Téléachat. Oh putain, Non, le ouais, téléachat. n'empêche. N'empêche qu'on se rappelle, genre, Téléchat, regardez Téléchat parce que je suis belge. Non, oui, le Téléchat, parce que je suis belge, oui, c'est vrai. Oui, alors que Donc... moi, téléchat, c'est parce que je suis du Nord. Mais du coup, je suis pas Oui, belge, oui, mais je suis oui. du Nord. Mais les Téléachats, ouais, c'est l'enfer. Est-ce qu'ils regardaient Blabla? Parce qu'il n'y a personne qui connaît Blabla en Blabla. France. Moi, je connaissais pas, mais parce que je suis un sale français. Donc... Alors, les lardons. Moi, Alors, les j'aimais bien les lardons! dessins animés qui passaient sur Allez! Blabla. Vous allez cravacher maintenant, les lardons! Mais Oui, oui, là, bah il connaît. oui, tu vois. Là, il Je suis connaît. pas belge, mais j'ai la culture. Tu, Ici, tu. blabla. Ici, blabla. Mais oui, en tout cas, tu me l'as montré, c'est Bah exprès, ouais, j'arrive pas à te la faire la con, là. il vivait. Alors, il parlait avec la carte mère, parce qu'il vivait dans je sais plus quoi, là, une espèce de vaisseau spatial. Et il parlait à la carte mère. Et il appelait les gamins les lardons. Et dedans, je me souviens qu'il y avait des dessins animés que j'aimais bien. Il y en avait un avec des oiseaux, mais je sais plus comment ça s'appelait. C'est Ah, oh, fou. puis c'était que des dessins animés. Puis comme moi, je captais ça avec dans la chambre de ma mère avec les vieilles antennes. Ouais. Tu vois, les vieilles antennes que tu mets à côté de la télé. Si tu touches les antennes, tu te prends des Ah décharges. ouais, c'est horrible Et ça, moi ben, j'avais ça, ouais. j'avais ça, mais on captait pas toujours très bien. Donc c'était que des dessins animés, mais en qualité de merde. Là, il dit, je Comme bouche mes M6. oreilles et je ferme mes yeux. Le docteur Saucisse, il était dans un distributeur de billets, ah bon? C'est ça, ouais. Il était En fait, au début, dans le générique, t'as une ruelle. Et t'as Une genre une ruelle espèce glauque d'une ruelle glauque la avec nuit. la fumée des égouts qui Et trop sort. ça. Ah Et bon? du coup, C'est trop et dégueu. t'as un truc qui vole. Et t'arrives dans une espèce de distributeur de billets. Et c'est dedans qu'il est. C'était Et parfait. Après, nous on c'était avait un délire marionnette, un peu comme les minicams, tu bah, vois, un dans le peu sens où comme c'était un le. truc comme ça, un peu comme le téléchat. C'était les chats, c'était un peu perché aussi, tu vois. C'est un peu. Enfin, c'était pas tout à fait le même genre, mais c'était. Ça se rapproche de Zéa. C'était une carte de banque qui volait, il dit. J'ai plus en tête parce que j'ai pas regardé depuis longtemps. Non, mais tu m'as fait voir sa gueule. Ouais, bah parce que bah c'est difficile de trouver des émissions, je pense. Alors, je sais plus si tu n'as pas montré un petit bout de générique Je ou sais tu vois, pas. ça devait traîner sur YouTube. Il y a toujours un connard, c'est Sais qui plus ce rip que une je VHS. regardais comme vidéo dessus. Parce que je regardais les yozios, là, les oiseaux Ouais, dans tu l'arbre. Je disais, ouais. regardais je sais plus quoi dessus. Oh, qu'est-ce que je regardais? Je sais plus. Il y avait le truc avec le chat, là. Le chat ou le chien. Je sais plus. De toute façon, il y C'est en avait plus. 20 000 des chats et des chiens. Et puis, il y avait tout ça. Moi, je regardais ici Blabla, je regardais ça, je regardais Téléchat, je regardais T'es fou, je regardais M6 Bah, Kids, c'est je ce qui c'était regardais plus tard. Enfin, Dekonka j'étais. TV et KD2A Alors, ça, après, oui. les Minicums, Minicum, ouais. bah, Club Dorothée en tout début parce que ça passait très vite plus quand j'étais grande. Enfin, quand j'avais 7 ans, ça passait déjà La plus, je crois. musique, elle se remet en boucle. C'est la même musique depuis tout à l'heure. Et si je regardais Midi les Zouzous, mais j'étais au collège.
rentrais manger le midi et je regardais un tarot. Donc j'étais en cinquième. Et ah, du bravo. Coup, je regardais quoi? Si, je regardais le truc. Bah, si, mes dessins animés, genre Princesse Sarah, Rémi, ça passait sur la 5. Moi, toi, pas sur la 5, sur Arte. Non, sur la 5, sur France 5. Non, c'est la 5, moi, c'est à l'époque. C'était sur le non. canal 5, mais je sais plus ce que c'était comme chaîne. Oui, 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 genre les zouzous, ça, c'est le. Ouais. Non, mais alors moi, les zouzous, mais moi, ça passait moi, sur ça plus avant. Récent... Parce que je regardais les 4 filles du Docteur Marge et tout. Marche sur la 5 aussi, sur le canal 5. Lequel? Genre le truc japonais, genre enfin les 4 ouais. filles des acteurs Marche. Et ben tous ces dessins animés là, japonais, mais on va dire de qualité. Bah, c'est bâtard. Merde, faire des de qualité. Non, mais genre bien doublé, tu vois, avec un narrateur qui parle avec une voix grave, comme dans Rémi. Comme dans Rémi sans famille. Et ben ces dessins animés là, ils passaient sur la 5. Bah, mais ouais. Justement, c'était pas des personnages qui parlaient en disant si méchant. Ouais, comme les Nicky Larson. Ah, il était doublé correctement et sérieusement. Oui. C'est pour ça que c'est pas les animés en eux-mêmes qui sont de qualité, c'est plus le traitement. C'est le traitement qu'ils en ont fait. Oui, parce qu'à la rigueur, je pense qu'il y a des liens de... Bon, c'est tiré de livres français ou de d'œuvres anglo-saxonnes. Oui, c'est pas toujours super bien animé, hein. Il y a plein de blancs et des trucs. Je pense que parfois, mais... du coup, ils disent, ah, c'est respectable, donc du coup, on va doubler ça de manière. Alors qu'un mec qui vole sur un petit nuage et qui envoie des boules de feu avec ses mains, ça c'est débile, tu vois. Ouais, je pense que pour mais eux. City Hunter, ça a l'air sérieux. Enfin, ouais, non, mais non, c'est parce que c'était trop violent et qu'il fallait le rendre compte. Ouais, je pense que c'est ça, comme quel le survivant. Il voulait pas. Je pense qu'il trouve ça. Et bah, c'est même pas le cuisine. Ouais, c'est con quand même. Ouais, moi, je trouve ça énervant. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle. Mais moi, je comprends même pas que ce soit pas ressorti doublé de façon ouais. correcte. Hein. C'est moi, un manque que de respect, mais c'est un manque. Ça... Moi, je trouve que c'est vraiment un. Moi, je pense que c'est genre une faute. C'est genre une faute professionnelle, pardon. Moi, je pense que c'est même un conflit diplomatique. Est-ce que tu veux <T'es vénère. rire> Oui, café. Un café. Un café pour moi. Parce que je suis un adulte. T'as, tu vois, je suis un adulte. Genre là, je joue à Tomb Raider. Bon, ok, je joue à Tomb Raider, mais bon. Je joue à Tomb Raider de manière adulte, avec un regard d'adulte maintenant, tu vois. Car je constate que non, que les vrais temples ne ressemblent pas à ça. Le doublage FR de l'époque est dans la nostalgie. Bah ouais, non, mais c'est carrément ça. Mais c'est juste que bon, bah déjà à l'époque, moi, ça me gonflait. Tu vois, j'étais déjà quelqu'un de raffiné. Je vais faire un petit peu leur filet pour pas oublier les enfants non plus. Bon, ça va, on a le temps. Quels bien. Enfants, oh, quels, enfants bien. Quels enfants. Tu sais, je joue à Tomb Raider, je tourne en rond et j'en ai ras-le-bol. Oh, c'est bien d'être sans enfant, n'en faites pas, n'en faites jamais. Ne faites pas d'enfants. Si, parce qu'ils sont mignons. Oui, mais de loin, tu peux travailler avec. Oui, tu peux travailler avec. Oui, mais si personne ne fait d'enfants, tu peux jamais travailler avec. Tu vois ce que... Mais si tous les hommes et les femmes ils se marient entre eux, hein, il n'y aura plus d'enfants, il y aura... Non, mais tu veux la tasse comment? Bah. Après, la partie sur les lesbiennes. En fait, ce matin, ouais, j'ai lu un truc comme ça, choquant. Non, mais parce qu'en fait, ce matin, j'ai vu. J'ai des émissions de Guillaume Meurice tournant en boucle, et justement, je suis retombée sur une vieille émission d'il y a 6 mois, et il parlait de ça, et ça m'est resté. Ouais, non, mais ouais, il y a un mec comme ça ouais, qui. Bah, moi, ce matin, j'écoutais Kif Taras. Oh, lequel. Sur. Je sais plus, s'il était bien, plus d'ailleurs, je l'ai pas fini. Et ouais, et c'est choquant parce que le mec, bah, c'est un. Ah, je sais plus son nom. En fait, c'est un mec, il est arabe et bah, du coup, il est musulman. Comme par hasard. Non, mais du coup, il anime une radio qui parle de sexe et de religion. Et du coup, il expliquait que ouais, bah, c'était bien. Chaud. Mais je me rappelle plus le nom. En plus, je l'écoutais ce matin, c'est con. Et ouais, mais comme parfois tu les enchaînes, tu regardes pas ouais, les trucs. Ouais, et ouais, mais moi, genre, je sais que je les enchaîne et du coup. Et du coup, c'est triste parce qu'il expliquait. En plus, je crois qu'il est. Alors, je sais plus si c'est aimé, genre, il est homo et tout, mais. En tout cas, il expliquait que c'était chiant parce que du coup, il expliquait que quand il faisait son émission, c'était. Tout le monde l'en voulait ouais, parce que bah, du coup, ouais. Il expliquait. Bah, à la fois, il y avait des gens qui sont dans la religion qui recrutent, enfin, ouais. qui refusent. Il y à avait côté, les gens qui sont un peu bon. Légitimes parce qu'il est arabe. Voilà. Il y avait les TERF et tout ça qui sont. C'est quoi des TERF déjà? Je sais plus. Alors, les TERF, c'est les. Celles, c'est les féministes qui sont contre. Enfin, qui estiment que les trans. Ne sont pas des. Enfin, que les trans ne sont pas des vrais. Que c'est femmes. Les amis, là, que ouais, les. Que c'est des hommes. Que bah... les nés hommes ouais. qui. Alors, je crois, c'est, il des, me semble. C'est des traîtres, en gros. C'est... Non, c'est... pas des traîtres, c'est pas que des. Des... Traîtres, c'est des espions. C'est un... Ouais, c'est un peu ça. C'est leur. C'est leur non, le. C'est pas le... des femmes, toi. C'est limite le loup dans la bergerie, quoi. Ok, enfin, alors... ouais, non, et ça s'appelle des traîtres. Je t'avais crois. Pas entendu le terme, mais je savais pas. Alors, je crois que c'est ça. Ou alors, j'ai une connerie, parce que là, du coup, tu mets le doute. Mais voilà. Et du coup, ce matin, l'émission, on sait, elle était bien.
Mais du coup, elle était un peu triste que Maga expliquait que ouais, bah sa famille, bon, bah, elle était fière de lui, mais qu'en même temps, bah, elle avait peur pour lui, ce qui est normal, tu vois. Parce que bah, le mec, il recevait plein de menaces de mort, mais tu vois, mais de toutes parts, tu vois. C'est l'ennemi de la nation, quoi. Bah ouais, c'était un Parce peu que triste. déjà, c'est un mec, alors il peut pas parler au nom des femmes. C'est un arabe, alors il peut pas parler au nom des gens de Ouais, manière générale. puis En même, plus il de ça, il est dans expliquait, la religion. ouais, Il bah peut ouais. pas parler au nom des athées. Et puis Non, bon, il y a voilà, et des du gens coup, religieux c'était. qui sont contre, enfin, c'est En tout cas, horrible. si jamais vous écoutez pas Kif Taras, bah, c'est bien Kif Taras. Ouais. Et Mais. après, quand on est blanc, on sort de vachement. Bah ouais. Non, mais si, Effectivement. je pense que c'est Moi, important parce que tu vois des choses. Enfin, même si t'es déconstruit, que tu vois des Oh, mais choses il y a toujours des trucs en plus, hein. On a sur balles compris, on racistes, n'a pas et bah tu apprécié. vois quand même. Enfin, voilà, c'est qu'il y a des choses parce que comme on est blanc, on a quand même des privilèges de ne pas voir certaines choses, tu vois. Et du coup, bah, ça te permet de voir d'autres choses que tu ne peux pas forcément te rendre compte, tu vois. Bah voilà, du coup, c'est un aparté Tomb Raider. Mais il y en a plein. Kif Il y a Taras. dans les podcasts, ouais, il y a Kif Taras qui est très bien. Après, sur le racisme, j'ai pas trop. Bah Bah, moi, les, c'est. si, les pieds sur terre, il y a moyen de trouver des trucs très bien parce que les pieds Ouais. sur terre, c'est bien sur tout. Sur Ouais. tout, 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 Mais ça fait longtemps qu'on tout. n'a Ça fait longtemps pas qu'on n'a pas regardé. écouté les pieux sur terre, Et bah ouais. en fait comme nous, on est par phase. Enfin, moi, des fois, genre, je vais écouter 20 fois le. Enfin, Les trucs sur 20 le podcasts sur. féminisme. Ouais. C'est genre les coups sur la table, c'est genre je vais en écouter plein. Ouais, alors dans Et les pendant. podcasts féministes, dans ce que je propose d'écouter, il y a un podcast à soi, Les couilles C'est sur la lequel sur table. le. Ah oui, c'est le. Un podcast à soi, C'est celui. c'est avec Charlotte Bien-Aimée, il me semble. Je sais plus comment. Bref, donc c'est un podcast à soi, j'en ai écouté plusieurs. Il y a donc Les couilles sur la table qui est très très bien, où il y a beaucoup de podcasts. Il y a Vénus et Pilotel la chatte qui déconstruit l'histoire de l'art. Ensuite, tu m'as dit le nom, mais j'ai pas écouté. Il y en avait un autre. Alors, par contre, là, c'était plus sur la PMA et la GPA et les femmes. Sur les œufs, mais j'ai plus le nom. Ça, c'est très bien sur le Alors, féminisme, en c'est tout où cas. faut aller après, peut-être. Et après, il y a Fenêtre sur cour qui est vachement bien sur le système judiciaire. C'est un podcast vachement Là, c'est le intéressant truc à écouter qu'on a aussi. déjà J'aime écouté. beaucoup Fenêtre Ça, sur cour. pareil, ça fait longtemps qu'on n'a pas Ça fait écouté. très longtemps que j'ai pu écouter. Mais ça, pareil, C'est ces des trucs. chroniques judiciaires d'Alice Costa. Oui, on a écouté plusieurs. Toujours la même musique tout à l'heure. Ça trouve, j'espère qu'il n'y avait pas trop de gens de droite, parce que là, du coup, ils ont... Mais oui, parce qu'ils sont tous partis, à mon avis. Alors, au début, c'était sympa, Tomb Raider, mais jusqu'au moment où il parle de féminisme, c'est bon, merde. Il me traite de terre, tu me traites pour qui? Il me traite de TERF. En fait, là, regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui me fait rire, c'est que là, il y a des pics, mais il y a plein de sang. Fait qu'il y a plein de gens qui sont tombés, là, tu Je te vois. laisse doser ton lait. Rebonjour, Tabasco. Tiens. Le lait? Ouais. Ouais. Du lait demi-écrémé? Tiens, si tu veux perdre encore soif, est-ce que tu veux un peu de jus de vache violée? Là. Horrible. Tiens Tiens, bien, hein. tiens, tu prends Ah. ça, moi je prends le lait. Est-ce que t'as mis Merci. du sucre? Non. T'as vu? Tu sais, tu reviens du travail et tu me sers un café, c'est quand même ce qu'on a vu. Je suis à genoux. Tu es À à genoux genoux au pied du du canapé. canapé. Je suis assise Mais par en terre général, c'est moi parce qu'il n'y a bon, plus de place. c'est tous les sauts foirés. Ouais, voilà, là-dessus, il y a plein de... En fait, j'en ai eu plein. Ouais, en fait, ou alors ça c'est plein de Lara Croft. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu meurs, en fait, bah, après, bah, tu joues une autre Lara Croft dans un autre monde parallèle, tu Tu veux vois. du sucre de canne? Non, ou du sucre de Deauville. Non, parce que celui-là, Oh, il parle mieux. bah Non, tu l'as pas. non! Non, mets-le. Mais Mais ouais. oui, du coup, Oui, non. bah oui. Si, il est mieux. En fait, moi, je prends le sucre de canne pour le. Putain, du sucre de Deauville, connard. On... C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Tu vas En dans ton vrai, quand tu travail. meurs dans le jeu, tu ne recharges pas la sauvegarde. C'est un clone. Oui. Oh, Voilà. Ah, c'est c'est horrible. triangle, il Ah, y a c'est plein de gens triangle. morts. Ou alors, c'est le prestige, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Du sucre d'Hollywood. Ah, t'imagines, c'est du sucre d'Hollywood, tu Putain, vois. il vient de loin. C'est du sucre qui coûte Ah, il coûte 4 euros de cher. plus. Il coûte 6 Il a euros. des lunettes. Et il a des petites. Ouais, mais il y a genre un clap de Hollywood dessus, tu vois. Ah, oh, tu m'ouvres comme ça. Ah, tu fais Tu m'ouvres schlag. avec un clap. Et Ouais, tu me fermes en faisant clac. le sucre d'Hollywood. Par contre, moi, je suis coincé, j'en ai ras le cul, C'est sûr qu'il là. y a des gens qui l'achètent que pour le packaging et qui après mettent du sucre Carrefour dedans. Ouais. Et du coup, après, ils arrêtent d'en faire parce qu'ils disent, oh, fait chier. Ouais. Il coûte trop cher, bah, le packaging, on va pas en refaire. Du coup, le sucre d'Hollywood. Il a des dents super blanches et trop régulières, pour être honnête, oui. Oui. Oui, c'est genre le seul passé, genre le petit bonhomme dessus. Et la bouche à Morandini. Ah. Ah. Ah, ça me dégoûte. Ah putain, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Ah, tu sais, en fait, j'en ai le temps, c'est ouf. T'avais la taille de mon Eh, pied. aujourd'hui, tu sais, j'aurais fait que du stream aujourd'hui. Productivité zéro. Bah, si, en soi, un stream, c'est de la Ah production, oui, tu ça vois. produit quoi?
Rester assis, poser son cul à jouer à un jeu C'est vidéo compliqué. que tu connais déjà en plus. Hein? Tomb Raider, mais c'est vieux ça. J'achetais ça quand t'étais petit. Mais t'as pas évolué. En fait, j'arrive toujours pas, je sais, genre à marcher. Ah, t'as essayé de paramétrer la manette et ça marche pas? Ouais, mais c'était trop chiant en fait. Du coup, j'ai essayé de trouver le bouton sur le. Il est joli le vieux! Ouais, je trouve que t'as eu, moi je trouve un Moi je le peu. trouve encore En joli. fait, puis je trouve En que fait, il est pas beau, mais c'est c'est les vraiment animations. Tu vois, elles déjà sont ouf. c'est les animations qui sont vachement bien. Ouais, elles sont Et fluides et tout. même bah, l'environnement, le décor, Ouais, il est encore pour un jeu de vachement. 96, hein, quand même. Ouais, non mais si, il Et est même à beau. jouer, bon, même si là je galère, parce que c'est quand même dur en fait. En fait, ce qui est dur, moi je pensais que ce qui allait être plus dur, Moi c'est je les trouve ça combats. rend très bien. Bah ouais, voilà, c'est les versions PC, donc forcément c'est toujours plus. N'empêche que je me souviens quand tu passes au 2, tu fais wow. Ouais, le 2 était plus beau. Le 2, il a Et un. d'ailleurs, hier, j'ai un peu fait genre, le switch entre le 1 et le 2, je me suis dit, oh, putain, il est plus beau. Ah non, le 2, je m'en souviens, c'était une claque. Hein. Enfin, je sais que j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps sur le 2 quand j'étais Moi, petite. ça fait 3 heures que je suis dessus, il va me dire, il est nul à chier ce stream! Oh, c'est comme quand tu cherches des Wall Truth et que tu vois le connard tourner Ah ouais, pendant ah une ça m'énerve demi-heure et qui ça. fait pas ce En qu'il plus, fait. un Wolfsroof, c'est moi. Enfin, pour moi, c'est tu peux être des gens qui connaissent le jeu, tu vois. Ah, oh, c'est Et vrai. ça me saoule quand je veux regarder une Solus et qu'ils tournent en rond, putain, putain. Ah, ça fait du bien de boire un café. Je me sens adulte. Même si tu bois du café avec du lait. Est-ce que tu veux que je ramène la table des enfants? Pour avoir l'air plus Non, mais d'enfant. pour poser. Ah non, non, Pour ça poser va. les trucs. Alors du coup, moi je vais regarder une Solus parce que ça me fait Oh chier. là là. Ah T'es bah tout à pas un l'heure, vrai. je suis pas un vrai gamer. Allez! Voilà. Non, parce que c'est dur. Alors Tu je veux aller vais sur mon téléphone? bon, j'aurais pu regarder sur le même, mais bon, ça va. Tu vois, en fait, il faut aller là, viens. C'est Alors. marrant, on dirait qu'il est pas Il est. pareil que le tien. Non, c'est parce que là, c'est sur la vidéo, je pense que le mec, il a pas les mêmes couleurs. Tu vois, enfin, son écran, il est. Je sais pas, elle paraissait plus écrasée la tienne. Putain, j'avais Tu vois, trop. alors là, le mec qui saute là. Ah, attends, attends. Je regarde en fait au début, tu vois. Hop là. Regarde, bim. Et puis même, Lara, elle est plus. Genre, elle est mieux foutue dans le 2. Enfin, ça, Ouais, genre, t'es elle a une. plus humaine, quoi. Ouais, T'as pas la voilà. gueule Tu vois, déjà. elle a. Bah, même, elle a pas genre, la même. Elle a pas la Genre, même tête. elle a pas genre le même visage, va être ça, même. Là, on dirait un peu genre une prof sévère, tu vois. Mais. Non, tu vois qu'ils ont amélioré plein de petits trucs en fait, hein, au niveau de ça, les Moi, je me polygones. souviens, alors surtout par rapport au 2, parce que j'ai plus fait le 2 que le 1, quand j'étais petite, Ouais. un truc que je trouvais zinzin, c'est qu'elle change de tenue plein de fois. Ah Parce oui. que selon ses environnements, bah, Bah tu vois, ouais. quand elle est dans la mer, elle est en combine. Quand il fait froid, elle a son truc, bah, Ouais, ouais, ouais. voilà, où il fait Alors que dans froid. le 1, il est toujours pareil. Après, ouais, et ben dans le 2, comme elle change de fringue, je sais, je me disais, oh, c'est fou, parce que Ouais, c'est un petit je trouve détail. ça bien. Mais c'est un peu comme quand tu vois que Nathan Drake, il est mouillé quand il va dans l'eau. Et ben c'est les mêmes petits détails. Ouais. Que je trouvais foufou. Bon, je vois un peu ce qu'il faut faire, mais c'est marrant que j'arrive pas à. Merde, pas ce que je voulais faire. Ouais, et du coup, c'est dur. Après, il y a Oui, aussi le fait que je parle en même temps. Et c'est très dur, en fait, de streamer en même bon, temps, c'est tu un vois. métier. Hein. C'est un métier, finalement, hein, tu vois. C'est un métier. En fait, tu vois, il faut que. Bon, en fait, si, il suffit juste que cette. Bah, si, il faut que je bouge celui-là, là-bas, tu vois. Ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un qui regarde, il connaît le jeu par cœur, il dit putain, ça fait 3 heures, je le vois Il passer se tout le mange temps les sur le ongles de côté, il sang. se range les ongles. Moi, je peux pas ça. De quoi? Ah, connaître un Regarder jeu? des gens qui jouent. Un jeu Enfin, que tu pas connais. qui jouent mal, mais qui jouent. Déjà, qui jouent pas comme moi. Je sais que j'ai essayé de regarder Déborah jouer à Bloodborne. Et. Alors, déjà, je pétais un câble parce que le chat, il me rendait dingue. Ah, Parce parce qu'ils qu'il n'arrêtaient pas de dire ah, faut aller là, faut aller là. Fermez vos gueules, putain, laissez-la est. de découvrir le jeu. Même elle, elle disait non, mais Ah, je laissez-moi. m'en Et souviens, en il plus, je pouvait crois que pas tu. s'empêcher de l'ouvrir. Et ça me rendait dingue. En plus, je crois que tu me l'avais dit, je Et crois. elle-même, bah, elle découvrait le jeu, tu vois. Donc c'est même pas qu'elle jouait mal, c'est que peut-être que si je m'étais filmée, moi aussi, j'aurais comme une tata, tu vois, je sais pas, mais. Une tata. Bah, je voulais dire une tanche et puis j'arrivais plus à trouver le mot. Mais. Enfin. Oh, ça passe. Déjà, le chat m'énervait avec ses réflexions. Mais en plus de ça, elle jouait pas comme moi qui refais le jeu Ouais, je trois fois, comprends, tu ouais. vois, comme je l'ai fait trois fois d'affilée. Bah, forcément, j'ai des automatismes. Oui, je comprends. Et Oh! j'avais beaucoup de mal à. Peut-être ça, attends. Voilà, ça se trouve, depuis tout à l'heure, il fallait juste que je fasse ça. Voilà! Je crois que c'est un peu ça. Ouais, mais je parle en même temps, puis j'aime bien parler avec le chat. Kara aussi, elle aime bien passer du temps dans les menus. Non, ah ouais? Oh, quand il fait un Ah, RPG, il merde, passe pardon. grave du temps dans les menus. Dans les menus, voilà, c'était juste ça. Hop là!
coup, il rigole, l'acteur C6. Pourquoi? Peut-être parce que je viens de me débloquer. En plus, je suis même pas sûr que je sois totalement débloqué. Attends, ah, faut peut-être qu'après. Ah, attends, et après, je pense qu'il faut que je réappuie une dernière fois sur le. Tu vois, tout en haut là. Et après, à moi, mais après, le niveau d'après, j'aimais bien, c'est le monument Saint-Francis. Et peut-être que si je fais ça maintenant. C'est un peu gênant le chat parce que quand les gens ils disent ah, enfin, c'est là que je me rends compte que moi aussi je fais ça. Je Moi dis aussi, je le fais. ah, mais Il tu sait sais pas à pas, quoi. tu sais pas s'ils rigolent pour une blague, s'ils se foutent ta gueule, c'est terrible. Mais moi aussi, je le Entre fais. Hein. parenthèses, je ris parce que bah, tu peux pas Non, dire ça oui. non Non, mais plus. Ouais, moi aussi, genre, je fais ça des fois sur le chat d'autres gens. moi je Tu sais, réponds genre, comme je mets un smiley qui si. rigole et je me dis toujours, mais peut-être que la personne, elle va pas savoir Tu de te rends quoi. pas compte de combien tu as de décalage avec les gens? Non, je ne me moque jamais. Je ne moque Je ne jamais. te crois pas. Les gens qui disent ça, de toute façon, c'est pas. On peut pas leur faire confiance. Attention, j'ai posé ça. On peut pas leur faire confiance. Enfin, le chat, on peut jamais leur faire confiance. On voit jamais leur Moi, je tête. me moque tout le temps. Je Comment ça? critique tout le monde et j'aime personne. Mais non, c'est Pour pas de vrai. vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. C'est pas vrai? Tu veux Non. qu'on répète combien d'heures on a parlé de ta mère il y a 2 jours? Ah ouais, non, mais. C'est ma mère aussi. Non, mais c'est. Ou la Je mienne. rigole parce qu'il a fallu que tu tournes. Oui, je tourne en rond en discutant tranquillement pour te débloquer. Non, mais oui. Ah, il Moi, dit, mais je non, suis. je suis belge, je peux pas me moquer. Il dit. C'est avec les Suisses que ça marche. Hein? Pourquoi les Suisses, Bah, les ils. Suisses, c'est les gens. Justement, dans le stéréotype, c'est les Suisses qui sont neutres et qui sont genre, on se moque jamais, Ouais, on est mais peut-être parce que les impartial. Belges, comme les Français, il faut se moquer d'eux, je sais pas quoi, non, c'est pas ça. On dit que les Belges, ils sont cons, c'est tout. Oui, c'est Mmh. triste, j'ai J'ai jamais trop compris jamais pourquoi trop non compris plus. pourquoi. Peut-être Je trouve parce ça que trop c'est bizarre. xénophobe, c'est là par rapport à l'accent, je Je sais sais pas. pas, je sais pas, mais moi, j'ai toujours. Mais comme les blondes, je sais que c'est un truc qui m'a jamais fait marrer. J'ai pas Il d'où y a ça une vient les période, c'est blondes. une période, y a une période, et moi, je trouve ça très très gênant. Et de plus, que c'est là où je suis quand même un peu. Pas content, parce que j'ai dit de la merde, hein, mais par rapport à ça, moi, je me dis que. Déjà, ça paraît assez gênant, tu sais, genre les Non, blagues les avec les Belges blondes. ont dit quoi comme stéréotype? Qui boivent, qui. Bah, qui sont consanguins. Se Comme les garder. gens du Nord, c'est un peu kiff-kiff pareil. Hein. Alors, c'est quoi? C'est qu'ils sont consanguins, ils sont Je sais cons, ils sont plus. alcooliques et. Ah, parce que nous, on vit dans le Nord, ça. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ouais, puis moi, j'ai fait mes études en Belgique aussi. Alors là, j'ai peur parce que là. Heureusement, je peux Mais. sauvegarder, hein, par Non, exemple. je sais plus. Non, je sais plus, mais ouais, en tout cas, je me rappelle de cette époque avec les blancs, c'était très très lourdingue, ça. Mais l'alcool, c'est C'était. malheureusement pas un stéréotype. Ah Bah, ouais, dans le c'est Nord vrai? non plus, C'est enfin. vrai, dans le Nord, moi je me rends pas compte, est-ce qu'il y a plus d'alcool? Enfin, que moi avant, je Alors, vivais à Paris, j'en sais rien. Je pense que et je sais sociologiquement, pas. si, tu vois, il doit y avoir Ah. des... Il doit y avoir des. Là, je pense que le SAF dans le Nord, ça doit être beaucoup plus présent. Tu vois, les syndromes d'alcoolisation fœtale. Moi, je le vois dans l'école. Je pense qu'on a toujours un Ouais, troupeau de c'est. gamins comme ça où tu sens qu'il y a Oui. de l'alcool dans la famille. Et que parfois, bah, c'est comme ça. On sait qu'il y a des familles qui sont suivies par des neuros et compagnie, et ou qui a eu des syndromes d'alcoolisation fœtale. Tiens, pas fait Et je ça. sais que c'est un truc qui fait aussi des ravages dans certaines régions du Quand il dit, le Royaume-Uni. docteur Ceci, il dit qu'il y a un gros problème de conso chez les jeunes, et je buvais énormément ados et étudiants. Alors oui, pour le Ouais, mais coup, à nous, Paris aussi. À Paris on aussi, il y avait habitait à pas côté d'un de. quartier très, très. En fait, c'est ça, c'est que les villes étudiantes, parfois, nous, on est à côté de l'école de médecine, et il y a des grosses écoles à Lille, on a des grosses écoles de médecine et de commerce, et c'est un peu des shows. Ah putain, j'arrive Je pas, sais pas, il y a une culture de la fête et de hein. la J'appelle un marché. boisson qui est. Et de l'alcool fort, et de l'alcool fort, et de l'alcool, et du mélange d'alcool avec des soirées jusqu'à s'en faire vomir. Ce soir, et là. Ah, j'ai trouvé! Mais après, Dum, pareil, ouais, je sais pas si c'est. dum. Est-ce que c'est pas comme ça à. Je sais pas, Bah, moi, moi. j'ai l'impression qu'à Paris, En il y a beaucoup Alsace, plus. c'est pas comme ça, du coup. Je sais qu'à Paris, il y a aussi des soirées d'alcool. Hein. Mais après, je me rends pas compte de leur proportion. Moi, je sais que moi, je me suis déjà fait inviter à des trucs comme ça, mais moi, je buvais pas. Je buvais mon coca comme un sale con. Moi, Pardon. j'ai fait des soirées pharma quand j'étais Soirée enfin, Luc pharma. aussi. Tu prends, c'est grave dangereux en fait. Aujourd'hui, on dit ouais, les jeunes qui prennent Ah, les espèces de les petits capsules. ballons là, ouais, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle, ça, je sais pas, mais les. Ouais. je sais plus Ouais, truc les de psy, capsules. là, j'ai Oh, on en oublié trouvait. comment ça Merde, putain, s'appelle. je suis tombé. C'est pas du monoxyde, c'est du. Je sais Ouais, plus, l'espèce de capsule. peroxyde, Et on en je sais trouvait plein plus. par terre. À la Ouais. fac, c'était la bière à moins d'1 euro. Dans Ouais, les bars ben. étudiants. Moi aussi, j'ai connu. Bah déjà, à l'époque où je fumais quand j'étais étudiante, c'était 3,15 € le paquet d'élixir menthol parce qu'il est Belgique. C'était que 3,15 € pour fumer, donc je fumais 2 paquets par jour Merde! pendant le Oh, week-end et un putain! paquet par jour le reste de la semaine. J'arrive pas à jouer au Et pareil, la clavier. bière, c'était pas cher pendant la happy hour.
Et en fait, tous les soirs, eh ben, tu buvais avec tes copains ou des trucs comme ça, quoi. Et même, enfin, nous, on avait le brassière qui était en face de l'école, où on buvait en sortant de l'école. Et c'est vrai que c'est trop, trop Ouais, ritualisé. te Et c'est trop garder. banalisé aussi. Et même, Ouais, enfin, pendant ouais. longtemps, quand tu bois pas, même toi, quand tu venais chez ma mère, à chaque fois, c'est « Ah bon, tu bois pas, Ouais, t'es ça me sûr, tu saoulait, veux pas putain. boire? » Tu Foutez-lui bois la pas? paix, Moi, putain. j'ai dit, bah non, c'est bon. Moi, ça, je peux dire quoi? Genre, tu. Je joue pas aux jeux vidéo. Maintenant, c'est quand même 1 million de gens qui jouent. Tu joues pas. T'es sûr cette fois? Tu veux faire une partie ou pas? Après, c'est pas devenu normal de boire en soirée. Je pense que boire, ça a toujours été quelque chose dans Ouais, bah si. l'expsociété humaine de vachement important. Mais je pense Si, que, bah si, en avec tout les cas, je jeunes, pense que c'est dans ça. les fraternités, les sororités, la fac, en tout cas, ou les trucs comme ça, un peu communauté de jeunes à l'école, où soit tu as besoin de relâcher la pression, soit tu as besoin de faire une espèce de groupe rassemblé autour de quelque chose. L'alcool, ça a pris peut-être Ouais. une. En fait, il y a une consommation d'alcool qui est peut-être différente de celle qu'on avait l'habitude d'avoir depuis longtemps. Entre ceux qui buvaient parce que l'eau c'était peut-être trop dangereux par rapport à l'alcool. Ma mère, elle buvait que de l'alcool, quoi. Enfin, non, elle buvait de la Buvez bière que de table. d'alcool. Non, mais elle buvait de la bière de table parce que dans le Nord, pendant longtemps, on buvait de la bière tout le temps. Ouais. Et même les gamins. Ouais. Et moi, quand j'étais petite, comme en plus ma famille, elle est polonaise, et ben j'ai bu très très vite aussi. Tape la Parce que c'était pause. culturel, mais. T'as que la me regarde tout le temps, le squelette. L'orange pied de bœuf. C'est quoi Ça, j'en ça? sais rien. C'est quoi Ça ça? a l'air dégueulasse. Arrête le nom, c'est dégueulasse. Ouais, j'ai réussi à trouver Pied des de mots. bœuf tout court, j'en sais rien. Moi, je connais rien, moi, genre en alcool ou en. C'est une bière de Bah, table. ben, je sais pas ce qu'elle buvait. Je sais Oh, qu'elle je sais buvait même ça. pas. En tout cas, je sais que moi, quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, les professeurs, quand ils venaient manger à la cantine, parce que nous, on avait des enseignants qui mangeaient à côté de nous sur une autre table, ils avaient leur verre de vin à la cantine sur leur Ah, il plateau. dit que c'est l'orange pied de bœuf, c'est de la limonade qu'ils ont sorti plus tard. Ah, ça me dégoûte rien hein, que. Eh ben si, Ça me. c'était de la bière, mais genre pas trop alcoolisée, tu vois. Et comme pendant longtemps dans le Nord, on a eu des problèmes avec l'eau, et même à l'école, il y a un moment, ils ont décidé de servir de la bière sans alcool ou de la bière de table, Ouais. justement pour que les enfants évitent de s'intoxiquer avec Oh, l'eau, un quoi. dinosaure. Aïe, Oh, viens! je suis mort, pouf. Coucou! Coucou, je t'ai bouffé la gueule. Je suis perdu! Je suis perdu. Venez faire Aidez-moi! chercher ma maman. Est-ce qu'il est tout Il est pété? petit. Ah, il faut que je me soigne en fait. Et je prends mes petites pilules. Je suis stressé. En tout cas, voilà. Dans le Nord, je sais qu'on a eu des problèmes de puits contaminés et du coup, l'alcool, c'était aussi quelque Elle est chose plus de contaminée comme normal dans comme El et de Chupacabra. même sain. Non, non, Orange Pied Meuf, c'était de la bière aussi. C'est juste son nom. D'accord. J'ai essayé, j'ai essayé. Après, la pauvre Mais pauvre, on non! la connaît. Oh putain, t'es Oh, pas oh, passé oh, loin! oh. Ouh là là, sauvegardez, madame! On sait jamais circuler, à sauvegarder, on va Passeport, circuler. s'il vous plaît. Un passeport, s'il vous plaît. Merci. Veuillez sauvegarder, s'il vous plaît. C'est important. Ah putain, il est déjà 17h15. Tu pars dans 15 minutes ou dans plus longtemps? Il faut que je me prépare, ouais, dans 15 minutes. Du coup, je joue encore 5-10 minutes. Après, je fais genre, ouais, au revoir, salut. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, mais c'est bon, c'est tout un peu long à la fin. Eh, j'aurais fait que ça, t'as vu? Ah mais comme demain je sais qu'il y aura bon bah il y aura ça non si il y aura toi D'accord. bah de bonne après-midi Oh, je c'est travaille bien pas. oh. Oh, elle m'a fait un compliment. Qui Parce que bah, je parlais avec Jessica. Et ouais alors, la tranche du total perso, les gens ils comprennent pas, on s'en une fout. soirée on s'en fout Ouais. Ouais, Jessica, elle me disait que Manu, elle était triste. Elle était voir Jessica en disant, oh, Marie, elle part, c'est quand même dommage, qu'est-ce qu'elle était bien. Visiblement, elle n'arrêtait pas de lui dire que j'étais vachement bien. bah c'est bien Jessica ça. m'a dit que je m'étais adaptée vachement vite, que j'avais super bien travaillé. Alors que moi, la semaine dernière, j'étais encore en mode, Ouais, oh, t'as je quand même. suis trop nulle, je T'as vu que sais c'était pas bien? faire. T'as vu bah, que tu dévoiles. Il y a quand même deux écoles qui disent que t'es quand même bien. Ouais, bah en tout cas, moi je pensais que j'étais nulle à chier, que j'avais tout foiré, j'ai même dit pardon, je suis désolée pour tout le problème que j'ai causé. Au final, ils étaient contents. Bah c'est bien, t'as Et vu. Ça, finalement, bah toi, tu pensais que ça se passait mal et voilà, pour j'ai eux. dit que si je retourne, enfin si je reviens à un Bah ça moment, passera bah mieux. moi je serais rodée, quoi. Non mais c'est ça, c'est qu'à la fin, t'auras plusieurs écoles et tu vas retomber, il y a des chances que tu retombes sur les mêmes. Bah Hé! ils veulent pas de 35 heures dans cette école, donc Non mais. j'ose pas faire de courrier pour dire si si, il en faut un, mais je sais qu'ils m'écouteront pas. Hey, attends, je suis au bon endroit là. Bah oui, je pense que oui. Bah tu vois que t'as fait un compliment. Oui, les gens ils disent que je travaille bien. Est-ce que tu te sens Je valorisé? suis Hein? rassurée et je sais très bien que mercredi, quand je vais arriver dans l'autre école, je vais Ah, encore je suis pareil. Oh, nul! je suis trop nulle, je ne sais pas faire. Les gens ils m'aiment pas. Ah quoi non, en tout cas, t'auras deux écoles. Enfin, je pense que ce sera pas pareil. Je sais pas, on verra. Tout cassé!
Alors moi, là, j'ai eu plus de temps pour me préparer psychologiquement. Emmanuel, ouais. comme moi, elle ne supporte pas le changement. Elle n'aime pas. Bah, c'est pour ça que... moi, je suis quelqu'un de super rituel et je déteste quand on me dit quelque chose à la dernière minute ou quand je change mes habitudes. Ouais, ouais. Et elle, elle est pareille et du coup, elle n'aime pas. Bah, faire sur quoi là? Ah oui, il y avait des espèces de statues à buter, là. Ah, elle est bien, ça, cette musique-là. Non, je chante par-dessus. Les gens, ils ne peuvent pas profiter. Alors, les racus, à chaque fois, ils nous disent cette musique, elle est bien, mais ils chantent par-dessus. Qu'est-ce qu'il est con? Vite, fuis! Pourquoi t'es fui? Parce que ça craint! Faut que je sorte de là, je suis claustrophobe! Bah, en plus, on peut mourir, je crois, en plus, même temps. Je crois qu'il faut se barrer du niveau. Ah, c'est à Boubou le tout à l'heure. Quand je suis arrivé. Le niveau il a craché un boule. Je suis toujours là. Tu la boule. Mais non, c'est elle qui s'est pris le mur. Ah, je croyais que c'était. Tu la boule. Ouais, alors par contre là c'est pareil, tu vois, quand je nage. T'arrives pas. Ouais, en fait elle va constamment un peu en bas, c'est un peu bizarre. Ah. Pourtant avec toutes les manettes, hein, ça c'est pas une question de ah c'est la manette switch. Gars, connard là. Putain, le 1, tu vois, je me souvenais pas qu'elle était comme ça alors que dans le 2 elle est vachement mieux faite aussi. Hey, c'est Barry. Non, c'est la somme. Non, mais c'est la somme. La somme, le connard merde. Par contre, je me rappelais plus quand on le butait. Enfin, il me semblait qu'on arrivait et que c'était une cinématique. Eh, c'est cool parce qu'au moins. Wow. Ouais, c'est un des sbires du. Un des sbires du méchant là. Ah, bah voilà. T'es un connard. Elle est décontractée. Elle est décontractée, Lara. Ça me plaît, ah non, c'est juste un morceau. Un morceau. Vous parlez de l'artefact là? Un peu, mon neveu. Je vais vous le. Voilà. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Miss Natla a mis Pierre Dupont sur la. On dirait pas qu'il vienne de se gueuler la gueule. Ah oui, il discute. En fait, c'est ton tir au moins 20 balles chacun sur la gueule. Mais putain! Et là, il discute. Avec ses petites pattes de piéton. Un peu de mon dieu, ouais. Il est con. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il est vraiment con. Merci. Oh, Laura fait du kung-fu. Tente de quoi le paquet. 58 minutes, du coup, le niveau 2, 3 et 4, j'ai fait une cinquantaine. Une non, mais chaque niveau, ils sont très longs. À part le premier, j'ai fait en 10 minutes. En fait, c'est très long. Voilà, bon. Ah, oh, c'est très joli. Ah, c'est une cinématique. Bon, voilà, c'est un tout petit parce qu'elles sont pas au même format, mais on s'en fout. Même à l'époque, je disais, waouh, les jeux, c'est... imagine les jeux vidéo, putain, ils sont beaux. Ils sont très cool, c'est tout le temps. Ils seront beaux comme ça tout le temps. Donc en fait, ils sont encore plus beaux aujourd'hui, tu vois. C'est, ils sont encore plus détaillés et tout. Et ouais, ils crament tout. C'est cool parce que comme ça, bah, je pourrais au moins quitter le truc en ayant terminé tout ce niveau-là. Enfin, tout ce monde. Parce qu'en fait, c'est un peu segmenté en monde, tu vois. Voilà, un peu le niveau 1, le niveau. Là, celui avec Jonster, la vallée perdue et le deuxième, là. Bah, c'est un peu un monde, tu vois. Wouah, Natla Technologie, c'est chez la méchante. Wouah! Je suis maintenant ici à Saint-Francis et d'autres tentations me tourmentent. Ah, c'est pour ça qu'on va à Saint-Francis. Une rumeur parmi mes frères prétend que sous notre monastère repose le corps. Elle nie. Elle est une voix d'adulte. Elle a ça, elle a, voilà, elle a fini. J'aime pas qui parle à. Qui c'est les Rochard? Bah si, c'est. En plus, c'est un doubleur connu en plus aussi. Bah elle aussi, hein, c'est une doubleuse connue. Hein. C'est Françoise, je sais pas quoi, quelle drôle. Mais je sais pas qui c'est. Je sais plus, c'est plein de méchants. Mais elle aussi, ouais, il est une doubleur connue. Et vous pouvez pas fermer vos gueules? J'essaye de suivre la cinématique. C'est quoi découvrir le jeu avec toi? Bah qui découvre un jeu en stream? Bah moi, il y a plein de jeux que j'ai achetés après avoir vu des gens les streamer. Hein. Oui, mais ça donne envie, mais c'est pas grave. En général, c'est des petits jeux, tu vois. Genre, des petits jeux. Enfin, par contre, je sauvegarde parce que si là je meurs, je recommence à la sauvegarde d'avant, tu vois. Ah, ouais. C'était un truc de connard. Alors, ce PlayStation, t'as quand même ce délire de. Ouais, Bah, t'y pensais déjà. Hein. Ouais, ouais, carrément. C'est un automatisme qu'on a perdu. Mais... Gars, c'est le niveau. Ah, moi, je l'aimais bien ce niveau-là. Saint-Francis, c'était dur, mais.
C'était pas demandé de faire une glissade, c'est demandé de faire un saut. Oh bah merde, ah bah oui, hein, bah ils vont se nourrir. Hein. Bah. Même pas. Même... C'était juste pour le plaisir de tuer. S'en bat les couilles. On est en train de notre petite routine. Ils sont barrés, tu vois. On n'avait rien à foutre. Bon, c'était bien, on a bien joué. Hein? Merde, comment on fait? J'ai avancé. Mais j'en ai rien à foutre. Putain, faut que je refasse les papiers de la banque, quoi. Voilà. T'as laissé l'imprimante? Ah ouais, d'ailleurs, il faut que je leur imprime tout et que je scanne tout parce que j'ai signé la feuille de fin. Il me dit, oui, par contre, j'ai besoin de tous les documents signés. Putain, sérieusement. De tous les documents. Je comprends même pas. Bah, du coup, je vais paraffer toutes les pages et puis je vais tout remplir. Bah ouais. Ah, hey, on était loin, là, dans ton Milo. Oh, une musique plus douce. Je suis content parce que du coup, on a eu le temps de faire plein de trucs. Plein de jeux. Est-ce que t'étais bien? T'as le mec qui demande aux gens, tu vois. Et genre, il veut être rassuré, tu vois. J'ai joué à ta manette Switch finalement. Voilà, le pad. Mais en fait, Dr. Saucisse, il est soi-disant docteur, mais il ne travaille pas. Bah, si, peut-être qu'il a. Il peut pas. Bah, ou alors, il serait. Non, bah, il travaille en. J'ai mal là, hein. Tu regardes mon stream, je suis occupé. Si, si. Les gars, il dit si, si. Tu fais ta paperasse administrative. En plus, j'ai eu. Ah, en plus, j'en ai passé de 11 personnes à 6 personnes. Je dois faire un support de formation pour le taf. Mais quel enfer. Oh là là, moi aussi, ça. Ah, je serais tellement mal à l'aise. Ouais, moi, j'y arriverais pas, moi. Je relirais 15 fois. Bah, déjà, je suis trop bête, déjà. Oh là là, ouais. Mais ça se passe bien, moi. Ça se passe bien. Je dois. Donc, je mets des streams pour me tenir compagnie. Oh! Ouais, mais t'arrives à travailler. Ça y est, elle parle avec les gens. Elle parle avec les gens. T'arrives à te concentrer sur ce que tu fais. T'as dit, moi, quand je travaille, des fois, je regarde des streams aussi. Je suis incapable de faire ça. Bah, si. Ah, ça dépend de ce que je. Enfin, de la tâche. Je peux jouer en même temps, mais je peux pas. Si, moi, je fais ça, mais des fois. Mais ça dépend de ce que je fais. Enfin, de la tâche que je fais quand je travaille. Enfin, quand je fais mes projets. Oh, regarde, il te fait des compliments. Et c'était un chouette stream, je reviendrai. Oh, c'est gentil. Est-ce que tu fais le plan d'amour? Oui. J'ai fait une trentaine de slides depuis ce matin. Putain, oh, trentaine de slides. Oh là là. Imaginez beaucoup mais c'est sur quoi? On peut avoir un récap. Un récap en quatre lignes. En quatre lignes. Et du support client deux ou trois fois. Oh là là. Oui, bah toi, tu sais, tu fais plein de trucs aussi. Hein, qu'est-ce que je enfants, fais ou... Je fais pas de papier, moi. Non, non, c'est... oui, c'est vrai que c'est pas administratif. Bah si, il y a remarque qu'on en fait, mais à la maison. Mais oui, sinon, on fait pas... Moi non plus, dans ce que je fais, dans mes projets, c'est pas des papiers. Mais tu vois, des fois, je sais que je regarde des streams ou je les écoute plutôt. Ou alors, je les regarde ponctuellement, tu vois. Puis bah, je fais mes trucs. Mais ça dépend de ce que je fais. Si je fais de la musique, bah, j'ai pas regardé les streams parce que ça me déconcentre, tu vois. Mais si jamais c'est juste faire du graphisme ou des trucs comme ça, ou de coder... Je peux pas écrire bah, en écoutant des gens parler. Si, ça va. Mais ça dépend de ce que je fais, tu vois. C'est stream ou podcast? Ouais, non, oui, les podcasts aussi, ouais. Je peux marcher, mais je peux pas écrire quelque chose, je peux pas même. Bah, ouais. Si, je travaille quand je fais des trucs automatiques, genre de l'entretien, des trucs comme ça, mais. Ouais. Oh, ouais, bon, déjà, j'ai pas mettre un stream avec mon groupe d'enfants. Et les enfants? Écoute, attends, il dit un truc. Ah, oh, bah j'ai loupé la blague. Merci, Timothée. Va dans le coin. Les streams où ça discute, ça passe bien. Après, c'est vrai que parfois, je suis pas forcément hyper assidu, tu vois. Ça m'arrive, des fois, je les écoute ou je regarde le stream, mais ça m'arrive que pendant quelques minutes, je suis dans mon truc, tu vois. Moi, je ça m'arrive, tu vois. Je perds des billes. Surtout que les streams, ça dure, bah là, comme celui que j'ai fait, il a duré 2 heures, 3 heures, je sais même pas. Là, c'est le stream le plus long que j'ai fait. Là, t'as fait ça tout l'après-midi, du coup ? Ouais. Comme une merde. Mais je referai pas ça tout le temps. Oh, attends, quand on aura coupé, il faudra qu'on parle de charge mentale. Je vais te raconter une anecdote avec ma collègue. Ah ouais, ah bah, ça va être bien. Oh, bon, en tout cas, voilà, moi, j'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Parce qu'après, je récupérais un enfant. Et un seul. Enfin, un. Enfin. Ouais. Bon, bah, j'espère que c'était bien. Bah, c'est cool, bah, le docteur Saucisse, t'es le bienvenu. Et voilà, puis bah ouais, c'était bien, puis ça a été bien avancé dans ton radar, et ça m'a conforté dans l'idée que c'est bien encore. En vrai, si, il s'appelle réellement Saucisse, Monsieur Saucisse. Bah, c'est possible. Est-ce que t'as vraiment. Remarque, nous, il s'appelait Docteur Flageolet.
Ouais, nous, on avait un médecin. C'était un nul. Hein. Il s'appelait le docteur Flageolet. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas envie de me faire opérer par docteur Saucisse, quelque part. Il y a une partie ouais, de moi qui serait pas trop à l'aise. Plus que docteur Flageolet. Plus que docteur Flageolet. Le Flageolet, ça fait un peu mou, tu vois. Ouais, je suis tout mou. Docteur Ricotta, c'est genre un dentiste. Il existe en vrai. Docteur Saucisse, le dentiste. Genre, t'es prêt. Mais moi, je suis juste d'être en chimie. Ah, je pensais que c'était un médecin. Ah, moi aussi, c'est vrai que... T'es pas un vrai docteur. Si, non, c'est on a le droit de dire quand c'est dans la chimie, c'est les... C'est un les scientifique. Doc... C'est les docteurs en... Un scientifique. Un scientifique. Comme disait... Mais pas Saucisse. Ah, ok. C'est... Donc, c'est juste le docteur qui est vrai. Non, je suis un docteur qui sert à rien. Non, c'est plus les docteurs en... Les docteurs... Ouais, voilà, en paléontologie ou en histoire et compagnie, eux, c'est pas des vrais docteurs. Entre guillemets, t'as dit, c'est des vrais docteurs. Des vrais. Qu'est-ce qu'ils disent Non, mais c'est vrai que quand on dit docteur, moi, je pense docteur médecin, en fait. Oui, c'est vrai. La santé, en fait, je pense pas à docteur... C'est vrai que moi, j'ai ce... Je dis toujours que ceux qui sont en chimie, pour moi, c'est des scientifiques, tu vois, ce qui est ouais, non, mais ce qui si, est pas ouais. forcément le bon terme. Alors que finalement, docteur, c'est quoi? C'est un diplôme, quoi? C'est un statut. Ouais, ouais. Puis je crois même pas vraiment dire différencier les deux. Tu vois. Ouais, je sais même pas. Tout le monde pense à ça. Docteur en quoi? Bah, docteur en histoire, tu vois. Je ouais, crois. Ouais, c'est bien sûr. Pas à ça. Ouais, il y a plusieurs types de docteurs et tout. Un diplôme et un titre dans certains pays. Ouais, puis en plus, suivant le pays, c'est pas. C'est pas forcément la même attribution, enfin, les mêmes dénominations. Est-ce que tu peux être docteur en cuisine? Docteur... Genre un truc comme ça, très concret. Du jambon, du fromage. Un truc très concret. Je reste à compte. Bah, tu peux être docteur en sciences politiques, par exemple. Ouais. Mais est-ce que tu peux être docteur en cuisine? Est-ce que Denis Colombis, c'est pas un docteur? Non, c'est un sociologue, il n'y a pas de... Ah, je crois, oui. Non, mais pourquoi pas? Un truc très concret. Est-ce que tu peux être docteur, un docteur, mais un truc qui va pas avec... Docteur en histoire de jeux vidéo? Mais non, vraiment, genre docteur en... Un truc très spécifique, tu vois, genre en papier. L'histoire du papier. J'en sais rien, mais... C'est partout dans le monde. Peut-être pas spécifique que ça, un mais... Un doctorat, c'est possible. Il y a des universités de gastronomie. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Il y a docteur en verrerie, non... Docteur de chasse. Le docteur Octopus, c'est pas un médecin. Enfin, tu vois, c'est pas un mec. Bonjour, qu'avez-vous ce soir? Non, bien. C'est un Octavio, c'est un scientifique. Voilà, mais c'est un docteur. Ouais, bah oui, non, mais si. Il voilà, y a plein de fois où les scientifiques t'acceptent que ce soit des docteurs. Je sais pas, en. Ouais, mais c'est un. Biochimie ou machin comme ça. Mais c'est vrai que tu te dis pas que tu peux être docteur en histoire de l'art, par exemple. Mais toi, bah, c'est comme ce qu'il nous dit. Il nous dit que les gens, bah, genre, ils pensent à ça. Enfin, ils pensent que c'est pas. Il y a moyen à partir du moment où tu peux faire de la recherche. Tu peux être docteur en tout, je pense. Le papier, il y a moyen que tu passes pas de l'ingénierie de papier. Bah ouais, non, mais je pense à des trucs très. Voilà, je pense ça, mais. Enfin, les gens vont dire oui, bonjour, je suis docteur en papier. Enfin, non, je pense que ça doit être quelque chose de très technique. Tu vois, c'est oui, comme, c'est un terme. C'est comme les gens qui font le ménage où tu dis qu'ils sont techniciens de quelque chose. Tu vois, technicien de surface. Docteur en porte. En porte. Putain, ouais. Docteur en système d'ouverture à la limite, mais. Ouais, ou. Docteur de la. Ouais, je sais pas ce qu'on va dire. Pour du papier. Non, tu vas dire docteur de l'industrie de trucs machin. Tu vas pas dire je suis docteur docteur pneu. J'ai fait un doctorat sur. Sur les gros pneus. Bon, je vais peut-être dire au revoir aux gens parce que. Puis aller chercher le. Ouais, bah je vois. Ouais, puis le temps d'aller aux toilettes, de me préparer, tout ça. Moi, je fais des bisous, moi, c'était très bien, on reviendra un autre jour, peut-être vendredi peut-être. Vendredi c'est une journée un peu soft. Ouais. Du coup voilà, bon, je fais on tue parce que moi je travaille. Ouais bah oui, alors, moi je fais rien, je m'occupe de la maison. J'aurais pas le temps vendredi. De bah je travaille plus loin donc ouais, j'ai moins de temps pour rentrer. Hein. Bah non, mais... en tout cas je fais des bisous, et à bientôt. Bah, peut-être à vendredi, du coup, on verra. Ah, bah, dites pas au revoir, bande de mal élevés. Au revoir. Bah, moi, je dis au revoir, moi, je suis poli, moi. Bonne soirée, à bientôt. Bisous.